18 000 euros, c'est plus vous, Laetitia, c'est avec Laurence. À 18 000 euros, à 18 000 euros. Regardez encore le pédigré, mère gagnante, place de groupe. À 18 000 euros seulement, seulement le deuxième de la mère. À 18 000 euros. Donc 18 000 euros, excusez-nous pour cette micro-coupure. 20 000 euros. Pendant lequel le lot 50-82 a été vendu pour 58 000 euros à Tony Ford. Ici à 19 000. À 19 000 euros, l'enchère est là en face de moi à 19 000. Donc je vous rappelle, le 82, si vous l'avez raté, a été vendu. 58 000 euros à Tony Ford, la fille de Raj Salman. À 19 000 euros, on adjuge. 19 000, Laetitia, merci. Emma Biagianti, merci beaucoup. Nous allons accueillir le numéro 84 qui est présenté par le Haras des Eves, une pouliche B. Elle est née le 12 mars, c'est une fille de George Vancouver et Lone Star Spirit. George Vancouver, une pouliche qui est présente devant vous avec la mère Invisible Spirit. A noter que depuis l'apparition du catalogue, le frère est gagnant plus placé qu'au Tocan. Le fils de Malbol Charlie, le frère donc en sortie, c'est la famille Law of Chance, tout bon pédigré, la famille Boris Dodoli, Atterrité, Luna Royal, As for the Moon, super pédigré ici, les beaux poulains de George Vancouver. Oui, gagné à 2 ans en Angleterre pour le frère, tout bon update. À combien débute-t-on ici? Allez-y, 5 000 qui débute George Vancouver, 5 000 euros. À 5 000 euros qui débute 3 000 euros. À 3 000 euros, le frère est gagnant depuis l'apparition du catalogue en Angleterre, pas d'erreur, à 3 000. À 3 000 euros, 3 000 euros, des chevaux précoces ici, 3 à 4 maintenant. J'ai 4 000 là-bas, à 4 000. À 4 000 euros avec Nathalie, à 4 000 bien sûr, 4 000 euros qui gagne 5, si vous voulez 5 maintenant, 4 000. À 4 000 euros, à 5 000 bien sûr, 5 000 euros, on vient avec vous, Laurence. À 5 000 euros, à 5 000 euros, Nathalie, je vous connais plus, allez-y, si vous voulez 6. Bien sûr, à 6 000 euros, à 7 000 maintenant pour vous, 7 000 euros, new fresh bidder, 7 000, 7008 maintenant, on y revient à 8 000, à 8 000 euros avec vous, Laurence, à 8 000 maintenant, 8 000 euros qui veut 9, si vous voulez 9 000, Nathalie, allez-y, à 9 000, merci, 9 000, j'ai, à 9 000 euros maintenant, 10, si vous voulez 10 000 maintenant qui m'appelle, allez-y, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros pour vous, 10 000, j'ai maintenant 10 000, à 10 000 euros, 10,000 only, à 10 000 euros, chic pédigré, à 10 000 euros, à 10 000 euros, le frère est gagnant depuis l'apparition du catalogue, 12, j'ai maintenant 12 000, 12,000 now, George Vancouver, à 12 000 euros, à 12 000 euros maintenant, 12 000 euros, à 12 000 euros. Le gagnant de la Breeders' Cup Juvenile Group 1, à 14 000, à 14 000 euros. Deuxième du Morley, 13 000 pour aller à 14. À 13 000 si vous le voulez, à 13 000 euros maintenant, 14 si vous voulez 14. À 13 000 euros, à 14 000, Fresh Bidder, 16 000 là-haut. Fini Nathalie, fini en droite, c'est 16 000 en haut. À 16 000. 16,000 on the restaurant. À 16 000. À 16 000 euros, j'ai maintenant George Vancouver. 16 000. Invisible Spirit. À 16 000 euros. À 16 000 euros maintenant. 16 000. 16 000 en restaurant. À 16 000. À 16 000 euros, Harvey. 16 000. À 16 000 euros, l'enchère. À 16 000. Fini à gauche. À 18 000. 17 000. 17 now. À 17 000. À 17 000 euros, finish en 18 000. À 18 000 euros, je vous avais dit 18 000 euros pour aller à 20 000 tout de suite. À 20 000 si vous voulez. À 18 000 euros. Chic. Polish ici avec une sœur, avec un frère gagnant depuis l'apparition du catalogue. Et on... Alors 18 000 euros pour le numéro 84. À 20 000, à 19 000, à 19 000 pour aller à 20. À 19 000 euros qui veut 20, qui voulait 20, 20, 20. Les... Finish for you, Harvey. Call me for 20,000, please. Thanks. À 20 000, à 20 000, à 20 000 euros maintenant, 20 000. 20 000 euros, j'ai maintenant 20 000, 22 si vous voulez 22 000. À 20 000 euros l'enchère au restaurant, 22. Allez-y, 20 000. À 20 000 euros l'enchère est là en face de moi, à 20 000. À 20 000 qui m'appelle pour 22. À 20 000 euros l'enchère, c'est là, c'est bien vu, 20 000. Last call, 20,000 on the restaurant. À 20 000 euros, c'est bien vu. Fini à droite, 22 000. 21. À 21. À 21 pour aller à 22. 22. À 22 000 pour aller à 23. À 22 000, j'ai 22 pour aller à 23, si vous voulez tout de suite, à 23 000. À 22 000 pour aller à 23, si vous voulez maintenant. À 22 000 euros pour aller à 23. 23 ? À 22 000 euros, 23. À 22 000 euros, at the 22,000 on the restaurant. 22 000 euros, le marteau se lève, c'est bien vu. Dernière fois, à 22 000 euros, on adjuge. Harvey, you'll be 22,000, thanks. Voici le numéro 85, une pouliche présentée par le Haras de Mont. Et voilà, le marteau est tombé à 22 000 euros, pardon, pour le numéro 84. La dernière autorise la vente ici, le père l'ambivalent,
Hartnell, Silov, Proval, Complaçant, tous gagnants de groupe 1. La petite fille de mon jeu qui se présente devant vous avec une mère Valanour, une mère qui est Black Type, qui est deuxième de l'Easted, qui a 8 victoires avec plus de 160 000 euros de gains. Toute bonne jument. À combien débute-t-on ici avec la famille de Mister Léonard, qui est deuxième du Critérium ici même? À combien débute-t-on ici? 10 000 qui débute 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, 5 pour aller vite, 5 000. À 5 000 euros, 3, qui m'appelle pour 3 000? À 3 000 euros, Authorize, 3 000. À 3 000 euros, qui débute les enchères de 3 000, Chic Pouliche à 3 000. Bon, alors, on va passer au rat de Mandor. Merci. À 3 000. À 3 000. La famille de Vatrigan, Jean-Marc de Vatrigan, qui nous propose ici une fille d'Authorize, des Lunora. Ah, Lunora, une bonne jument, Lunora. 8 victoires sous l'entraînement de Damien de Vatrigan. Black Type, elle est deuxième du prix Panacé, et puis elle a gagné le prix des fédérations régionales et le prix de Doha. Le jour de l'Arc de Triomphe à Longchamp. Un souvenir inoubliable, évidemment, pour toute la famille de Vatrigan. Seul en chair, 4G maintenant, 4 000 euros, Chipouliche du Bec qui se déplace à 4 000 euros, à 4 000 euros, donc une fille d'Authorized. Les talons ont combien confirmé que c'est Authorized? J'ai maintenant l'enchère de 5 000 euros, 6 si vous voulez, à 5 000 euros, 5000 only, à 5 000 euros, bien vu, 5 000, c'est pour vous Laurent, c'est contre vous à 5 000. À 5 000 euros seulement, l'enchère est là, à 5 000, c'est ni à gauche, ni en face, Laurence, votre enchère, avec une mère Black Type. Fresh Builder, 6 000, merci. À 6 000 euros. À 6 000 euros, l'enchère en face, 7 000. 7 000 euros maintenant, 7, 8, si vous voulez. À 7 000 euros. 7 000 euros, c'est plus vous, c'est terminé en face, c'est ici. À 8 000. À 6 000. À 6 000 euros. C'est... une enchère? Non, non, non. 8 000. 8 000, merci. À 8 000. À 8 000. À 9 000. 10 000? J'ai 9 000 maintenant, j'ai 9 000 pour aller à 10 000. Authorized, Mère Black Type, very good pedigree. À 10 000 si vous voulez, j'ai 9 000 maintenant, 9 000, 10 si vous voulez. Last call, 10 000 en lot. À 9 000 euros, l'enchère est à droite, c'est bien vu. À 9 000 euros, bien vu. Fini, Nathalie. À 9 000 euros, le marteau se lève, c'est pas d'erreur. À 9 000 euros, dernière fois. Regardez encore le take a look of the pedigree last time. À 9 000 euros seulement, à 9 000 euros, le marteau se lève. À 9 000 euros, l'enchère pour vous. À 9 000 euros, on la juge. On la juge. 9 000, Laurence, merci. Votre attention, s'il vous plaît, le propriétaire du camion de place immatriculé CH057RH, immatriculé dans le département 22, est prié de sortir son véhicule. Place au numéro 86, présenté par Jetburg Stud et le Haradelon. Un poulain né le 13 mars, c'est un fils de George Vancouver et Louvre Rouge. Louvre Rouge, la bonne jument Louvre Rouge qui est gagnante. Black Type, faite en 2 ans ici, ce beau poulain de George Vancouver. La mère de Goldaway. Bonne famille de chevaux de course ici, avec des gagnants très souvent. Le fils de George Vancouver qui fait des beaux produits ici, des beaux earring devant. Alors, 9 000 euros, c'est... 5 000 euros, racheté. 3, semble-t-il. Père a gagné la Bidoscope, je mène les groupe 1, deuxième du morning. Le beau George Vancouver ici avec une mère Black Table, Louvre Rouge, très chaud de course ici. Allez-y, 3, qui débute, 3 000 euros. À 3 000, qui démarre les enchères de 3 000. Alors, le 86 maintenant. Poulain ici à 3 000. 9 000 euros, c'était quand même pas cher hein, pour la fille de Lunora quand même. Alors maintenant, on va passer au 86. Une George Vancouver et Louvre Rouge. À 3 000 euros. Présenté par Jetburg Stud, c'est-à-dire Alekwo et le Haradelon, Thierry de l'Aéronia, qui sont associés depuis de nombreuses années d'ailleurs pour la préparation des ventes. La mère Louvre Rouge, une fille de Goldaway, deuxième de liste de groupe 2, le prix Robert Papin. Laurence à 3 000 euros. Épreuve qui a certes perdu son label groupe 1, mais qui reste une épreuve très très importante dans les esprits et dans le programme. Et pour autant, ce mal de George Vancouver ne suscite aucun intérêt. À 3 000 euros, le marteau va se lever. Bizarre. À 3 000 euros, pas l'autre amateur. 4 000. Ah oui, quand même. À 4 000 euros, à 4 000 euros, enfin. Deuxième produit. 4 000 euros, restaurant 5. Deuxième produit donc de Louvre Rouge, une deuxième du prix Robert Papin et troisième du prix des Rêves d'Or. À 6 000 euros, allez, encore un effort au restaurant s'il vous plaît, j'ai 5 000. À 5 000 euros, allez-y pour 6 si vous voulez. À 5 000 euros, l'enchère 6, allez-y 6 si vous voulez. À 5 000 euros, on active dans les enchères, allez-y 6 si vous voulez. À 5 000 euros, le marteau va se lever. À 5 000, à 5 000 euros, George Vancouver. À 5 000 euros, l'enchère est à droite pour vous, Laurence. À 6 000, maintenant on y revient à 6.
6000. Ah, 6000, 6000 on the left, à 7000, merci. Ah, voilà, ça paraissait bizarre quand même que le cheval reste collé à 3000. 7000. Nous en sommes désormais à 7000 euros. Si vous voulez mélanger, 7000. 7000, à 7000 euros, 7000, c'est bien vu, 7000. À 7000 euros, bon pédigree, c'est une mère Black Tie, vous laissez par 7000. À 7000 euros, le marteau se lève, Laurence, votre enchère, fini en haut, à 7000 euros, bien vu. À 7000 euros, pas d'erreur, à 7000 euros. Non, 8, 8. 8000. À 8000. Ouais, c'est pas fini, 8000 euros. Alors est-ce que nous n'aurions pas Charles Gourdin qui est en train de mettre des enchères? 9000, on réagit. Bien sûr. À 10000, j'ai maintenant 10000 euros. Alors il y a Alekouo qui est là, qui est peut-être en train de défendre. C'est lui, Jed Burkstead. À 10000 euros, 10000 only. À 10000 euros. Such a good worker. À 10000 euros. À 10000 euros seulement, you will try for 12. À 10000 euros. À 10000 euros, le marteau se lève. Laurence, votre enchère. À 10000 euros, bien vu. À 10000 euros, last call. À 10000 euros, pas d'erreur. Laurence, à 10000 euros. On adjuge. 10000, Laurence, merci. Voici le numéro 87 présenté par le Haras de Mont. C'est Cédric Boutin, bah, vous voyez, je confondais, il y avait pas mal d'acheteurs entre les deux. Cédric Boutin qui était juste à côté d'ailleurs du vendeur, qui vient de se faire adjuger pour 10 000 euros le numéro 86. Maldano Zanher, la petite fille donc de Rai, Silver Oak, bon croisement ici avec une mère qui est gagnante, qui a produit vainqueur. La famille, une famille américaine, Rafan, Kaline, combien débutons les enchères? Allez-y, 10 000, 10 000, 5, 5, 5. Rio de la Plata, à 5 000 euros, 3, 3, qui débute 3. À 3 000 euros, les premiers deux ans déjà des vainqueurs, à 3 000 qui débute. À 3 000 euros, qui démarre les enchères de 3 000. À 3 000 euros, qui m'appelle Rio de la Plata, à 3 000. À 3 000 euros, à 3 000 euros, qui débute. Allez, Rio de la Plata maintenant, présenté par Laura de Montaigu, cette fille de Love in the Mist par Silver Oak. Petite nièce de Kaline qui a gagné groupe 1 aux États-Unis, une origine exotique, hein, puisqu'on trouve essentiellement des chevaux de l'autre côté de l'Atlantique. En ce qui concerne Rio de la Plata, lui avec une mère argentine expressway, mais ici illustré partout en France, en Europe. Cheval de course extrêmement robuste qui fait la monte au haras du logis. Je vous rappelle que grâce à Xavier Bougon, vous pouvez suivre en parallèle de la vente eh bien, tout le guide des étalons avec les prix de saillie. Les stations des étalons aujourd'hui, hier et avant-hier, c'est-à-dire en 2016, 2015, mais aussi 2014. Faute d'enchères, bah d'accord. Et 2014, donc année de la conception. Vous avez aussi les Pinot King, c'est-à-dire les prix d'achat d'un certain nombre de yearlings qui ont été acquis fall sur les rings de vente, en l'occurrence lui d'Arcana, essentiellement au mois de décembre. Vous avez aussi les croisements, enfin vous avez plein de choses grâce à Xavier Bougon sur le grand guide des étalons. Que vous pouvez trouver évidemment sur France Cire dans les plus récentes actualités. Alors maintenant le 88, parce que le 87 subit un échec, puisqu'il n'y a pas eu d'enchère à 3000 euros. Alors on passe à George Vancouver, qui est le père de cette pouliche qui s'appelle I Love George, qui est né le 11 mars. Elle vous est présentée par le haras de Précolette. 3 qui débute pour aller vite, 3000 euros, Mère Manduro, 3000 qui débute, 3000 euros, à 3000 pour aller vite, John Vancouver, 3000 euros, à 3000 euros, à 3000 euros qui débute, 3, j'ai maintenant, j'ai une enchère à 3000, à 3000 euros, 3000 euros, à 3000 euros, des chics produits de John Vancouver, pardon, aujourd'hui, à 3000 euros, une seule enchère, à 3000 euros qui débute, 4, si vous voulez, 4000, à 3000 euros, une seule enchère. Alors. Georges Vancouver, donc jeune étalon dont on a parlé à plusieurs reprises. La mère Lovelo, une Manduro, est une sœur de La Hernanda, pas Hernando comme son nom l'indique, gagnante de Liston en Allemagne et deuxième du prix de Royaumont groupe 3 en France. Mais là, une nouvelle fois, il ne va pas y avoir d'enchère. Sous la quatrième mère, on trouve pourtant Star of Sevi qui, à la surprise générale, c'est vrai, a gagné le prix de Diane Longines 2015 sous l'entraînement de John Gosden. Si vous voulez tout de suite. Regardez tout de même le pédigré, une fille de George Vancouver, la mère Manduro, un bon pédigré, bon black tap en bas de page, à 3000 euros, une pouliche qui fait précoce, à très 2 ans, à 3000 euros seulement, bien vu, à 3000 euros, on adjuge, 3000. Laurence, votre enchère. Le numéro 89 est présenté par le haras de la Haineuve, French Béret. Malabé, il est né le 7 février par Pirgint et Madame Béatrice. Notez que depuis la sortie du catalogue, dans la deuxième mer, Elegant Béret est troisième du fonds européen à Deauville, labellisé Listed Race.
Et voici devant vous le fils de Purgin avec le même croisement de chancelier ici, qui a 6 victoires et plus de 94 000 euros de gains. Et une mère qui est gagnante, 2 victoires. C'est son premier produit, c'est la famille de Zagora, Asmartitus Livius. Bon pédigré ici, des gagnants à tous les étages, des gagnants à 2 ans. À combien débutons les enchères? Allez-y, 10 000, 10 000, qui débute 5, 5, 5, 5. À 5 000 euros, 5 000 euros, qui débute. Allez, oh, à 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, 3, 3 000, 3 000, qui lui j'ai, 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, que j'ai maintenant 3, 4 000, 4 000 euros, 4 000, qui goûte les enchères de 4 000, j'ai maintenant 4 000 euros, à 4 000 euros, 5 si vous voulez, à 5 000, j'ai maintenant 5 000, bien sûr, 5 000 euros, à 6 000, on y revient maintenant, 6 000 euros, 6 000 euros, 7 si vous voulez, 6 000 euros, j'ai maintenant 6 000, 7 000, à 7 000 euros pour vous, Boudreau, Laurent, 7 000 maintenant, bien vu, à 8 000, 8 000 euros, Nathalie, 8 000, 8 000 euros, à 9 000, j'ai maintenant 9 000, 9 000 euros, à 10 10 maintenant 10, 12, si vous voulez, 12, 12 000 maintenant, 14, si vous voulez, à 12 000 euros, à 12 000 euros maintenant, 14, si vous voulez, 14 000, j'ai 15, 20, 16 000, 16 000 là-bas, à 16 000 euros, Nathalie, votre enchère de 16 000, 16 000 euros, à 16 000 euros, 18, si vous voulez, 18 000, maintenant 18 000, 18 000 euros, 20, 20 pour le prendre, 20, à 18 000 euros, à 18 000 euros, 20, 20, l'enchère est avec vous, Laurent, ça, à 18 000 euros, 18 000 now, à 18 000 euros, à 18 000 euros, la mère est gagnante, à 18 000 euros, famille Zagora, des gagnants. Sous... Alors 18 000 euros pour le lot 89, French Béret, Pirguint et Madame Béatrice, Parole de Tiger, un croisement pur, pur croisement du haras de la Haineuve, puisque tant Pirguint qu'avant Old Tiger, qui est mort désormais, faisait la montre au haras de la Haineuve en Mayenne chez Alain Régnier. Nous en sommes à 22 000 euros. Alors en fait, Madame Béatrice, la mère, est la sœur de Chancelier. Alors pourquoi je vous parle de Chancelier? Parce que Chancelier a été le premier vainqueur de Pirguint chez, chez Jean-Claude Rouget. Et Chancelier était son premier vainqueur donc à l'âge de 2 ans. Après, il a gagné 6 courses. C'est la famille aussi de Zagora. Regardez Pédigré, une mère gagnante, Pirguint, confirmé. La famille Zagora avec des bons, le même croisement que Chancelier qui a 6 victoires et plus de 94 000 euros de gains. Et là, on parle de 24 000 euros. À 24 000 euros, essayez 25. À 24 000 euros, c'est bien vu votre enchère lance. À 24 000 euros, 25, vous allez partir autrement. Le cœur est cœuré. À 25 000 euros, c'est là, non? À 24 000 euros, l'enchère est pour vous. Alors, bien vu. 25, merci. À 25 000, 25 000 now. Ça monte, hein? À 27. C'est Tinaro qui est en train de monter les enchères. 26 000. Pas à pas, on va y arriver à 26 000. À 26 000 euros, 26 000 euros, allez-y, 27 000. 27 000, je vous l'avais demandé tout au début, on peut y revenir maintenant. À 26 000 euros, à 26 000 euros, essayez 27 tout rond, si vous voulez. Purgin, 26 000 euros, à 26 000 euros avec une mère qui est gagnante. C'est le premier produit de la mère, une famille de gagnants, même croisement chancelier, 28. 28 000, à 28 000, à 28 000. Je vous ai aidé là, j'ai sauté. À 28 000 euros, à 28 000 euros pour aller à 30, si vous voulez, 30. À 28 000 euros, 20, 30 000, merci. À 30 000, allez, 30 000 euros. 30 000 euros, 30 000 now. À 30 000 euros. Pour French Béret. Vous le rendez à 30 000. À 30 000 euros, le marteau va se lever, c'est bien vu, c'est pas d'erreur. À 30 000, 32. À 30 000 euros, l'enchère est là. À 30 000 euros, le fils de Purgin. À 30 000 euros, le marteau se lève. Last call. Dernier appel. À 30 000 euros. On adjuge. 30 000, Laurence, merci. Et c'est Tinaro qui s'est fait adjuger le cheval à 30 000 euros. Par la rade de Cambouli. Rouge 15, Pouliche Alzane, née le 27 mars. C'est une fille de French Fifting et Magdala. Tinaro, merci beaucoup. French 15 ici, la pouliche avec une mère au Queen, chic pouliche ici. C'est les premiers yearlings devant vous. Doucement. Allons-y. Avec une mère qui est gagnante, avec un produit des gagnants. Deux vainqueurs, seulement quatre produits. C'est la famille de Runner, Runner, Amanda, Wooton, River. French 15 qui est gagnant du critérium international des 2000 Guinées. À combien débutons ici? Allez-y, 10 000, 5, 5, 5, 5, il démarre 5 000. Les premiers French 15, 5 000. À 5 000 qui débute 3, 3, 3, qui débute 3 000, 3 000 qui m'appelle pour l'enchère de 3 000. À 3 000 euros qui démarre? À 3 000 euros, à 3 000 euros. French 15 à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, 3 000 euros, deuxième des 2000 Guinées. Derrière Camelot à 3 000 euros, pardon, 3 000. À 3 000 euros, à 3 000 euros, qui débute les enchères de 3 000, 3 000. Qui m'appelle French 15, 3 000. À 3 000 euros seulement, 3 000, 3 000, à 3 000. À 3 000 euros, qui débute les enchères de 3 000, et qui mère gagnante, qui produit gagnant. À 3 000 euros, à 3 000 euros seulement, 3 000. Qui m'appelle la famille de Keaton Hunter,
Co-Adventure, pardon, Amaranda à 3000 euros qui prend l'enchère. French 15 à 3000. À 3000 euros, vrai cheval de course. À 3000 euros, Amère au Queen. À 3000 euros, le marteau va se lever à 3000. Merci à Laurence à 3000. J'ai maintenant à 3000. À 3000 euros qui continue les enchères de 4 si vous les voulez. À 3000 euros, bien vu, 3000. À 3000 euros, c'est bien vu, le marteau va se lever à 3000. À 3000 euros, c'est pas l'erreur, à 3000. À 3000 euros, pas de regret nulle part. À 3000 euros, c'est là l'enchère à 3000. À 3000 euros, bien vu, une seule enchère, Laurence, votre enchère. À 3000 euros, c'est bien vu, rien à gauche, ni en face. À 3000 euros. 4000, merci. À 4000, à 4000 euros, à 4000, on est reparti à 4000, qui veut 5. À 4000 euros, 5, si vous voulez lever 5000 pour 1000 euros, allez-y. À 4000 euros à gauche, bien sûr. À 4000 euros, une mère gagnante qui produit des gagnants, et on parle de 4000 euros avec French Fifine, qui est deuxième du guide 2000 Guinées, gagnant du critérium international, les premières en ligne devant vous. À 4000 euros seulement, c'est bien vu, pas l'erreur. L'enchère à gauche avec Nathalie, à 4000 euros, le marteau se lève. À 4000 euros. À 4000 euros, nous allons juger. On a dû jusqu'à Rouge 15, le numéro 90. Entre temps, le voici 89. French Béret s'est vendu 30 000 euros. Le premier produit de Madame Béatrice. Né le 15 avril. Et voici un mâle de Wotom Bassett présenté par Laura Détruant. Donc, c'est le premier produit. Le premier produit ici d'une fille d'Aïcha Paral. Le petit-fils. Magic Soprane, c'est la mère. Fille d'Aïcha Paral. Wotom Bassett. Wotom Bassett et Truant, bien sûr. On parle d'Almanzor, Almanzor, qui a gagné de toute une classe les Irish Champion Stakes samedi dernier sur les podiums de l'Upperstown. D'ailleurs, je vous invite à voir ou à revoir le reportage sur Francière, dans lequel on voit Jean-Claude Rouget exploser de joie dans les tribunes au passage du poteau. 10 pour débuter, allez 1000, allez 1000, 10, 8, 5, voulez-vous 5, allons-y, 5000. Nicolas Chambure est là, Franck Champion également, Ludivine Marchand aussi, du Hara d'Étreuant, pour ce fils donc de Wotom Bassett, premier produit d'une fille d'Aïcha Paral, qui est une sœur de Mednaya, et une fille d'Anapa qui s'était placée à l'âge de 2 ans, deuxième du Prix Miesque, un groupe 2. Et toutes deux, Majing Sopran et Mednaya, sont les filles d'une gagnante de l'Istad, d'une fille de Doyoun. 10 000, Wotom Bassett. Allez, 1000 euros qui couvre l'enchère de 10 000. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 10. Allez, 1000 euros, 10 000. Allez, 1000 euros qui met 12. Allez, 1000, 12 maintenant. 12 000 à 12 000. Wotom Bassett, Almanzor, Champion Horse. À 12 000, nous sommes 12, 14. 14 000. À 14 000 euros, à droite, l'enchère, 14. 14 000. Par vous et contre vous, Laurence, 16 maintenant. 16 000. À 16 000 euros, le Wotom Bassett à 16 000. 16, 18. À 18 000. À 18 000 euros qui couvre l'enchère de 18 000. Toujours à droite, l'enchère. Premier produit d'une fille d'Aïcha Paral. Allez, 8, 20 maintenant. 20, 2, voulez-vous 20. 20 000 à droite, l'enchère. À 20 000 euros par vous, toujours Laurence, l'enchère. Pas l'erreur. 20 000 à droite. 2, 22, 22 000, 22 000. Tout se passe de notre côté. Je vois plutôt Nicolas Chambure qui est là. Paul Basquin est également présent côté de Christophe Ferland. 24 000, 24 000 nous sommes, 24. Allons-y, mettez vos enchères s'il vous plaît, 24. 24 000 si vous voulez, 24. 24 à 24 000 euros, toujours par vous et contre vous l'enchère, 6 maintenant. À 26 000 euros pour aller à 28. 26, c'est fait par vous, Laurence. À 26 000 euros qui couvre l'enchère de 26 000. Wotom Bassett, Colt. Laurent Benoît qui est là également. 26 000. À 26 000 euros, 28. À 28 000 euros pour aller à 30, si vous voulez. 30. À 30 000 euros, Laurence, toujours l'enchère à 30. Ainsi que des déboureurs. Et des déboureurs pré-entraîneurs qui sont là. Il y a Eric Aubré, l'écurie du Petit Angeois également, qui est installé dans le sud-ouest, à côté de Condon, dans le Gers. 30, toujours à droite l'enchère. Laurence, chez vous l'enchère. Le fils de Wotom Bassett, vu. À 30 000 euros, qui prend les relais. 2, à 32 000, Fresh Builder, 5. 35 000, à 35 000 euros, toujours en bas. Il y a eu un nouvel enchérisseur en face, tout de suite rattrapé par les 35 000 euros. On met 37 si vous voulez. 37. Il faut mettre 40, Laurence. 37 000, c'est en haut, par nous, par vous Jean-Paul et moi. À 37 000, mettez 40 si vous voulez. 37 000 euros, we are now. À 37 000, c'est votre enchère Jean-Paul, restaurant, pas d'erreur. Laurence, que fait-on? À 37 000, Wotom Bassett. Marc-Antoine Bergrache qui est au téléphone, qui a perdu l'enchère actuellement. À 38 000 euros, 38 000 euros, Rihanna, the right side. 38 000 euros par vous, Laurence, l'enchère, pas l'erreur. Qui met 40? On met 40? 38 à droite, 40 000, c'est la même.
à 40 000 euros. Christophe Ferland qui, je vais le dire, hein. Je vais le dire à l'antenne, qui a tiré la langue, c'est ça à d'autres, d'autres enchérisseurs, il y a Laurent Benoît, Eric Piorari également. À 40 000 euros, Laurence, que fait-on? Je peux la juger en haut, à 40 000 euros, le fils de Wooton Bassett, par vous, Harvey, par vous, Jean-Paul également, là-haut dans le restaurant, à 40 000, le marteau de Steb, et on va juger, à 40 000 euros, fini Laurence, je la juge en haut, au restaurant, dernier appel, last time, last call, rien ici, à 40 000 euros, le marteau de Steb, là-haut l'enchère, dernière fois, on la juge, 40 000 euros, MAB, Agency, merci. C'est finalement merci. Marc-Antoine Magrache qui a eu le dernier mot à 40 000 euros. C'est le numéro 92 qui est présenté par le haras de Manneville. Il s'agit d'une pouliche alsane née le 22 février par Kentucky Dynamite et Macadam. La fille de Kentucky Dynamite qui arrive, la mère par Daniel Dancer. Le 3 ans est placé à Clairefontaine au mois d'août. La grand-mère court placée de course principale, du caractère gras dans la famille. Donc la petite fille de King Mambo. Par Kentucky Dynamite, donc mère King, mère Daniel Dancer, grand-mère Green Desert. Combien pour débuter les enchères? 18, 5, voulez-vous 5, 5. C'est 5, Tony Ford, 5, le client, 5, 5, 5, 5, l'acheteur plutôt, 5, de 5, ce 5, fils 5, de Wootton Bassett. Kentucky Dynamite, 3, voulez-vous 3 000, 3 000 pour débuter, 3, 3, voulez-vous 3, 3, à 3 000 euros, qui m'appelle 3, 3, 3 000 pour débuter l'enchère minimum de 3 000 euros, 3, à 3 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, 3. On passe à une fille de Kentucky Dynamite présentée par le rat de Manneville. Avec une mère par Daniel Dancer, une grand-mère par Green Desert. Beau papier pour ce fils, cette fille plutôt, de Kentucky Dynamite. Et assez tôt, née le 22 février. C'est le troisième produit d'une mère qui compte 6 victoires, notamment ici à la Teste de Buc. Elle est gagnante à Cannes-sur-Mer également, gagnante à Toulouse, gagnante à Marseille. Elle a écumé le sud-ouest, le sud-est également, cette Macadam. Macadam qui est la fille de Macam, une placée de Liston. On retrouve Windsor Palace également sous la troisième mer. Windsor Palace est un gagnant de groupe 3, placé de la Tattersalls Gold Cup. C'est l'un des le premier groupe 1 pour chevaudage en Irlande. Qui se dispute sur l'hippodrome du Cura d'ailleurs. Je vous invite également, tout à l'heure on parlait de Leperstown, je vous invite à revoir le reportage ou à voir tout simplement le reportage du Cura. Cura où se sont tenus, où s'est tenu les Moeglar Stud Stakes, les National Stakes et l'Irish Saint-Léger dimanche dernier, où se sont tenus plutôt. Voilà. Merci de votre aide. En face, l'enchère à 13. À 13 000 euros, le marteau Slavi, on va la juger. Kentucky Dynamite qui a été exporté cet hiver en Tunisie. Rien à gauche, fini à gauche, rien à droite. Pas qui avait été acheté par Ziad Ramdan, qui faisait l'amende précédemment au Haras du Kenney. Dernière fois, on la juge. 13 000, Laura. Le Haras. Pardon. Le Haras du Bœuf nous présente le numéro 93. Il s'agit d'un mâle assimilé FRB. Né le 29 avril par Dabir Sim et Make-up. Notez que ce poulain est vendu sans TVA. Les premiers produits de Dabir Sim. Présenté par Edwige Le Métayer, le haras du Buff. Gagnante à 2 ans en Grande-Bretagne. Une jeune fille de Dabir Sim et Make-up. La grand-mère par Dentime. Et la mère et sœur de Oyam, notamment, qui a gagné à 2 reprises en Angleterre. Make-up, une fille de Kailachi. De groupe 2, placé deuxième des Queen Mary Stakes, notamment. Si j'en crois, le pedigree a été élevé par Chivley Parkstead. Chivley Parkstead, c'est un rat basé à Newmarket, à côté de Newmarket. Make-up est la sœur de Oyam. Oyam, une fille de Royal Applause, qui avait gagné l'Easter, qui s'était placée deuxième des Queen Mary Stakes. C'était un groupe 2 qui se dispute sur l'hippodrome de d'Ascot à Royal Ascot pendant le fameux meeting de juin. Une famille bien connue outre-Manche. Et sous la troisième, on retrouve un cheval qui a gagné groupe 3 en France. C'est Andreyev qui avait gagné le prix de moterie. 4 là-haut à 4000, 4000, 5 maintenant. À 5000, 7, voulez-vous 5, 5. À 5000 euros à droite, l'enchère par Laurence, toujours à 5000. Contre vous, Harvey, 5. À 5000, against you.
7000 maintenant, 7000. Dabir Sim à 7000, nous sommes là où l'enchère. 8000, 8000 pour les à 10. À 8000 euros par vous, Laurence l'enchère. 10000 maintenant, 10000, à 10000, à 10000 euros, 10. À 10000 euros par vous, Laurence l'enchère. À 10000 euros qui couvre l'enchère de 10000, 10. À 10000 euros, Laurence l'enchère, 12 maintenant, 12000, 12000. À 12000, 12000, 12000, 12. À 12000 euros qui couvre l'enchère, 15 maintenant, 15, 15, 15. À 15000 euros par vous, Laurence, par vous et contre vous, l'enchère, 15. À 15000 euros qui prend le relais, à 15000 euros, toujours à droite, l'enchère à 15, 18. À 18000 euros, le fils de Dabir Sim. À 18000 euros, les gagnants à 2 ans, la mère est gagnante à 2 ans en Angleterre. La grand-mère, idem. La mère sœur de Oyam, à 18000 euros, nous sommes, l'enchère est à droite par Laurence. Il faut mettre 20. Qui met 20? À 18000, c'est en bas, à droite, à 18000. À 18000 euros par vous, Laurence, l'enchère, 18. À 18000 euros, le fils de Dabir Sim, 18000, mettez 20. Qui met 20? 18. Pas en face, rien à gauche. À 18000. À 18000 euros qui couvre l'enchère de 18000 euros, c'est bien vu, pas de regret. Enchère à droite toujours, Laurence, c'est vous, on est d'accord. Hein. 18. À 18000 euros, le marteau se lève, on va adjuger le fils de Dabir Sim, une vraie belle page, une vraie bonne famille ici à 18, pas de regret. Enchère à droite par Laurence, le marteau se lève, on met 20 quelque part si vous voulez. 18000 euros, le marteau se lève, dernier appel, on peut adjuger, on adjuge. 18, Laurence, votre enchère. Le code Marnade, merci monsieur. Numéro 94 est présenté par Code Marnane qui a eu le dernier mot à 18000 euros pour le lot numéro 93. Le 26 mars. C'est une fille d'Evasive et Malaba. Elle est vendue 50% sans TVA. La fille d'Evasive qui arrive, la mère-fille d'Anaba. Croisement Elusive Quality sur une mère Anaba. La mère est la propre sœur de Maxwell, gagnante de course principale. La proche famille de Prince Fasliev, gagnante de course principale à plusieurs reprises. Du gras dans la famille donc. La mère, c'est la sœur de Espagna qui a gagné à 2 ans à Lyon. Combien pour débuter les enchères pour cette fille d'Evasive? Voulez-vous 10, 8, 5, 5 000, voulez-vous 5 000, 5 000, 5, 5, 5, 5, 3, voulez-vous 3, 3 000 euros, 3 000, 3, 3 000 euros pour débuter, 3 000, 3 000, la fille d'Evasive à 3 000 euros, paire de black type Evasive à 3 000, 3 000, 3 000 à droite l'enchère, Laurence, 3, à 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 euros, mettez vos enchères, 3 à 3, qui met 4, 3, à 3 000 euros, c'est à droite toujours, à 3 000 euros qui prend le relais, 4 000, 4 000, à 4 000 euros, Laurence, par vous et contre vous l'enchère à 4 000, 4 000, à 4 000 euros qui prend le relais, 4 000, toujours à droite l'enchère, 4, à 4 000 euros vu, à 4000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, 4000, 4000 euros, l'enchère est à droite, la file évasive 5, 5000 euros maintenant, 5, 6, fresh bidder à 6000 euros, c'est toujours là, c'est Laura cette fois-ci à 6000, à 6000 euros qui prend le relais à 6000, 7, 7000. Le 94, désormais sur le ring, une file évasive avec une mère par Anaba, une mère qui est la propre sœur de Maxwell, Maxwell, superbe cheval de course, 5 victoires. 10 000 euros, dont Allez, 3 listed, pouliche, les prix de sereine à l'âge de 3 ans, puis en tant que cheval d'âge, les prix Altipan et Jacques de Brémont. Sa famille de Prince Fasliev qui lui aussi était un très bon cheval d'âge, qui avait gagné le listed à Nantes. À 12 000 euros, pas de regret. 12 000 euros, Laurence, c'est votre enchère toujours. 14, 14, 14, 14 000 euros par vous à gauche, l'enchère à 14, toujours 14. Et c'est le rat du Blavet. J'avoue que je ne connais pas ce hara qui nous présente donc cette fille d'Evasive. Très typée du père. Evasive, un cheval déjà par sa robe, Talzan lui aussi. On met 18, si vous très grand cheval, un fils d'Elusive Quality. À 16 000 euros, c'est vraiment tout hara de grand camp. Laurence, séchez-vous de nouveau à 16 000. À 16 000 euros, il faut mettre 18 pour l'avoir. 18 000. À 18 000 euros. À 18 000 euros, Laura, de nouveau chez vous l'enchère et on va juger. À 18 000 euros, 20 000. Je veux pas dire, mais j'ai l'esprit, j'ai l'esprit taquin et tout à l'heure, j'en ai vu certains qui s'approvisionnaient au bar à champagne. Et il y a des preuves, j'ai pris des photos. 21 000, on y revient. À 21 000, à gauche, l'enchère. Je parle évidemment de Jérôme Witt et Anis de Corjeux. Pas en face et plus à droite. À 21 000 euros, pas de revenu. 22. On met 23, Laura. 22 000 à gauche, à droite, pardon, de nouveau l'enchère. 22. À 22 000, Laurence, chez vous. 23. 23 000 euros, là, l'enchère. Le marteau se lève et on va te juger. À 23 belle vente pour cette fille d'Evasive. Elle a un beau pédigré également. 25 000. Puis elle a du modèle. 25 000. Toujours Laurence l'enchère. Elle est le 26 mars. 24 000. 24 000. De nouveau à droite l'enchère à 24. Faut mettre 25, Laura. À 24 000. Que fait-on? À 24.
24 000 euros à droite, l'enchère toujours, on met 25 si vous voulez. À 24 000 euros, le marteau se lève. Laurent, c'est chez vous, pas l'erreur. À 24, fini Laura, terminé. On l'a toujours. 24 000, Laurence. Le numéro 95 est présenté par le haras de la Haineuve, Spanish Main, Polish B. Elle est née le 27 janvier. C'est une fille de Pedro the Great et Malacca Street. Le voici, la voici, la fille de Pedro the Great. Les premiers Pedro the Great. Cheval précoce, gagnant à 2 ans, gagnant de groupe 1. La mère est gagnante, c'est son premier produit. La mère est une fille de Cacique et la grand-mère est une fille de Stormcat. Une belle famille ici, celle de Olatsi. La famille maternelle de Timepiece, de Banshee Breeze. Plusieurs bons chevaux, gagnant de groupe 1. Combien pour débuter les enchères? La fille de Pedro de Grette, voulez-vous 10 000, 8, 5, voulez-vous 5, 5. À 5 000 euros, mettez vos enchères, 5 000, 5 000, 5 000, 5. À 5, 3, voulez-vous 3, 3, 3, 3 000. À 3 000 euros, mettez vos enchères, qui m'appelle 3 000, 3 000. À 3 000 euros, Laura l'enchère, votre enchère, Laura à 3 000. À 3 000 euros, la fille de Pedro de Grette, 3 000, 3 000. À 3, 4, 4 000, Laurence maintenant, à 4 000, 4 000. À 4 000 euros, qui prend le relais, à 4 000, 4, 5, 5 000, 5 000. À 5 000 euros, à gauche, de nouveau l'enchère, Laura, c'est chez vous. Malheureusement 24 000 euros pour la fille d'Evasive. C'est le portrait caché de son père. Racheter 24 000 euros. À 8 000 euros par vous, Laura, de nouveau l'enchère à 8 000 euros. 8. À 8 000 euros, il faut mettre 10. Laurence, que fait-on? À 8 000, à gauche l'enchère. À 8 000 euros qui couvre l'enchère de 8 000 euros, toujours à gauche par vous, Laura, l'enchère à 8 000. Spanish Main, le lot 95, nous est présenté par Alain Régnier, du Rad Line 9, bien sûr. Fille de Pedro the Great qui fait la monte au Rad Line 9, justement. Laura, c'est premier produit, son yearling. À 8 000 euros. Récumère par Cacique. De Grette, à 8 000 euros, pas de regain nulle part dans la salle. Mère Cacique et gagnante, à 8 000 une petite fille de Stormcat également, Laura, qui avait été achetée à Tattersall, cette Malacca Straight. Merci de votre aide. C'est le premier produit, cette Spanish Main. Une femelle. Dernier appel et on va juger, maître. Et on la juge. 8 000. Laura. 8 000 euros finalement. Présenté par le haras du Petit Ailier. C'est en face. Le numéro 87. Sans doute été racheté. Je vois Alain Régnier qui s'approche de la boîte. Effectivement, c'est racheté à 8 000 euros. C'est une origine de Jutmont Farms. Paolini, pardon, le seul produit. Les chevaux les plus intéressants. On retrouve sous la quatrième mère dans cette famille. On retrouve Mutual Trust, un gagnant de groupe 1. On retrouve Antanoé, qui avait gagné à l'âge de 2 ans le prix d'Omal. On retrouve également Timepiece, Laura de groupe 1. Twice Over également. À 8 000 euros, 10, 8, 5, voulez-vous 5, 5, 5. À 5 000 euros, la fille de Paolini, à 5 000 euros, allons-y, mettez vos enchères. À 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Belle pouliche ici, elle se déplace remarquablement bien. Pour ce lot numéro 96. Alors Emmanuel, Patrick Chetville qui nous présente cette fille de Paolini, avec une mère par Turtle Island, de la famille de Manduro. Cette fille de Paolini n'est ni plus ni moins que la cousine de Manduro. Champion à Manduro, champion sur 1600 mètres, champion sur 2400 mètres. Malheureusement, il s'est accidenté après sa victoire écrasante de facilité dans le prix foie. À 8 000 euros, 12, 12, 12, c'est Laura maintenant à 12 000, 12 000, à 12 000, 12 000 euros. Il avait gagné le prix Jacques Lemarois, le Prince of Wales Stakes, ainsi que le prix Disparon. Voilà, c'est trois victoires de groupe 1. Enduro qui avait commencé sa carrière en Allemagne, pour la casaque du Baron von Ullmann. Par la suite, il avait été importé en France, bien sûr. On connaît la suite. On y revient, 16 000. À 16 000 euros, c'est toujours Laura. 16, 16, 16, 16. Puis c'est la cousine également de Mandela. Mandela, une fille de Takatelango. À 16 000 euros, je vais voir à gagnant de l'Easted, troisième du prix de Diane Allemand, qui par la suite a été acheté par Teruya Yoshida, pour qui elle a donné plutôt World Ace, un gagnant de groupe 2 au Japon. À 16 000 euros, la fille de Paolini, et deuxième du Satsuki Sho, ce sont les 2000 guinées locales, un groupe 1 évidemment. Pas en face, rien à droite, fini Laurence. On va juger pour la cousine de Manduro. Rien là, fini ici. À 16 000 euros, Laura Manduro qui est pour l'instant le père de 11 chevaux de Stakes en 2016, notamment Vazirabad. 16 000, Laura. Appartenant et présenté par le haras d'Aspel ainsi que par M. Dambrin, une pouliche grise. Elle est née le 27 février.
par Siyuni. Et le vent se lève à nouveau. Vendu 33% sans TVA. On la laisse arriver. Voilà. Une belle pouliche de Siyuni ici. Regardez là, une belle page. La mère par Linamix. On est dans l'actualité ici. C'est la sœur de Fearful notamment gagnant. Ah, une fille de Siyuni avec une mère par Linamix. Et une grand-mère par Anaba. Gagnant du Greful. Une belle famille pour cette belle pouliche de Siyuni. Combien pour débuter les enchères? Mère Linamix, grand-mère Anaba. Regardez le croisement, regardez la pouliche. Voulez-vous 20 000 On t'attire la robe grise. 20, 15, Linamix, s'il vous plaît, 10 000 euros, 10 000. C'est donc le père de mère de cette, du solo numéro 97. Allez, 1000 euros, voulez-vous 10, 10, 10, 10. Ah, Laetitia l'enchère, allez, 1000. Allons-y. Allez, 1000 euros, 10 000. Qui couvre l'enchère de 10 000, 10 000. Allez, 1000 euros, belle pouliche par Siyuni. À 10 000 euros, Merlin Amix, grand-mère Anaba, mettez vos enchères. Laetitia, votre enchère pour le moment, à 10 000. À 10 000 euros, qui couvre l'enchère de 10 000, 10 000. À 10 000 euros, par vous, l'enchère en face, à 10 000, qui prend le relais à 10 000. Mettez vos enchères, Siyuni, Philly, here. À 10 000, 12 là-haut, à 12 000. Harvey, à gauche, l'enchère. 12 000, qui m'appelle? 12, 15, 15 à droite, à 15 000. Allons-y, 15, 18, à 18 000 euros, 18 000 euros. Alors, on va sans doute se battre pour avoir cette fille de Siyuni. 20, Laetitia, 20 000. Qui est, si je ne m'abuse, le deuxième produit de Siyuni à passer sur le ring. 25 000, Laura l'enchère à 25 000, 25. Sous la quatrième, on retrouve Juvenia. Juvenia, la gagnante de groupe 1. Pour la Kazakh Vertemer. On trouve également un champion international, un champion au Japon, un champion à Hong Kong, à Dubaï. C'est Bullish Luck. Bullish Luck qui avait gagné le Yasuda Kinen, la Hong Kong Gold Cup. Il s'était également placé dans la Dubai World Cup. À 42 000 euros qui prendront les 42 fois mettre 5 si vous voulez. À 42 000 euros, on ne s'arrête pas. À 42 000, on continue. À 42 000 euros, 5, 45 000, 45 000, 45 000 euros. Laurence, par vous de nouveau l'enchère à 45. À 45 000, Siyuni. À 45 000, à droite l'enchère par vous, toujours Laurence à 45 et pas vous John, à 45 000, qui couvre l'enchère de 45 000, Laurence vous l'emportez pour le moment, à 45, 45 000 euros, on met 47 quelque part si vous voulez, Laura, contre vous, à 45 000 euros, une vraie belle pouliche, le sang de Linamix, croisement Linamix Anaba ici, de bons chevaux dans la famille, 1000 mix, la mère est gagnante, à 45 000 euros nous sommes, la fille de Siyuni, Merlin Amix, grand-mère Anaba, l'enchère est là, Laurence c'est vous? On est d'accord, hein, à 45 000, pas d'erreur. À 45 000 euros, Laetitia contre vous. J'aperçois Marc-Antoine Bergrache qui est aux côtés de José Delmotte, c'est le vendeur José Delmotte à Radaspel. On va juger, dernier appel, last time, last call, à 45 000 euros, votre enchère Laurence, le marteau se lève, dernière fois. Qui m'appelle? 46 000, il était temps. 46 000. 48 000. Ah, il y a Carlos Lerner qui est au téléphone. 48 000. Against you, Harvey. Would you like to try one more? 50 if you like. 48 000 euros, c'est à droite, Laurence, toujours. On est d'accord. 48 000. Bien tenté en haut. À 48, on met 50 si vous voulez. 50. 50, 52. 52 000, c'est en bas à droite. Harvey. Contre vous, à 52 000, toujours en bas à droite, l'enchère par vous, Laurence, pardon, vraie belle pouliche par Siyuni, à 52 000, on n'en a pas 15 dans le catalogue, hein. 52 000, à 52 000 euros, l'enchère est en bas à droite, Laurence, on est d'accord, fini. Carlos Lerner a raccroché. On l'a tué. 52 000, merci Laurence, à droite l'enchère. On va repasser le lot 96. Voilà, qu'on le ramène tout de suite. Alors, le lot 96. Le 96 présenté par Laura du Petit Ailier. Priez de repasser, s'il vous plaît. La pouliche B, née le 2 avril, la fille de Paolini et Mandala Island. On rappelle le lot numéro 96, qui doit repasser sur le ring. Il y a une pouliche qui va. Alors après celle-ci peut-être, mais on va repasser là. Si je voudrais avoir. Pourquoi gars. Elle repasse? Y a-t-il eu folle enchère? Voilà, il y a eu folle enchère sur ce lot 96. Alors voilà, voici voilà. Le 98 présenté par Laura Daspel. Voilà. Minaka, pouliche B, née le 31 janvier, fille de Rio de la Plata et Gilles. Marcelia. Gilles, on repasse le 96. Après celle-ci.
La fille de Rio de la Plata qui arrive, on la laisse arriver. Alors c'est Bahen Bloodstock, B-A-H-E-N Bloodstock. Je vais essayer d'avoir quelques informations concernant les acheteurs. Là voilà, Rio de la Plata, premier deux ans gagnant. La mère est une sœur d'un gagnant de groupe 1 aux États-Unis, la famille de R de rien. Combien pour débuter les enchères? La fille de Rio de la Plata, mère Coronado's Quest, qui a produit plusieurs gagnants. Voulez-vous 10, 8, 5, voulez-vous 5, 5, 5, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, la fille de Rio de la Plata, 5 000 euros, 5 000, 5 000, 5 000, 5, 5, 3, voulez-vous 3, 3 pour débuter, 3 000, 3 000, à 3 000 euros, 3, 3, 3 000, à 3 000 euros qui m'appelle pour débuter les enchères de 3 000 euros, 3 000, la fille de Rio de la Plata, 3 000, Harvel enchère à 3 000, à 3 000 euros qui prend le relais, 3, 3, à 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 euros, allons-y, mettez vos enchères s'il vous plaît, 3 000, à 3 000 euros seulement nous sommes, 3, 3 000, à 3 000 euros par vous l'enchère Harvel qui prend le relais, qui couvre l'enchère de 3 000 seulement. Rio de la Plata, il fait des gagnants à 3 000. À 3 000 euros, la mère sœur d'un gagnant de groupe 1. À 3 000 seulement, nous sommes. Mère qui produit à 3 000 euros, qui couvre l'enchère de 3 000 euros. La fille de Rio de la Plata à 3 000. À 3 000 euros, qui prend le relais. Enchère en face. Harvey, votre enchère à 3 000 euros. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. Qui couvre l'enchère à 3 000. À 3 000 euros, qui prend le relais. 3, 3. À 3 000 euros, l'enchère est là, toujours par vous, Harvey, au restaurant à 3 000. Le marteau se lève, on peut la juger. La fille de Rio de la Plata, là-haut, l'enchère à 3 000. Dernier appel à 3 000, pas de regret. 3 000, Harvey, votre enchère. Je vais voir à gauche, rien ici, à 3. À 3 000 euros, le marteau se lève. Dernière fois, on la juge. 3 000, Harvey. Alors on attend le numéro 96 qui va repasser. Non ? On a, allons-y pour le. Alors on enchaîne. Le suivant. Numéro 99 présenté par le haras du Téné. Pouliche B, née le 8 février, fille de Motivator et Marcelina Angel. La fille de Motivator. On la laisse arriver. La voici, regardez-la, Pouliche avec du physique ici. Regardez-la, Pouliche. Regardez-la. Alors, un mot concernant les acheteurs du lot numéro 97, c'est Bahen Bloodstock qui a eu le dernier mot, 52 000 euros pour cette fille de Siouni. Que l'on connaît, Trève. We love the filly at the first sight. La première fois qu'ils l'ont vu, voilà, ils ont tout de suite aimé la Pouliche. C'est la première fois qu'ils achètent à Osarus. Bahen Bloodstock a acheté pour des clients australiens et français qui ont déjà des chevaux chez Alain Droy-Dupré et chez Michael Desangles. La Pouliche va rester à l'entraînement en France. Voilà, concernant les informations concernant le 97. Combien pour débuter? Voulez-vous 10 000? Merci. 97, la petite nièce de Millemix, cheval au destin brisé. Puisqu'il avait terminé deuxième du dernier prix Lupin, ou l'un des derniers prix Lupin, battu de très très haute lutte. C'est une édition extraordinaire, de très haute lutte par Voie du Nord. Et Millemix s'est cassé une jambe quelques jours, peu de temps après. Tandis que Voie du Nord a claqué. Et donc, ni l'un ni l'autre n'ont malheureusement pu participer au prix du Jockey Club. Il a claqué Voie du Nord, il a été déclaré non partant le matin même. Merci Loïc. 6 000 au restaurant, 6 000. À 6 000 euros pour les A8, qui met 8, 8, 8. À 8 000 euros à droite, l'enchère, à 8 000 euros, vu. À 8 000 euros par vous, Laurence, l'enchère. Faut mettre 10 maintenant à 8 000. 8 000. À 8 000 euros qui couvre l'enchère de 8 000 euros à droite, l'enchère. À 8 000 euros par vous, Laurence, l'enchère, 10 000 maintenant. À 10 000 euros, trêve. À 10 000 euros seulement, nous sommes à 10 000 euros, mère Annaba, 10 000. Le même croisement, 12 maintenant, 12 000. À 12 000 euros qui couvre l'enchère de 12 000 euros à droite, l'enchère, Laurence, toujours à 12 000. À 12 000 euros, le croisement qui fonctionne à 12 000. Du caractère gras dans la famille, à droite, l'enchère, à 12 000. Fille de Motivator, regardez la Pouliche. À 12 000 seulement nous sommes. 12. À 12 000 euros qui prend le relais à 12 000. Qui m'appelle? 13. 13. 13 si vous voulez. 13 000 là-haut l'enchère. À 13 000 euros seulement là-haut l'enchère, la fille de Motivator. Qui met 15?
15 000, à droite, à 15 000. À 15 000 euros, Harvey, contre vous cette fois, à 15 000. 15, à 15 000 euros, l'enchère est à droite, à 15. 15, à 15 000 euros par vous, Laurence, l'enchère toujours à 15. 17, 17, à 17 000. À 17 000 par vous, Harvey, l'enchère à 17. 17, à 17 000 euros, c'est ici, pas là, pas là. 18, à droite, l'enchère. L'opposition faiblit à 18 000. À 18 000 euros, mettez 20, Harvey, against you. À 18 000 euros, Motivator, 20 000, fait. À 20 000 euros, enchère, en face de moi. À 20 000 euros, pas là, plus à droite. À 20 000 euros, 20 000 euros qui couvre l'enchère de 20 000 euros, la fille de Motivator. Regardez la pouliche. Mère Anaba, pouliche avec Ducade, elle se déplace à 20 000 euros. Bon pédigré, à 20 000. Harvey, votre enchère. Alors. À 20 000 euros, le marteau se lève et on va te juger. Plus à droite, pas là-bas. À 20 000 euros, 20 000 euros, Rihanna. Pas de regret à droite. À 20 000. Enchère en face au restaurant, à 20, 20, à 20 000 euros. Un petit instant de réflexion à 20 000, pas de regret. À 20 000, le marteau se lève, on va la juger. Votre enchère Harvey. Alors la Motivator à 20 000, présentée par le rat du Tenet, qui a présenté tout à l'heure la CUNY dont... Non, c'était pas ça, je m'entendais. 20 000, Harvey. 20 000 euros, la Motivator. 96, d'accord. Voilà, on repart. Ah oui, alors donc du coup, voilà, le 96. Pouliche, présenté par Laura Dupont. Alors attention, il y a... Nil le 12 avril par Paolini et Mandel Island. C'est le 96 qui passe, on revient en arrière. D'accord, nous repassons donc sous Folen, sur Folenchère, donc le lot 96. La fille de Paolini, Mère Turtle Island ici, la proche famille... de l'excellent Manduro. Combien pour débuter les enchères? 10, 8, 5, allons-y, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros à droite, l'enchère Laurence, allons-y, mettez vos enchères, 7 maintenant, 7 000, à 7 000 euros, 7 000, deuxième chance, 7 000, 8 maintenant, 8 000, à 8 000 euros qui couvre l'enchère de 8 000 euros, 8, 10 maintenant, Laura, chez vous l'enchère, à 10 000, 10 000, à 10 000, 10, 10, à 10 000 euros, faut mettre 12 maintenant, 10 000, c'est Laura, à 10 000, 10 000, à 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros, 10 000, 12, 12, 12, 12, à 12 000 euros par vous et contre vous, Laura, l'enchère à 12 000, 12, 12, 15, 15, à 15 000 euros, 15 000, nous sommes maintenant, 15 000, Laura, à 15 000 euros qui prend le relais à 15 000, 15, 15, à 15 000 euros, Laura, votre enchère à 15 000. Que fait-on? À 15 000, il faut mettre 17 si vous voulez. 15, 15. À 15 000 euros qui couvre l'enchère de 15 000. Par vous, Laura, l'enchère. L'enchère à gauche, pas d'erreur. 15. À 15 000 euros qui couvre l'enchère de 15 000 euros. À gauche, l'enchère de nouveau à 15, 15. À 15 000 euros qui prend le relais à 15 000. Laurence, contre vous. À 15 000, et pas en face. À 15 000 euros, la proche famille d'un vrai bon cheval. Manu, la fille de Paolini, la petite fille de Lando ici. À 15 000 euros. Laura, c'est votre enchère, on est d'accord? À 15 000, que fait-on? À 15 000 euros qui couvre l'enchère de 15 000 euros, pas là, rien à droite. À 15 000 euros, on va juger. Dernier appel, dernière fois, à 15 000. Bon, alors la folle enchère, voilà. Donc maintenant, cette fois-ci... On est d'accord, 15 000. À 15 000 euros, le marteau se lève. Last time, last call, à 15 000 euros. C'est 15 000. Euros. Fini, Laurence. Dernière fois, on la juge. 15 000, Laura. Donc du coup, on va reprendre le cours normal. C'est-à-dire le numéro 100. De Grande Corne, Eric Lhermitte. Pouliche Alzane, elle est née le 16 mars. C'est une fille d'Evasive et Marella. Là, voici la fille d'Evasive. Evasive, on en a parlé, paire de gagnants, paire de black type, plusieurs black type. Nous avions eu le plaisir de vous vendre la sœur Tierra del Fuego, excellente pouliche, gagnante à 2 ans, placée de course principale cette année. Elle a couru les Hawks françaises, le Diane, la mère et sœur de Power Scourt notamment. Et évidemment, c'est la proche famille du phénomène Frankel, pédigré rare ici pour cette fille d'Evasive. Combien pour débuter les enchères? La sœur de plusieurs gagnants ici, mère Desert Prince, grand-mère Rainbow Quest. 10 000, voulez-vous 10, 10, 8, 5, on débute à 5 000 euros. Frankel, à 5 000, allons-y, mettez vos enchères. À 5 000 euros, la fille d'Evasive, à 5 000, 5 000, 5 000, voulez-vous 5, 5. À 5 000 euros, 5, 5, pas plus bas, s'il vous plaît. Frankel, dans la deuxième mer, 5 000. À 5 000 euros, qui couvre l'enchère de 5 000, mon enchère. À 5 000 euros, 7 000 maintenant, 7 000. À 7 000 euros par vous, Laetitia, l'enchère à 7 000. À 7 000 euros, vu, à 7 000 euros, pas beaucoup de... Pouliche, 8 000. Avec alors, donc la petite sœur de Tierra del Fuego, para-évasive. Tierra del Fuego qui avait été vendue ici, pas mal d'argent, je crois.
beaucoup d'argent, même, je ne sais plus le prix exact, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Elle avait été troisième, c'est ça le plus important, du prix de la Camargo ensuite, après avoir gagné à 2 ans d'ailleurs. Et c'est la famille, bien sûr, de Frankel. Sous la deuxième aire, on trouve le phénomène, le crack Frankel, ainsi que Noble Mission, ainsi que Bullet Train, ainsi que Last Train, ainsi que Power Scout, champion Power Scout, gagnant de l'Arlington Million notamment. Voilà, très très grand pedigree ici. À 20 000 euros qui prend le relais, à 20 000 qui couvre l'enchère. Je vais voir à droite à 20 000. À 20 000 euros, regardez la page de pedigree. Bonne pouliche ici par évasive à 20 000 euros. 2, 22 000, 22 000. On y revient, Laetitia, à 22, 22. À 22 000 euros qui couvre l'enchère de 22 000, 22. À 22 000 euros, 22 000. La sœur de Tierra del Fuego, notamment à 22, 5, 25 000, 25 000. Fresh Bidder, John, à 25, 25. À 25, 8 maintenant, 28 000, 28 000, 28, 28. À 28 000 euros, je vous laisse faire, John, 30 maintenant, 30 000. À 30 000 euros, là haut à la barrière, à 30 000, 30 000. À 30 000. Je le répète, mais c'est rare d'avoir Frankel dans un pedigree tout de suite là en deuxième. Mère à 30 000, nous sommes là à l'enchère 2 à 32. En effet, la rareté fait le prix. Donc, si on était parti à 5 000 euros, sans surprise, la pouliche monte. 35 ici, 35 000 pour la cousine de Frankel par évasive. Je crois, on est d'accord, Laetitia là où 35, on est d'accord. 35 000, 38 000, 38 000 à 38 000 euros, à 38 000 euros. John, je vous laisse faire 40. Alors, 2 ici, Fresh Bidder. Against you, 45 000, c'est pas fini. 45 000, 45 000, regardez la page de pedigree. 45 000, Laetitia, c'est vous, hein. On est d'accord. 45 000, la sœur a couru le Diane cette année. 45 000, à 45 000 euros, placé de course principale. 48 000, 48 000, John toujours par vous. À 48 000, faut mettre 50, qui met 50 ? 48, à 40, 50, Harvey, 50 000, fait, à 50 000. John, cette fois-ci, c'est contre vous, je vais le voir. J'ai lui demandé. 50 000 euros. 50, John, contre Boulanger. 50 000, la cousine de Frankel. La petite sœur de Tierra del Fuego, Black Type. Frankel, je ne vous donne pas ses performances, mais enfin si quand même, je vais me faire plaisir. 14 courses, 14 victoires, invaincu, un phénomène. Je n'ai jamais vu un cheval pareil, j'ai eu la chance personnellement de le voir courir lors de ses adieux à Ascot. C'était époustouflant. Un tempérament de phénomène, une action de crack. Le cheval de course absolument parfait. Frankel. 56 000 euros à 56 000. À 56 000 euros, l'enchère est à droite cette fois-ci par vous, John. Pas d'erreur. À 56 000 euros, qui prend le relais ? 57. On monte gentiment. Mais on monte. 57 là-bas. On se bagarre. À 57. 50, 60 000. 60 000, effectivement, on monte. Je vous rappelle que pour l'instant, le top price est à 80 000 euros. Il y a un autre top price à 77 000 euros. Ce n'est pas Tony Ford qui est en train de mettre les enchères. 60 000 euros, pardon. Frankel, tout de suite dans 62. 62, si vous voulez, 62. À 61, si vous voulez, 61. Nous avons, je crois, Carlos Lerner en train de... Si vous voulez, à 61. Ici, 62, si vous voulez, 2. 62 000. Il y a bagarre. 62 000 euros, c'est John l'enchère. 62, c'est ici, against you, Harvey. Non, je crois qu'il n'y avait Guy Petit. 5 ? Il y 63, avait Guy Petit ici, en train de mettre des enchères, à moins que je ne m'abuse. Hein. 63 000 euros, la file évasive à 65. Oui, John, 65. 65 000, 65 000, toujours à droite l'enchère, 65. 65 000 euros, à 65 000 euros, l'enchère est sous un rayon de soleil, sous une jolie lumière, avec un fond de ciel noir. Comme l'ébène, le soleil brille sur la robe alzane qui prend bien la lumière de cette cousine de Frankel. Et on monte. Harvey, c'est votre enchère pour le moment. On met 8 ou 10. On met 70. 66 000. 66 000, c'est votre enchère, Harvey, pas d'erreur, à 66. À 66 000 euros, là l'enchère. Que fait-on le mardi 67 000. C'est pas fini. Ça résiste, 67. À 67 000, mettez 70, Harvey, si vous voulez. À 67 000 euros, l'enchère est là par vous, John, pas d'erreur. Non, c'est Guillaume Witz, ce n'est pas Carlos Lerner, c'est Guillaume Witz qui est en train de mettre effectivement des enchères. Il est à côté d'Henri Alex Pantal. Guillaume Witz qui est en train d'acheter très probablement pour 99% de chance. À 68 000 euros. Pour son patron Guy Pariante du Rat de Colville, le propriétaire de Ken d'Argent. 70 000 euros par vous, John, l'enchère, que fait-on ? À 70 000 euros, d'où si vous voulez, le marteau se lève. À 70 000 euros, dernier appel. Attention,
Le marteau va tomber et là nous avons 72 000 euros toujours par voie. Donc Guy Parian par là, l'entremise de Guillaume Witz qui vient de remettre une enchère et qui tient la marée haute actuellement à 72 000 euros. Très belle bagarre en effet. À 72 par voie belle enchère. Cette fois-ci, je vais la juger en face. Je vous laisse faire un petit instant de réflexion. Elle le mérite à 72 000, 73. Voilà, c'est Guy Petit qui vient de mettre 73 000 euros. John, c'est toujours par on y va 1000 par 1000. Contre vous cette fois. Pour ce poulain présenté. Que fait-on ? Le marteau. Cette pouliche, pardon, présentée par le rat de Grand Camp, Éric Lhermitte. On a remis 74 000 chez Guy Parian. 74, contre vous, fini ? 15. 75 bon, 1000 par 1000, c'est un peu, ça prend son temps, mais bon, on en profite au moins. 77, si vous voulez, 77. Fini à 77. Dernière fois, pas de regret. Harvey, votre enchère à 77 000 euros. Dernier appel. Attention. Merci de votre aide. Et on adjuge. 77 000 euros. Harvey, votre enchère. Et c'est après une longue bataille d'enchères, c'est Guillaume Witz, effectivement, qui remporte le pouliche présenté par le rat de Grand Camp. C'est une pouliche, elle est alsane. C'est Guillaume Witz qu'on ne verra sans doute pas à l'antenne. Gabriel. Qui remporte la nièce de Frankel pour la somme de 77 000 euros. La mère par Rock of Gibraltar. Le 2 ans est placé pour ses débuts. La mère est gagnante de course principale. La mère est sœur de Night of Light, notamment gagnante de liste placée de groupe, placée du prix d'Omal. Combien pour débuter les enchères donc. La fille de Ken d'Argent ici, petite fille de Ken d'Or. Mère Rock of Gibraltar, 10, 8, 5, voulez-vous 5, 5, 5, 5. Allons-y, mettez vos enchères. 5 000 à 5 000 euros. La fille de Ken d'Argent à 5 000. Qui m'appelle 5 000 à 5 000 euros, 5 000. 5 000 à 5 000 euros, 5, 5. 5 000, 5 Harvey l'enchère à 5 000. À 5 000 euros, qui prend le relais à 5 000 euros. Ken d'Argent à 5 000 euros, 5, 5. 5 000 à 5 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît. Alors on va peut-être apercevoir... On va peut-être apercevoir la Guillaume Witz avec un Rial Expantal. Il y a Philippe Sogorb, oui, qui est là. Il est rejoint ici. Et ben voilà, bravo, super. On a tout le monde là. On a Éric Lhermitte qui rejoint Guillaume Witz. Et Loïc Teicher, évidemment, l'incontournable Loïc Teicher qui est là avec Arnaud Benoît, non moins incontournable. Il y a Philippe Sogorb qui est... Oui, c'est ça, Philippe Sogorb qui est à côté. Ben, ils se voient dans la télé, ils sont contents, c'est super. Et donc, voilà, Philippe Sogorb qui rejoint Guillaume Witz avec toute la presse, avec Éric Lhermitte et sa femme, et avec, je crois, il est encore assis, Henri-Alex Pantal. Merci. 10 000, fresh bidder, 10 000. À 10 000 euros, 12 à droite, l'enchère à 12 000. Laura de nouveau l'enchère à 12. 12 à 12 000 euros qui prend le relais à 12 000. 12 à 12 000 euros, toujours à droite, l'enchère à 12 000. Pas en face, rien à gauche. À 12 000 euros, la fille de Ken d'Argent, mère Rock of Gibraltar, Black Type. À 12 000, nous sommes enchère à droite par vous, Laura, pas d'erreur. À 12 000. À 12 000 euros qui prend le relais 12. Laetitia contre vous. Nathalie contre vous également. À 12 000 euros, qui prend le relais 12. À 12 000 euros. 77 000, donc c'est le deuxième top price à égalité avec un autre cheval à 77 000. Je vous rappelle que pour l'instant, c'est toujours les 80 000 du poulain en début de catalogue du rat de Ferrières, de Fairway Consignment, je vais y arriver, qui tient la corde des top price. Dernière fois. Eh bien tiens, Ken d'Argent, on en parlait, puisque Ken d'Argent appartient à Guy Petit. À Guy Pariante, dont le haras de Colville est dirigé par Guillaume Witz, qui a donc mis les enchères et qui a battu l'underbidder Guy Petit. Fils de Silver Frost et Mark of Brazil. Le voilà, le fils de Silver Frost. Il vient de refaire par lui... Au plus haut niveau, Silver Wave gagnant de groupe tout récemment. La mère... Donc la pouliche de Ken d'Argent s'appelait Mutuelle. Alors maintenant nous avons... Voilà, le frère de Frankie Minuti, de Ken Dan Marie, notamment. C'est une vraie belle famille, celle de Gorilla ici. Gagnante de groupe 1 de Porto Santo. La mère a gagné à deux reprises. Combien pour débuter ce bon poulain, petit-fils de verglas, par Silver Frost. Donc le 102 par Silver Frost. Tout récemment, 10. Le même fils de verglas, Silver Frost, le père de Silver Wave. À 5 000 euros, 5 000. À 5 000 euros, 5 000. Le vainqueur du Grand Prix de Saint-Cloud et du Foix. 5 000 euros, le poulain de Silver Frost, 5 000. La famille de Gorilla, Porto Santo. La mère, Mark of Brazil, par Mark of Esteem. Qui m'appelle 3. Gagné deux courses.
et a donné deux vainqueurs, Francky Minuti et Can-Marie, respectivement par Enrique et Ken d'Argent. Silver Frost, le père de plusieurs... Voilà, le fils de Silver Frost. Il est né le 23 avril. Mettez vos enchères. 3 000 à 3 000 euros. 3 000 à 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 euros. Poulain précoce ici. 3 à 3 000 euros seulement. Nous sommes à 3 000. 3 à 3 000 euros. C'est vu. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 3 000 à 3 000 euros. Le père de plusieurs gagnants. 3 000. La famille de Gorilla à 3 000 euros. Silver Frost en plein dans l'actualité. On, je vous le disais, 3 000 à 3 000 euros seulement. Pas de regret. 3 000 euros. 4 000, Laurence, Fresh Bidder, 4 000, à 4 000 euros qui couvre l'enchère de 4 000, 7 fois 4, à 4 000 euros qui prend le relais, à 4 000 euros par vous, Laurence, l'enchère, à 4 000, 4 000 euros, le marteau se lève, qui met 5, à 4 000 euros, rien là, à 4 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, 4 000, à 4 000 euros, dernier appel, dernière fois, à 4 000 euros, c'est votre enchère, Laurence, toujours, on est d'accord, à 4 000, le marteau se lève, à 4 000 seulement, vous le laissez partir, le fils de Silver Frost, à 4 000 euros, dernière fois, on la touche. 4 000, Laurence. Numéro 103, présenté alors, du lieu des champs. À 4 000 euros, était adjugé seulement le 102. Elle est vendue, je pense que c'est racheté, mais je ne peux pas vous le vérifier. Le petit frère Incampo s'est imposé. Ensuite, dans le prix. Voici le... C'est également le bulletin qui est signé par... Ah. Alors, c'est pas exactement le petit frère, c'est en fait le produit de Indian Cat. Ah, pardon. Qui, elle, est la sœur, effectivement, de la pouliche que nous vous proposons. Et cette Indian Cat a donc produit Incampo, qui a gagné à 2 ans. Non, non, le marteau est bien tombé pour un acheteur. Je ne connais pas son identité, mais vous pourrez le constater dans quelques secondes. Dans quelques secondes ou quelques minutes sur la liste des résultats officiels à droite. Combien pour débuter les enchères? La famille de Marido. Voulez-vous 10 000, 8 000, 8 000 euros, 8 000, 5, voulez-vous 5, 5, 5, 5 000 euros, 5 000 euros, la fille de Falco, 5 000, 5 000 euros, 5, 5, à 5 000 euros. Alors maintenant, c'est Indian Lady, une fille de Falco. Bon étalon, Falco et Marilinda. Alors une jument pour le moins confirmée, 9 vainqueurs en 10 produits en âge de courir. Ça, c'était un score. Et parmi ces 9 vainqueurs, 2 black tie. Pourtant, avec des étalons qui n'ont quand même pas réussi, c'est-à-dire Mujadil. Le père d'Indian Beauty qui a remporté le Prix Miss 7 Amixa, la première édition d'ailleurs du Prix Miss 7 Amixa listed sur la PSF de Deauville en plein hiver. Et puis après Indian Cat qui est une fille du pourtant désastreux One Cool Cat qui lui a remporté une listed en Allemagne. Donc voilà, la famille de de Marilinoa, ça c'est bien sûr David Smaga, la famille aussi de Hiruno Damour, le crack japonais. Maintenant, 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, 10 000, à 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros, 10 000, à 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros, toujours à droite l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, 10, 12 maintenant, 12 000, 12, à 12 000 euros, belle page ici, à 12 000, deux black tie, 12 000, à 12 000 euros, toujours à droite l'enchère. Laurence, c'est vous, à 12 000, à 12 000 euros qui prend le relais, je vais voir en face, à 12 000, pas de regret, à 12 000 euros et pas là-bas, 12 000, à 12, à 12 000 euros qui couvre l'enchère de 12 000 euros, pas de regret nulle part. Pas là, rien à gauche, le marteau se lève, on va la juger. La belle pouliche bébrune, puissante, née le 17 avril, présentée par le rat du lieu des champs. On salue notre ami Richard Powell. 12 000 euros, le marteau se lève, dernier appel. Et son épouse, bien sûr. On la juge. 12 000, Laurence. Place au numéro 100. Et c'est vendu. Enfin, vendu. C'est adjugé à Nicolas Bertrand de Balanda. Massaba. Voilà la fille de Nicolas Bertrand de Balanda, que voici ici aux côtés de Bertrand Le Métayer et Amanda Zetterold. Donc Bertrand Le Métayer, c'est BLM Bloodstock, le conseiller du Cheikh Mohamed Al Thani. Nicolas Balanda, c'est l'entraîneur de Maison Lafitte. Et Amanda Zetterold, c'est la responsable commerciale des étalons des Aga Khan Studs. 5 000 euros, voulez-vous 5 000, 5, 3, voulez-vous 3, 3, 3 pour débuter, 3 à 3 000 euros, la fille de Damian Green, 3 000 à droite l'enchère, le bras l'enchère, à 3, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, à 4 000 euros par bout et contre bout à droite l'enchère. Alors maintenant, on arrive à un poulain de Diamond, une pouliche de Diamond Green et Massaba. Elle est présentée par le haras des Granges qui stationne Diamond Green, c'était long, une excellente origine
Lagardère. Alors là, c'est du Lagardère du côté maternel, puisqu'on a Miss Atamixa, on a Miss Atamixa, Mister Sissi, Mister Reeve, Maninamix, Mrs. Arcada. Donc tout ça, c'était des Lagardères. Et puis on a Lagardère aussi du côté paternel, puisque Diamond Green a été le dernier bon cheval. Un des derniers bons chevaux, en tout cas, qui porta la casaque de Jean-Luc Lagardère. Lagardère à 10 000, la mère gagnante à 2 ans, à 10 000 euros nous sommes, Diamond Green à 10 000, à 10 000 euros, il faut mettre 12, qui m'appelle, à 10 000 euros qui prend le relais à 10 000, pas de regain nulle part à 10, à 10 000, l'enchère à droite, 11 si vous voulez, 11 000, à 11 000, à 11 000 euros, l'enchère en face de moi, à 11 000, par vous Harvey, pas là, plus là-bas, à 11 000. À 11 000 euros qui couvre l'enchère de 11 000. Harvey, votre enchère. Dernier appel à 11 000 euros, c'est contre vous, Laurence. Le marteau se lève et on va la juger. Harvey, chez vous, là-haut, au restaurant, à 11 000 euros. Dernière fois, pas le gars nulle part. Là-haut, l'enchère. On la juge. 11 000. Harvey, votre enchère. Le Harrod de Grand Camp, Éric Lhermitte nous présente le numéro 5. 11 000 euros. Poulain B, né le 6 février. C'est un fils de Never on Sunday et Masseria. 11 000 euros, alors est-ce que c'est vendu ou pas? Voici le fils de Never on Sunday, la mère d'Ella Francesca et sœur de Royal Menanti, Torrid Hell. Je ne sais pas, c'est parti dans le couloir, je pense que c'est vendu en effet. Tandis que nous avons un magnifique hélicoptère. Voilà, gendarmerie nationale, un gros drone qui passe de la gendarmerie, qui vient surveiller un peu les petits malotrus, les délinquants, et qui pourraient se trouver autour de ce ring. 5 000, voulez-vous 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, le mal de Never on Sunday, 5 000 euros, voulez-vous 5, 5, 5 000 euros, 3, voulez-vous 3, 3, 3 000 euros pour débuter, 3 000. Et, Laurence l'enchère, 3 000, ah, 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 euros. Ça tombe bien qu'on ait fait voler notre drone tout à l'heure et qu'on l'ait fait atterrir. 3 000 euros, mettez vos enchères, 3 000, 5, 5, 6, 6, 6 000, 6 000 à droite l'enchère, Laura l'enchère à 6 000, 8 maintenant, 8 000, 8 000. Gendarmerie nationale. Alors, le 105 présenté par Laura de Grand Camp, un fils de Never on Sunday. Bah, c'est là que le cheval Never on Sunday avait commencé sa carrière d'étalon. Aura de Grand Camp. Mais là, c'est un produit de Never on Sunday issu de la deuxième période d'étalonnage de Never on Sunday lorsqu'il est arrivé au Aura des Granges. La mère est une sœur de Royal Menanti, un fils de Kendor qui a réalisé une excellente carrière sous la houlette de Joël Boinard. C'est aussi la famille de Fast and Furious qui, lui, fut un très bon cheval gagnant du Derby du Languedoc et deuxième du Hollywood Derby. Alors lui, c'était Jean-Claude Rouget qui l'entraînait Fast and Furious. 13 maintenant, 13 000, on y revient, 13, 13, 15 maintenant, 15, 15, 15 000 par vous et contre vous, Laurence l'enchère à 15 000 euros, la mère sœur de Royal Menanti, 17 victoires à 15 000, 15 000, à 15 000 euros l'enchère en face de moi par vous, Laurence, on est d'accord, 15 000, à 15 000 euros, là l'enchère, à 15 000 euros, mais 18 si vous voulez quelque part, à 15 000 euros, que fait-on tandis que l'orage commence à menacer ici, nous en sommes au 105, on va la juger. Le fils de Never on Sunday, bon poulain. À 15 000 euros, un bon prix. Hein. Le cheval est présenté par Harrod Grand Camp. Je vous rappelle que Never on Sunday fait la monte à 2 500 euros la saillie. Donc il y a un super coefficient multiplicateur ici. À 15 000. C'est le premier produit de la mer qui n'a pas couru. On peut adjuger. Dernier appel. On adjuge. 15 000. Laurence. 15 000 euros. Le numéro 106 nous est présenté. C'est Bertrand Le Métayer qui se fait adjuger ce poulain de Never on Sunday à 15 000 euros. Et Maximova. Oui, d'une fille de. Ah, c'est John O'Kelly qui nous vient de Tattersall. L'agence. Le voici Bertrand Le Métayer qui signe le bulletin à 15 000 euros pour le produit de Diamond Green. Donc maintenant le numéro 106, un fils qui se fait offrir une coupe de champagne qu'il accepte avec bon plaisir. Donc Ormixa, c'est le nom du numéro 106, elle est née le 22 avril, c'est une fille de Orpen et Maximova. Alors pas la Maximova championne de chez Cricketed, hein, évidemment. Une autre Maximova, née en Irlande, fille de Dylan Thomas. Et Mélatonina. Alors Dylan Thomas en France a un peu de mal à passer. C'était un étalon assez décevant, c'est vrai.
Alors qu'évidemment, en France, on en attendait beaucoup puisqu'il a gagné le prix de l'Arc de Triomphe. 4000, Nathalie. Par contre, la famille maternelle, elle est sympa. Hein. Sous la troisième aire, on trouve Luke Honey qui avait gagné le premier jeune Adam chez Carlos Lerner, monté par Yann Lerner. Ce print promo, enfin plein de bons chevaux. Et plus près, sous la deuxième aire, on trouve Faraway Run, un fils de Hurricane Run, qui s'est imposé en France. Il était black type et en plus, ensuite, il a gagné au Kazakhstan. Kazakhstan, c'est le pays voisin du Kirghizistan où on vous fait voyager actuellement sur France Cire. Il reste deux reportages encore plus spectaculaires que ceux que vous avez déjà vus, qui pourtant déjà font se dresser les cheveux sur la tête, au Kirghizistan, dans les pays lointains de l'Asie centrale, sauvage et inconnu. C'est même plus méconnu là, c'est inconnu là. Dernière chance là alors, à 5000 ça me parle, Laura toujours à 5000. Par le juge. Merci Laura, 5000 Laura. Le numéro 107 et nous est présenté par le Hara de Bourgoville. Un poulain B. Alors maintenant c'est le 107. Mister Sydney et Mid. On est vite passé sur le cas du 106. Maintenant on va passer au 107, le Hara de Bourgéville, qui nous présente un fils de Mister Sydney et Medagla Milagrosa par Minorsmark, étalon peu connu, mais fils de Mister Prospector et la championne Personal Ensign. Alors, Medala Milagrosa a gagné tout plein de courses en Amérique du Sud. Elle est née aux États-Unis, mais après, elle a été exportée en Amérique du Sud où elle a remporté un certain nombre de listes et de groupes. Toujours un petit peu difficile de juger des niveaux des courses là-bas. Ça va ? On salue notre ami Goulven Toupel, l'ancien crack jockey de l'Ouest, qui travaille maintenant comme assistant entraîneur de Christophe Ferland sur cet hippodrome. À 5000, nous sommes maintenant à 5000. Vraiment courant ce modèle-là. À 5000, nous sommes maintenant à 5000. Il n'a pas vieilli, notre ami Goulven. À 5000, 5000, 5000 en chèque qui prend le relais maintenant à 5000. À 5000, nous sommes à 5000. Poulain de course ici à 5000. À 5000, c'est loin d'être son prix quand même. On ne nous vend pas d'erreur. À 5000, nous sommes maintenant à 5000. Bon, apparemment, ce poulain ne suscite guère d'intérêt. Ici à 5000, c'est bien vu. Silver ici aussi. Et Trophée qui m'appelle. Ah oui. 6000, 6000, 6000, nous sommes maintenant à 6000, 6000, Laurent, votre chien maintenant à 6000, à 6000, plus votre 5000, 6000, 7000, 7000, maintenant à 7000, à 7000, 7000, à Tissia, Laurent, votre chien, à 7000, 7000, n'arrêtez pas, à 7000, à 7000, plus vite, s'il vous plaît, Laurent, à 7000, l'enchère en face ici, à 7000, merci, retraite quand même, rien en haut là, à 7000, nous sommes l'enchère en face par la Tissia, à 7000, nous sommes, dernière fois, dernière chance, on peut la juger. Pas de regret nulle part, on va le juger alors. À 7000, nous sommes dernière fois, dernière chance. On la juge. À 7000 euros, le marteau est tombé pour le numéro 107. Qui est présenté, par le présenté donc pour l'Arabe Bourgeville. Alors on va passer tout de suite au numéro 108. Le 13 mars, fils de Cockney Rebel, né le 13 mars, Merkel, présenté par le domaine de l'étang. De Pérouine, qui depuis la sortie du catalogue. La mère est par Mandouro. Le 21 août. Oui, seulement dans le catalogue, par le double gagnant de 2000 Guinées à Newmarket et au Cura. Cockney Rebel, d'une fille de Mandioro, qui ressemble beaucoup aussi. Pour la solide, il marche bien d'altitude, bonne famille aussi. Une petite coupe de champagne, c'est ça qu'il nous faut. Allons-y, 5000. Qui a 5000 derrière moi, 5000. Écoutez, pour l'instant, on n'a quand même pas à se plaindre du temps parce que si c'était une véritable calamité hier soir, ce matin c'était compliqué. La première demi-heure de vente c'était quand même compliqué, mais là depuis on a échappé au pire. Et là l'orage menace, mais je pense qu'on va passer, on va continuer de passer à travers les gouttes. La chance légendaire d'Osarus se poursuit en ce qui concerne le climat. Il y a quelqu'un qui appelle Emmanuel Vio Zeus, l'homme qui est capable de maîtriser les orages. Alors le numéro 108. C'est un fils donc de Cockney Rebel. À 6000, nous sommes maintenant à 6000, plus vous l'agent pour le 6000, 7000, j'ai raffiné. À 7000, on chère maintenant à 7000. À 7000, il l'oxe runner de cela. À 7000, on l'enchaîne tout en haut là, plus loin bas. À 7000, à 7000, on chère maintenant. Sinon, l'autre là, Laetitia et Laurence. 7000 qui m'appelle. À 7000, on chère maintenant. À 7000, on chère tout en haut là. 7000, 8000, on chère maintenant à 8000. À 8000, nous sommes en bas. À 8000 euros. À 8000,
Nous voilà à 8000. À 8000, à 8000, à 8000. Nous sommes maintenant, oui, remettez-en une là, 9000 euros. À 9000 euros maintenant, à 9000. À 9000, arrondissez au moins là, l'ordre, s'il vous plaît. À 9000 euros maintenant, à 9000. Père de coq de Nantes ici, à 9000. 10000. À 10000. 12, voulez-vous, monsieur, maintenant. 10, 12000. Bravo. À 12000. Donc, je maintenant 15, voulez-vous encore maintenant, l'ordre. 15, 13000. 13, 15, voulez-vous. À 13000, enchaîne ici, à 13, 15000. 15, 17, voulez-vous encore. À 15000, 15000, 15000, enchaîne maintenant. 15000, l'ordre, s'il vous plaît. À 15000, enchaîne tuton. Il marche bien. Beau poulain, modèle de queue de 2 ans aussi, à 15 000. À 15 000, à 15 000, tuton, l'enchaîne maintenant ici, à 15 000. À 15 000, qui prend le relais? À 15 000, nous sommes dans 15 000, pas d'erreur, nous parle, 15 000. On peut le juger alors, 15 000, 16, vous nous l'aurez là. À 15 000, 16, qui m'appelle? 16 000? 16. Harvey, c'était votre enchère, OK? Une nouvelle enchère, 16 000, je vous laisse faire. À 16 000, 16 000, enchère maintenant, 16 000. À 16 000, 16 000, je vous laisse faire là-bas, là-bas, 16 000. À 16 000, pas Harvey, l'enchère maintenant, 16 000. C'est bien vu, on veut la juger à 16 000. Pas d'erreur, nulle part. Votre enchère, Harvey, à 16 000. L'enchère, pas Harvey, belle, à 16 000. Dernière fois, dernière chance. On la juge. Harvey, belle, merci beaucoup, Harvey. 16 000. Présenté par Jedburgh Stud et le Haras des Longs, le numéro 109, Billy Bob. Poulain B, né le 6 mars, c'est un fils de Ken d'Argent et Milwaukee. Et j'ai de toute belle souche maternelle, la mère est placée, les sœurs d'elle, les sœurs d'un gros pain, Amorama, père et mère aussi d'Ampère. Très grand souche maternelle, le fils de Ken d'Argent ici. Combien fera-t-on le père de Goken, Dimitri Two Times? Prenons 20 000, qui a 20 000, 20 000 quelque part, 10 000 alors, qui a 10 000, 5, 3, allons-y, 3 000. À 3 000, fils et Ken d'Argent ici à 3 000. À 3 000, à 3 000, à 3 000, qui m'appelle? 3 000 à gauche, Angèle, Nathalie à 3 000. À 3 000, nous sommes maintenant, 3 000, frère, 4 bons vainqueurs quand même. À 3 000, nous sommes maintenant, 3 000, une enchaîne, une seule enchère. À 3 000, à 3 000, nous sommes maintenant, 3 000, qui m'appelle? 4 000, 4 000 enchères. À 4 000, Laura, je ne vois pas du tout là, Laura. À 4 000, 4 000 enchères. À 4 000, 4 000, nous sommes maintenant, 4 000, Nathalie contre vous là. À 4 000, le frère de 4 vainqueurs, la grand-mère et les mères de 7 vainqueurs, la mère est placée, les sœurs aussi, à 4 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, l'enchère maintenant, à 5 000, 5 000, Jimmy Two Times, Jimmy Two Times, placé du groupe 1, Maurice Segui cette année, à 5 000, à gauche, l'enchère maintenant, à 5 000, à 5 000, à 5 000, 6 000, l'enchère maintenant, à 6 000, à 6 000, Laurence, votre enchère maintenant, à 6 000, la paire de récière d'argent, 7 000, Ken Hope, Ken Dambo aussi, à 7 000 euros, à 7 000, à gauche, l'enchère, 8 000, l'enchère maintenant, à 8 000, à 8 000, arrondissez au moins, s'il vous plaît, Nathalie, à 8 000, 10 000, bravo. À 10 000, 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 n'arrêtez pas maintenant, à 10 000, suivant, s'il vous plaît, à 10 000, à 10 000, à gauche, enchaîne maintenant, à 10 000, voulez-vous mettre 12, à 10 000, enchaîne, Laurent, c'est plus, voilà, à 10 000, 11, voulez-vous maintenant, à 10 000, voulez-vous mettre 11, à 10 000, nous maintenant, à 10 000, à gauche, enchaîne, à 10 000, sans rien, rien à droite, l'argent, Laurent, c'est plus, voilà, Laurence, l'enchaîne, bah, Nathalie, toujours à 10 000, à 10 000, à 10 000, nous maintenant, à 10 000, ça vaut le coup quand même. Seul père d'une place, c'est groupe 1 cette année, Jimmy Two Times, père aussi de Goken, à 10 000, c'est un récit d'argent aussi, à 10 000, à 10 000, à gros chanchère maintenant, à 10 000, c'est bien vu, fini là, pas de regret, à gros chanchère, bah, Nathalie, à 10 000, c'est fini là, on le juge. Merci Nathalie, 10 000 euros. Le numéro 110, présenté par l'élevage de la Séguigne, appartenant au Gaec de la Séguigne, Mr. Masterstein, pardon. Un mâle gris, né le 16 février, c'est un fils de Tinos et Midmaster. Oui, les frères de Bassodino qui est à l'entraînement chez Monsieur Allard. La mère est placée, trois fois une fille de Maison Master, de bonne taille, excellente famille en plat et aux obstacles. Combien faut-on ici pour débuter, excellente famille de Judman Stables, de Skimble, Nimble Folly, la grand-mère Nimble Mind. Combien faut-on ici, on débute à 5 000, allons-y, 5 000, qui a 5, 5, 5 000, enchaîne, 5 000, 5 000, 3 000, alors qui a 3 000, à 3 000, le fils de Tin Horse, à 3 000, qui m'appelle, attends, Nathalie, votre enchère, à 3 000, à 3 000, pas Nathalie, toujours maintenant, à 3 000, à 3 000, à 3 000, perd déjà des vainqueurs, c'est vainqueur de classique aussi, à 4 000, 4 000, à 4 000 à droite, à 4 000, 4 000, 4 000, pas l'or, l'enchère maintenant à 4 000, à 4 000, 5 000 enchères, à 5 000, maintenant à 5 000, par le bon vainqueur de... Alors 10 000 euros pour le numéro 109, Billy Bob, le Ken d'Argent. Maintenant, on est passé au numéro 110, un fils de Tinors qui s'appelle Mastertin, présenté par l'élevage de la Séguigne. La famille de Skimble, une souche, pardon, Abdullah. Et après, nous aurons Stormy River qui sera présenté. Pour l'instant, nous en sommes à 6 000 donc.
pour ce Master Teen issu du croisement de Teen Horse jeune étalon avec une mère par Mizzen Mast, un étalon gris sur un père de mère gris, évidemment ça donne un produit gris. On peut la juger à grand chance, 8000 enchères, à 8000 nous sommes, contre vous là, Nathalie à 8000, l'enchère ici à droite à 8000, ah oui, 9000 vous voulez encore maintenant, 8000, ah oui, vous voulez pas mettre 9, un petit coup là, et c'est quand même, 8000 enchères, à 8000 nous sommes, ah oui, vous voulez pas mettre 9000, à 8000 nous sommes pas l'ordre toujours maintenant, à 8000 nous vendons pas d'erreur ici à 8000, fini là, votre enchère là, à gauche contre vous là, à 8000 nous sommes maintenant, dernière fois, dernière chance, à 8000, on la juge. Merci Laura, 8000 euros. Place au numéro 111 qui est présenté par Jet Burstiel de Le Haradello. Il s'agit d'une pouliche grise née le 26 avril. Elle est par Stormy River et Minza. Très bon croisement ici. Elle est 3 quarts sœur d'Avenue Raphaël. Sil Minza aussi. Elle est placée à 2 ans, le moelleux. Très bien faite cette poule-là. Regardez la profondeur. Elle est vraiment typée de la ligne de. Le verglas, très course, énergique, ce poulain, combien on retourne ici, 20 000 qui a 20 000, 20 000, je viens 20 000, 10 000, 30 000, 5 000, 3 000, allons-y, il y a 3 000, à 3 000, très course, ce poulain, 3 000, à 3 000, mettez vos enchères, qui m'appelle là, à 3 000, en 3 000 enchères là, l'enchère, oui, merci, à 3 000, à 3 000, Laurence, l'enchère là, 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, très bon croisement qui est déjà buré aussi, à 3 000, enchère maintenant, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, enchère maintenant, à 4 000, une nouvelle enchère, Lucia, Laetitia, à 4 000, voilà, Laetitia, l'enchère maintenant, 4 000, 5 000, nous sommes 5 000, Laura, 5 000, 5 000, l'enchère, à 5 000, elle propose 3 quarts frères de 2 bonnes gagnantes aussi, 6 000, 6 000, nous sommes, à 6 000, à 6 000, à 6 000, enchère à gauche ici, à 6 000, enchère peut-être là-bas, monsieur, à 6 000, 7 000, mon enchère maintenant, 7 000, oui, j'ai eu. À 7000, à 7000, nous sommes pas chers du tout. À 7000, à 7000, regardez bien le croisement ici. À 7000, à 7000, 8000 enchères, 8000, vous voulez pas mettre 10000, à 8000 enchères ici. À 8000, à 8000, à 8000, 10000, 10000 nous sommes. À 10000, par l'ordre toujours, l'enchère maintenant. À 10000, et puis voilà, monsieur, je vous ai pas vu là. À 10000, enchères, par l'ordre toujours encore. À 10000, à 10000, 15000, 12000, 12000 enchères. À 12000, à 12000, 12000 enchères, 15000, 15000 enchères. À 15000, vraiment très court ce poulain. À très, vraiment signé de la famille là. À 15000, 15000 enchères maintenant, vraiment signé de la ligne. Donc on avance. Du numéro 110 à 8000 euros et maintenant c'est le tour du de nouveau un gris, c'est le tour du 111 présenté par Jet Burstiel et Laura Delon. C'est une fille de Stormy River et Minza, une famille de exécute et tôt ou tard nous en sommes à 15 000 euros. Pouliche qui a un physique, hein. Elle a le physique de l'emploi pour ainsi dire. Toujours maintenant à 16 000, un tout beau poulain vraiment, à 16 000, l'air de 2 ans, à 16 000, proche frère de deux bons gagnantes à 16 000 et un 3 et un 2 qui était placé à 2 ans. Donc Minza, la mère, je m'en confirmais, puisqu'elle a donné naissance à Avenue Raphaël qui a gagné à Marseille et Sil Minza qui a gagné à Niort. 18, 20. Voilà, des chevaux de course, hein, convenable. Et là, nous en sommes à 17 000 euros pour le Stormy River. Le Stormy River, d'ailleurs, c'est le père de Avenue Raphaël. Et on a le juge. Laetitia, Cédric Boutin, juste là. Cédric Boutin, voilà, 20 000 euros qui vient de se faire adjuger le 111. Voici le numéro 112 qui est présenté par le rat du Saz, Ruby Flash, Malbé, né le 15 avril par Sri Putra. Et voici maintenant Ruby. Vendu pour 33%. Ah, le. Pardon, j'ai passé une page. Ruby Flash, donc, un fils de Sri Putra présenté par le rat du Saz. La famille de Maroussi, Maroussi Wings, ça a été chez Maroussi, c'était au roi du cadran si je ne m'abuse. Et Myria, la mère, a fait quoi? Elle a fait 7 produits en âge de courir, 2 vainqueurs seulement, va-t-on dire. Mais bon, 2 bons choix, un Magani, un American Post qui a gagné 3 courses. Et Maria Medici, une Country Reel, qui a gagné à Deauville aussi. Voici donc le produit de Sri Putra. Jeune étalon Sri Putra qui nous présente ici ses premiers yearlings. C'est un cheval vainqueur du prix Guillaume Gontaubiron. Guillaume Dornano, je ne sais jamais entre les confondre les deux courses. Ouais, je le cours, Sri Putra. 4000 à gauche là, l'escalier à 4000. À 4000, 4000, 4000. La tissue, c'est contre vous. À 4000, au deuxième rang là, 4000. À 4000, 4000. Suivant, s'il vous plaît. À 4000, un beau poulain ici. À 4000 de Sri Putra. À 4005, voulez-vous encore maintenant? À 5000, bravo. 5000, voulez-vous mettre 6000? À 5000, nous sommes 5000, 6000, 6000 enchères. À 6000, nous sommes maintenant à 6000, mon enchère, la tissue.
10 000 enchères maintenant, 6 000 plus Laurent, c'est contrôlable, 6 000 en 7 000 enchères, 7 000 luttes sont maintenant, 7 000, 7 000, grand sujet de vainqueur, 7 000 euros, il marche bien, beau poulain, sans les pointes, 6 000 enchères maintenant, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000 enchères maintenant, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000 enchères maintenant, 6 000, qui est-ce, l'enchère, c'est pas qui là? 6 000 enchères, oui, à 6 000 Laurence, votre enchère maintenant, 6 000. À 6 000, plus là, monsieur, maintenant, 6 000. À 6 000, 6 000, 6 000 enchères, l'enchère pas Laurence, 7 000 euros, 7 000 ici, ok, l'enchère? 7 000, 7 000 enchères. À 7 000, ça maintenant, à 7 000, à 7 000, à 7 000 enchères. À 7 000, 7 000, je n'entends plus là. Laetitia, l'enchère pas Laetitia, plus vous, Laurence. C'est tous les ailes là, Laurence, Laetitia et Laura, à 7 000 enchères ici par Laetitia, à 7 000 nous sommes dans 7 000, c'est pas facile à dire, à 7 000 nous sommes donnés autour d'horizon, à 7 000 nous sommes par Laetitia l'enchère, fini là, on va juger à 7 000 euros, on le juge, Laetitia, merci, votre enchère, Laetitia. Le numéro 113 est présenté. Bon, 7 000 euros pour le 112, tandis qu'on échappe toujours à la pluie, c'est super. Alors maintenant, c'est le 113, hein, une fille de Casamento, la nièce de Habsbourg, une lauréate du Grand Prix de Vichy par Annaba, sur l'entraînement d'Éric Libaud. Casamento, grand vainqueur de groupe 1, Racing Post Trophée. C'est le premier produit en deux ans. Il est déjà père des vainqueurs, dont Barrington, Giselle Cham et plusieurs autres. Premier produit d'une propre sœur de Habsbourg, de la famille Somme, donc excellent sujet maternel. Une pouliche ici, on débute 5000, allons-y 5000. La seule par Casamento dans le catalogue, 5000. Qui est 5000, preneur 5000, donnez-moi 5, 3, 3000, voulez-vous 3000, mettez vos enchères. À 3000 pour débuter 3000, là-haut, l'enchère maintenant 3000, Harvey. Nous sommes maintenant 3000, à 3000, à 3000, à 3000 enchères. Le premier produit de Mieszka, qui est une propre sœur d'Habsbourg, parce que c'est une fille de là-bas. Son premier produit par Casamento, étalon. Alors attendez, Casamento, il est où? Il est en Irlande ou en Angleterre? Je ne sais plus. C'est un fils de Chamardal qui a gagné le Racing Post Trophy. Dans les premiers produits en deux ans, nous n'en sommes qu'à 3000 euros. Pour l'instant, JK Thoroughbred, c'est vrai qu'ils ont présenté deux Rock of Gibraltar et là une. Et là une. Casamento et. Pour eux, c'est pas la joie. Il y en a pour d'autres, comme Fairway Consignment, c'est la fête. Mais bon, voilà. Merci votre bon coup, votre enchère 3000. Le numéro 114 est présenté par le Radéphone. Il s'agit là d'une dissolution d'association pour Kilkelly, Pouliche B, née le 30 janvier, fille de Mouyemin et Kilkenny. Très bon père des Gragnons de Mouyemin, c'est le père déjà des Lissette Scarlett, Action Chop et Golden Chop aussi, de Tidy Keltos. La mère est déplacée trois fois, à trois ans, c'est les familles Texolet. De nombreux vainqueurs gagnantes aussi, comme ils retournent ici pour le début. Voilà, c'est du côté de chez Harvey, donc l'auctionneur qui est dans le restaurant. À 3000, la 3000, Laetitia, votre enchère. À 3000, la petite fille d'APND ici, à 3000. À 3000, nous sommes. À 3000, à 3000, à 3000, enchères. 4000, 4000, 4000, enchères. À 4000. Alors, le 114 désormais, Kilkelly. Présenté par le prix, le Hara des Faunes. Femelle née assez tôt, hein, le 30 janvier. C'est une fille, une fille de Noam Muhaimin, j'adore. Et la mère est par Keltos. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est un joli croisement. Vous allez me dire, c'est un croisement de poètes, mais Keltos, c'est un cheval qui a été vraiment très très peu fertile, mais qui a eu une excellente réussite. Et Muhaimin, un cheval qui a toujours été dans l'ombre, mais qui était vraiment un étalon améliorateur. Ici Jean-Marc Capit et Harvey, donc c'est le fameux. Harvey, c'est le fameux. Spotter qui s'appelle Harvey, qui doit être sans doute anglophone et qui est placé dans le restaurant. Bon, 4000 euros, ça va être sans doute racheté. Le Kilkelly, la fille de Muhaimin. Par Pedro the Great et Miss. On va aller voir Alain Chopard pour savoir ce qu'ils ont fait. Alors, maintenant, Finesse Béret, présentée par le rat de la N9. Une fille de Pedro the Great et Miss Finn. Ah, Miss Finn, ça c'est jument qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Elle a donné 7 vainqueurs pour 8 produits en âge de courrier. Ça, c'est des juments de course, ou des juments d'élevage en tout cas. Juments de course, elle-même a gagné 9 courses. Elle était Miss Finn chez Guy Enro, cette fille de Caldoun, et elle a remporté notamment le prix de l'île de la Cité à Longchamp. La Coupe des Champions à Toulouse, et l'île de la Cité, c'est un gros quintet, un gros handicap quintet à Longchamp. Elle a fait Rêve Béret, Delaside, Tessa Béret, Nova 4.
Vella Béret, Blue Béret et City Béret. 4 ans par Kagan qui a gagné 4 courses. La famille Windenstein de Big Stone, si on remonte un peu plus loin. 10 000 enchères. 10 000, nous sommes dans 10 000, le père excellent vainqueur, groupe 1 au Corrala en Irlande à 2 ans. 12 000 enchères. 12 000 enchères en face à 12 000. 15 000 enchères. 15 000 à gauche, prochain dans 15 000, pas Nathalie. 15 000, 7 vainqueurs à 15 000, la sœur 2. 15 000, 17, voulez-vous? 15 000 à gauche, enchères maintenant, 15 000. 15 000, Laurent, c'est que vous là. 15 000 enchères à gauche, l'enchères, Laurent, c'est plus haut. 15 000, 16, voulez-vous encore? N'arrêtez pas quand même. 16 000 là-haut, à 16 000, nouvelle enchère, à 16 000, on se réveille, à 16 000, Nathalie, c'est plus vous là, à 16 000, la sœur d'un gagnant de 7 courses, son bel aberré, à 16 000, 16 000, vous voulez pas mettre 17? À 16 000 là-haut, là, à 16 000, nous sommes maintenant à 16 000, Nathalie, c'est plus vous là, à 16 000, 17, à 17 000, arrondissez, Harvey, à 17 000, vous le bas, à 17 000, enchère maintenant, à 17 000, Harvey, arrondissez, round it off, Harvey, voulez-vous, à 17 000, on enchère maintenant, à 17, 18, voulez-vous, 18, bravo, à 18 000, tant mieux, more than a hat, à 18 000, 20, monsieur, à 18 000, big winning family here, 18 000, on enchère maintenant, 20 000 enchères, à 20 000, nous sommes maintenant à 20 000, à 20 000, nous vendons toujours pas de réaliser, à 20 000, à 20 000, la sœur de Véleberry, la famille, la sœur de Thésée Béret aussi, Bonne Souche, Tépouliche aussi à 20 000, à 20 000 à gauche enchère, merci à votre aide là-haut là, à 20 000 nous sommes dernière fois, dernière chance, on peut la juger. Pedro Renoubar, 20 000 euros l'enchère à gauche. À bon, je pense que c'est son prix, cette fille de Pedro The Great, jeune étalon Pedro The Great. Nathalie, 20 000, merci beaucoup Nathalie. Un modèle convaincant. Place au numéro 116 qui est présenté par le haras de la Haineuve, Fatal Béret, une pouliche B. Né le 14 février par Pedro The Great et Mofa Béret. Issu d'une gagne de 4 courses, multiple fois placée, 15 places quand même pour la mère. La seule 3 vainqueurs, elle est bien profonde, elle marche bien, c'est la famille Magnetic Miss San Pedro aussi. On débute à 5 000, allons-y, 5 000, allons-y, les enterriseurs, 5 000 plus vite s'il vous plaît. Ah, c'est Joël Bonheur ? Eh oui, c'est Joël Bonheur qu'on vient de voir, effectivement, merci à la réalisation. Ah, Joël Bonheur, il aime beaucoup les élèves d'Alain Régnier, du Rat de la Haineuve. Et c'est lui, il était caché dans le couloir, mais c'est bien, bel et bien lui qui s'est fait adjuger. Finesse Béret, la fille du jeune étalon, Pedro The Great et Miss Finn, c'est avec une poulinière extraordinaire. Bien sûr, il y a de l'inconnu avec la production de Pedro The Great, tout simplement parce que les premiers sont en yearling, donc on ne sait pas, même s'il a beaucoup d'atouts pour réussir, ce qu'il en sera de la qualité de sa production, mais... La mer, c'est du costaud, c'est du solide, Miss Finn. Alors de nouveau, Pedro The Great ici et à l'araignée avec le haras de la Haineuve. Très jolie aussi cette fille de Mofa Béret, cette autre fille de Pedro The Great qui est vraiment convaincant avec sa première production de yearling, en tout cas en termes de modèle. Donc Mofa Béret. 14, voulez-vous, à 12 000, arrêtez pas, à 12 000 enchères ici à gauche. Gagnante de 4 courses par Somarez. Et mère de 3 vainqueurs pour 5 produits en âge de courir. Vanima, Audacieux et Divin Béret. À 14 000, Nathalie, votre enchère, 4. Tu se passes à gauche maintenant à 14 000. À 14 000, la sœur de Vanima Béret, à 14 000. À 14, 15, voulez-vous encore? À 14, je vous laisse passer faire là, à 14 000. À 14 000, pas Nathalie, toujours l'enchère. Et un poulain qui va se vendre une pouliche qui s'appelle Fatal Béret, qui est vraiment superbe. J'adore son dos. Par Nathalie, la marque se lève à 14 000, on va juger, alors à 14 000, pas de hurlubar, 14 000 euros, sur, on la juge. Nathalie, merci beaucoup, 14 000. Le numéro 117 est présenté par le haras de la Feultière, Turania Mal B, né le 15 avril, c'est un fils d'Airchief Marshall et Montoria. Un super beau poulain ici, regardez les souplesses. Et les jeunes, avec la qualité de monde. Voilà, on va voir rentrer sur le ring le numéro 117, Turania, un fils d'Artif Marchal, présenté par le rat de la Feultière. Je ne connais pas le rat de la Feultière. Sous la troisième mai, on trouve Matiara et Marathon. Marathon qui fut un excellent cheval de course, mais étalon désastreux, Marathon. Malheureusement pour lui, tandis que Matiara a été une
une excellente jument de course. Gagnant de la poule d'essai des pouliches aux dépens de Carling. Peu après, elle a poursuivi sa carrière aux États-Unis. Entre-temps, elle avait été deuxième du prix de Diane Hermès, de la même Carling d'ailleurs, montée par un tout jeune jockey du nom de Thierry Tulliez. Par contre, elle n'a rien donné en tant que poulinière, c'est marrant ça. Vendée ici, une gagnante ici aussi à 2 ans. À 3000 pour débuter, allons-y, à 3000, mettez vos enchères à 3000. À gauche, l'enchère maintenant, à 3000 par Nathalie, à 3000. À 3000, on se réveille, à 3000 euros. À 3000, à 3000. Tout beau poulain ici, elle est jeune, c'est un beau modèle, elle marche bien. 3000 à gauche, l'enchère. À 3000, nous sommes d'une famille classique, à 3000, mais déjà, Pop Friend, une gagnante à 2 ans. À 3000, c'est bien vu. À 3000 à gauche, l'enchère. À 3000, sur. Bon, pas d'intérêt. Regardez bien ce poulain, mesdames et messieurs, 3000 enchères. De la part du public pour le 117, et une enchère à 3000 euros, il va être vendu, je pense. 3 minutes, somme à 3000. Par la juge. Nathalie, 3000, merci Nathalie. Numéro 118, présenté par le Haras des Évèzes. Une pouliche B, elle est née le 10 mai, c'est une fille de Pirgin. Et Mooneyface. Alors maintenant, on retrouve Pirgin. On en a parlé à nombreuses reprises depuis le début de cette journée. Elle se présente bien la famille Skelda. La vie de Pirgin ici, on débute 5000. Allons-y, 5000. Qui a 5000? Donnez-moi 5000. 5000, 5000, 3000. Allons-y, 3000. Qui a 3000? Donnez-moi 3000 pour débuter. Allons-y, à 3000. À 3000, la fille de Pirgin ici, à 3000. À 3000, à 3000. À 3000, elle marche bien. À 3000, se déplace très, très bien. 3000. À 3000, mettez vos enchères. À 3000. Allons-y, les enchères, les héritiers. À 3000. À 3000, à gauche, enchères. Devant vous, la Nathalie, à 3000. Oui, à 3000. À 3000, nous sommes maintenant à 3000. À 3000, à 3000, à 3000. 4000, 4000 enchères. À 4000, la Tissi, à l'enchère maintenant. 4000 plus vous là, madame. À 4000, 4000, nous sommes. 4000, 5000, 5000, 5000, l'enchaîne, l'os, Laura. À 5000, nous sommes dans 5000, à 5000, l'enchaîne maintenant, à 5000, plus haut en face, à 5000. À 5000, 6000, l'enchaîne à gauche, à 6000, 7000 euros maintenant, à 7000 en face, et plus vous là, madame à gauche là. À 7000, nous sommes maintenant, à 7000, Laura, c'est contre vous aussi, à 7000. À 7000, à 7000, nous sommes maintenant, à 7000. À 7000, n'oubliez pas, elle est sûre d'une gagne de 3 vainqueurs aussi, à 7000. L'enchaîne en face, à 7000. À 7000, 7000, nous sommes maintenant, à 7000, l'enchaîne. À 7000, par Laetitia, à 7000. 7000, pas d'erreur, à droite ou à gauche là, l'enchère en face, à 7000 nous sommes, à 7000 nous sommes maintenant, à 7000, remettez-en une là, madame, s'il vous plaît au moins, à 7000 nous sommes maintenant, à 7000, c'est bien vu, à 7000 l'enchère en face par Laetitia, à 7000 nous sommes, fini là, le marteau se lève, à 7000, dernière fois, dernière chance, à 7000, on les juge, Laetitia, 7000 euros. Le numéro 119 est présenté par le haras de Grand Camp, Eric Lhermitte, une pouliche B. Elle est née le 2 avril par Tinors et Moua. 7000 euros pour le produit de Pirgint qui a été acheté, alors là, par je ne sais pas par qui. Vous le répétez en même temps ? Non. Non. énergique ici, qui se déplace très bien. Ouais, la mère est Moua. Ok, elle est inbred de Danzig ici aussi. D'accord, ça se passe, c'est toujours la dame là qui a acheté plusieurs chevaux, mais je ne sais pas qui c'est exactement. Alors. Maintenant, c'est le haras de Magouette, Patrick Le Marié, qui vend le 119, présenté par le haras de Grand Camp, c'est-à-dire Eric Lhermitte, une fille de Tinors, avec une mère par Invincible Spirit. Faites pour la vitesse aussi. 3000 à droite, l'enchère à 3000. À 3000, à 3000, à 3000. Pouliche puissante. Mais le 2 avril. 4000 euros maintenant. 4000, 4000. Allons-y à 4000. À 4000, 4000. L'enchère à droite ici à 4000. À 4000. Pouliche énergique ici. Inbred. Te dandique. 5000. L'enchère maintenant à 5000. À 5000, 5000, 5000, 5000. L'enchère à 5000. À 5000. À tout se passe à droite ici à 5000. À 5000. Nous sommes maintenant à 5000. À 5000. Par un gagnant de poule d'essai à 5000. Un tenors à 5000. À 5000. Maintenant à 5000. Elle était deuxième. Du morning à 5000, nous sommes maintenant à 5000. Tu se passes à droite ici à 5000, c'est bien vu. À 5000, 5000 seulement, rien à gauche, rien en face, l'enchaîne à droite à 5000, nous sommes. Fini là, on peut la juger à 5000 euros. Pas d'erreur nulle part, on va juger à 5000. Fini, c'est sûr. On la juge. Ça, là, on a votre enchaîne à 5000. Non, pas de vif intérêt. Voici pour cette fille de Tinors. Présenté par le haras de Saint-Vincent et appartenant à Jacques Vessier. Juliana, pouliche grise, née le 29 mars. C'est une fille de Penny's Picnic et My Juju. Notez qu'elle est vendue 100% sans TVA. Oui, elle est aussi sœur de Miss Julia Starr qui a très bien débuté, était deuxième à Dax pour sa première course. Donc elle est sœur d'une deuxième à Dax. Pour sa... Alors voici une fille de Penny's Picnic. La mère, elle parle du le rare Black Dune qui fut le premier étalon par Verglas à s'installer mais qui est mort très jeune. Elle s'appelle Juliana. Elle est née le 29 mars. Elle appartient à Jacques Vessier, un homme de la région paloise.
et nous est présenté par HSV Agency, le haras de Saint-Vincent. La famille de Salut l'Africain, Deauville Vision, Vaugang. Voici Eric Lhermitte et sa femme, rejoint par Patrick Lemarié, qui signe le bulletin donc de rachat. Sont assez déçus par la non-vente de cette pouliche. Et les gagnants aussi de prix d'Eclipse à 5 000. 6 000 enchères à 6 000 simples. À 6 000, à 6 000. Le modèle précoce ici à 6 000. À 6 000, à 6 000, à 6 000 enchères à 7 000 euros. À 7 000 euros maintenant à 7 000. À 7 000. Nous vendons toujours pas d'erreur ici à 7 000. À 7 000, à 7 000. La mairie gagnante elle-même à 2 ans et 7 000. 7 000, 8 000 enchères. 8 000 qui m'appelle. 8 000, 9 000. 9 000 Laurence, faudra enchères. 9 000 Laurence, 9 000 enchères. 10 000, 10 000 enchères maintenant. À 10 000, à 10 000. À 10 000, c'est la sœur de 11 000. À 11 000, la sœur d'une place est deuxième pour ses débuts. Début cette année, 11, 12, 12 000 enchères. À 12 000, 12 000, Laurence, votre enchère à 12 000. À 12 000, 12 000 enchères maintenant, 12 000 pour Laura. À 12 000 enchères en face, par Laurence, à 13, 13 000 enchères. À 13 000, 13 000, 13 000 enchères maintenant. Bonne suche, les poulies, 13 000. À 13 000, à 13 000 enchères, la famille de Deauville, Vision, 13 000. À 13 000, 13 000 enchères à droite, à 13 000 pour voilà. Laurence, à 13 000, contre Laurence, à 13 000. Rien à gauche, 14 000, 14 000. Ouais, on monte gentiment, mais sûrement avec ce, ce lot 120. Juliana, fille du très précoce Penis Picnic, dont on attend avec impatience les premiers deux ans l'année prochaine. Là, pour l'instant, il s'agit de sa première génération de Yorling. 15 000 enchères en bas là, 15 000. 15 000, ouais. Puis en plus, c'est vrai que cette pouliche, elle a un pédigré sympa et puis elle a un physique. À 16 000 enchères. À 16 000, 16 000. Chez Luxor Runner 2. 16, 18, 18 enchères maintenant, 18 000. À 18, come on, rounder off anyway, maintenant, 18 000. À 18, chez Luxor Runner 2, filière. Look at the back end. Plenty of power behind the saddle. À 18 000 enchères maintenant, 18. À 18, non. Oui ou non, Harvey. À 18 000 enchères maintenant, 19. Voulez-vous. À 18 000 enchères en bas. Nathan du battle manque de tombe, s'il vous plaît, à 18. Fini là, on va juger à 18 000. On la juge. Laura, 18 000. Merci beaucoup, Laura. Le numéro 121 est présenté par le Haras des Faunes et appartenant à Alain Chopard. Énergie. 18 000 euros, c'est vendu. Il est B. Enfin, c'est vendu. 2 mars, c'est un fils de Deportivo et My Princess. Le fils de Deportivo qui se présente devant vous avec une mère Soève, avec la famille de Coquen, Clear Choice. Le père du crack Galochon, je... le fils de Deportivo. J'ai raté. Ah, attendez. Les enchères, les oui, c'est Thierry Delegue et Géraldine Richoffer, sa compagne, qui ont acheté le produit de Penis Picnic. Ils sont copropriétaires et gérants de Penis Picnic et ils soutiennent leur étalon en réalisant l'acquisition à 18 000 euros d'un produit issu de sa première génération. Alors maintenant, on va passer au 121, produit de Deportivo et My Princess, la nièce de Goken. La mère est par Soave. 4 000 euros, à 4 000 euros qui connaît 5 si vous le voulez, à 4 000 euros, à 4 000 euros, à 4 000 euros, 5 maintenant j'ai 5 000 en face, 5 000 euros, le frère est placé depuis l'apparition du catalogue à 2 reprises, à 6 000, 7 000, 7 000 fresh bidder mon enchère, à 7 000, 7 000 en lit, à 7 000 euros, à 7 000 euros maintenant 9 si vous le voulez, 9 000, 8 000, 8 000, 8 000, 9 000 si vous voulez, 9 000, j'ai maintenant 9 000, à 10 000 fresh bidder, 10 000 Nathalie, 12, 10 000 now, à 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros maintenant 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, à 10 000 euros, 12 000, 14 000, à 14 000 euros maintenant, 14 000 now, à 14 000 euros, à 14 000 euros maintenant, 14 000 si vous voulez, 16 maintenant, 14 000, 4 000, Deportivo, Galo Shop, 14, 16 000, à 16 000 euros, à 16 000 euros maintenant, j'ai mon enchère à 16 000, à 16 000 euros maintenant, 18 si vous voulez, à 16 000 euros, 16 000 euros, à 16 000 euros maintenant, 16 000, 16 000 euros, à 16 000 euros, l'enchère à 16 000 avec nous dans le couloir à 16 000. Nathalie, je vous entends plus, en face non plus, j'ai 16 000, le fils de Deportivo devant vous avec une mère Soave, à 18 000 euros maintenant, 18 000, 18 000 maintenant, 18 000 now, à 18 000 euros maintenant, 18 000, 18 000, à 18 000 euros maintenant, 20, si vous voulez, 20, 20, 20, précoce, 2-year-old horse, à 18 000 euros, à 20 maintenant, 20 000 now, 500 now, à 20 000 euros, 20 000 euros maintenant, 22, si vous voulez, 22 000, 22 000, qui m'appelle pour 22 000, j'ai 20 000, 20 000 euros, 20 000 euros pour vous, 20 000, à 20 000, 20 000 now, à 20 000 euros, bien vu, à 20 000, à 20 000 euros, le père, le Galo Shop, à 20 000, à 20 000 euros, avec le frère qui est placé depuis l'apparition du catalogue, j'ai 20 000, chic poulain,
2-year-old now in front of you à 20 000 euros. Bien vu, l'enchère pour vous, John, à 20 000 euros. Pas d'erreur, à 20 000 euros. Le marteau se lève. Last call, 20,000 now à 20 000 euros. On a le juge, 20 000. Colin Marnan, merci beaucoup. Thanks very much. Le numéro 122 arrive. Il s'agit de Flash Béret, un mâle béni le 6 avril, présenté par le haras de la Haineuve, fils de Pedro the Great et Mystery on the Bounty. Pedro the Great, les premières lignes gagnants de groupe 1 aux USA. 2 ans, Pedro the Great, le petit-fils ici devant vous de Lorenz the Navigator, avec une mère qui est gagnante à 2 ans aussi, qui produit gagnant. Donc Pirate Béret qui a 9 victoires, plus de 163 000 euros de gains. Une mère gagnante qui fait les gagnants des 2 ans. Poulain solide ici devant vous, très 2 ans, très précoce. Beau poulain, marcheur, un vrai cheval. À combien débutent-on les enchères? 20, 20, 10, 10, qui débute 10, 5, 5 000, 5 000. Vrai cheval de course ici, 5 000, 3 pour débuter vite, 3 000, 3 000. Et qu'une mère qui fait les gagnants, 3 000, j'ai maintenant à 3 000 euros. À Nathalie, 3 000, 4, maintenant on y revient avec... Laetitia, pardon, Laurence, à 4 000, à 4 000 euros, je vais y arriver, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000 euros, 4 000 euros, 5, si vous voulez, 4 000, à 4 000 euros, à 4 000 euros. Le père est gagnant, groupe 1, 2 ans, hein, à 4 000 euros seulement, à 4, 5, on est maintenant 5 000, 5 000, 5 000 devant moi, 5 000, à 5 000 euros, à 5 000 euros, 6, on y revient, 6 000, 7, si vous voulez, à 6 000 euros, à 6 000 euros, maintenant 6 000 euros, regardez la production de la mère, à 6 000 euros, 7, si vous voulez, 7 000, à 6 000 euros, l'enchère est en face de moi, 6 000, 6 000 euros, à 6 000 euros pour vous, 6 000 euros, Laurence, à 7 000, on y revient maintenant, 7 000, 7 000 euros maintenant, 8 si vous voulez, à 7, 8, j'ai maintenant 8 000, 8 000 euros, à 8 000 euros, l'enchère est à 8 000, 8 000 euros, 9 si vous voulez, 8 000 euros. Regardez la production de la mer, poulain très chic, très précoce. Ouais, il y a du monde, hein, effectivement, comme vous l'avez vu sur ce tour de string. 8 000 euros, le fan de course, à 8 000 euros, à 8 000 euros maintenant, 8 000, 8 000 euros, 8 000 euros, 9 si vous voulez, 8 000 euros, j'ai maintenant 9 000 bien sûr, à 9 000 euros, à 9 000 euros, l'enchère qui m'appelle 10, Laurence, 10 appelé, à 10 000 si vous voulez tout de suite maintenant, à 9 000 euros tout de même, à 9 000 euros, 9000 only, à 9 000 euros, le fils de Pedro the Great, à 9 000 euros seulement, avec une mère gagnante qui fait les gagnants, 10 000, merci. 10,000 now, à 10 000 euros qui veut 12, 12 si vous voulez, à 10 000 euros, à 10 000 euros seulement, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, mère gagnante qui fait les gagnants, à 10 000 euros seulement, à 10 000 euros, 12, on y est maintenant à 12 000, 12 000 euros, le frère de Pirate Béret à 12 000, à 12 000 euros seulement, 12 000, 12 000, on y est, qui m'appelle, allez-y Laurence, allez-y pour 14, j'ai 12 000 avec Nathalie, moi maintenant, à 12 000 euros, à 12 000 euros, 14 si vous voulez, à 12 000 euros, le marteau va se lever alors une dernière fois, à 12 000 euros à l'écran s'il vous plaît, à 12 000, à 12 000 euros, c'est Nathalie l'enchère, à 12 000 euros, 12 000, 12 000, à l'écran s'il vous plaît, 12 000, à 12 000 euros, 12 000, merci, 12 000, 12 000 Nathalie, votre enchère, à 12 000 euros, le marteau se lève, c'est bien vu, à 12 000 euros, pas d'erreur, fini Laurence, rien en face, rien à droite, 12 000 euros, le marteau à gauche, à 12 000 euros, on a le juge, 12 000, Nathalie, merci. Place au numéro 123 qui est présenté par le haras de Grand Camp, Eric Lhermitte, un mâle. Il est gris, né le 28 avril par Sunday Break et Nakia. Le croisement qui fonctionne ici, Sunday Break Endor. En effet, le croisement qui fonctionne, puisque le croisement Sunday Break Endor, c'est le croisement qui a donné, entre autres, Never on Sunday. Le Sunday Break Endor, le même croisement que Never on Sunday. Le 123 nous est présenté par le haras de Grand Camp, Eric Lhermitte. Le frère de Blue Cayenne devant vous. Et effectivement, c'est le frère de Blue Cayenne. Blue Cayenne, hein, très très bonne pouliche, gagnante du Contessina, troisième du Seine-et-Oise. Tandis que l'acheteur du lot précédent, c'est... À 3 000 euros, 4 000, maintenant 4, j'ai maintenant 4 000, 4 000. À l'araignée. Qui a renvoi, qui n'est pas l'acheteur, qui est le racheteur de l'eau précédent. Il a racheté puisque c'est lui qui présentait du Radline 9. 4 000 euros, 4 5, Sunday Break, Kendor, à 5 000, 5 000 euros, à 5 000 euros, j'ai maintenant 5 000, 5 000, 6, 6 maintenant, qui fait les gagnants Sunday Break tous les... Très souvent à 6 000 euros, pardon, 6 000 euros, 7 si vous voulez, à 6 000 euros, à 7 000, j'ai maintenant 7 000, 7 000, vrai fal de course devant vous, à 7 000 euros, maintenant 7 000 euros pour vous, Fresh Bidder, Léa, 8 000, 9 000. À 9 000, 10, qui m'appelle pour 10, 9 000, 9 000, on vient avec vous, Laurence, à 9 000 euros, l'enchère est en face, allez-y, Laetitia, je vous en prie, à 9 000, l'enchère en face, alors allez-y, continuez, à 9 000 euros, l'enchère en face, 10, 10, maintenant pour vous, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, à 10 000 euros, 10 000, à 10 000, à 12 000. Voilà, donc ça monte logiquement pour ce beau poulain gris de Sunday Break avec une mère Park Endor, le frère de la Black Type, gagnant de Black Type, le Blue Cayenne, une vieille famille Agacan.
000 euros, 16 000 euros, maintenant 18, si vous voulez, 18 000 alors qui m'appelle pour 18, j'ai 16 000 only now. Et la mère Nakia, par des Kender, donc n'a pas fait que Blue Cayenne parce qu'elle a produit déjà 6 vainqueurs. Pardon, pour aller à 18, à 16 000 euros. 11 produits en âge de courrier. Fresh Builder, 18, merci. À 18 000. À 18 000 euros, on est reparti en 20, maintenant 20 tourons. À 20 000. À 20 000 euros, 20 000. Voilà, on arrive à 20 000 euros. Magnifique poulain que ce fils de Sunday Break. 20 000 euros, 20 000 si vous voulez. Allez-y, il est très signé par son père de mère aussi, Kender. Ah, la jeunesse en éveil. Frère de Blue Cayenne devant vous. 4 victoires, plus de 100 000 euros de gains et on parle de 20 000 euros ici. À 20 000 euros, c'est bien vu. Futur propriétaire. À 20 000 euros, fini Nathalie, 22 000, merci. À 22 000, on y revient maintenant, 22 000, 22 000. À 22 000 euros, allez-y, 25, si vous voulez, 24 alors. À 22 000 euros, l'enchère à Nathalie, à gauche, Laurence, demandez 24. À 22 000 euros, l'enchère est à gauche. À 22 000 euros, c'est une dernière fois, une dernière chance à 22 000. À 22 000 euros, le marteau peut se lever à 22 000. À 22 000 euros, dernière chance pour acquérir ce beau croisement Sunday Break Kendor avec un magnifique poulain très précoce. La famille, le frère de Blue Cayenne, à 22 000 euros. Le marteau se lève, votre enchère Nathalie, à 22 000 euros. On adjuge. 22 000, Nathalie, merci. Voici le numéro 124 qui est présenté par le Haras d'Etreham. 22 000 euros. Le 11 avril par Wilton Bassett. Pour le poulain du Haras de Grand Camp. George Baker, merci beaucoup. ETS. Et c'est de nouveau Sébastien Leforban qui signe pour les clients anglais, dont il nous a parlé tout à l'heure au cours de l'interview. Qui se présente devant vous avec une mère qui est gagnante. 2 victoires, c'est seulement le deuxième produit de la mère. C'est la famille du Simon du désert. Favre, Toupie derrière, on trouve très très belle pouliche ici, belle pouliche de courge qui marche bien. À combien débutons? Wilton Bassett, la révélation de l'année 2016. Allez-y, 20 000 qui débute, 20 000, 20 000, 15, 10 000, 10 000, qui m'appelle pour 10 000. À 10 000 euros, 5 pour aller vite. À 5 000, 5 000, 3, 5 000, j'ai 6 000 maintenant. À 6 000 euros, à 6 000 euros, 6 000 euros. Almazor, à 8 000, à 8 000 maintenant, 8 000, 8 000, j'ai maintenant 8 000. À 8 000 euros maintenant, 10, on y revient maintenant, 10 000, 10 000 euros maintenant, 10 000. 10 000 euros, 12 maintenant, 12 000. Wilton Bassett, 12 000. À 12 000. Alors on retrouve un produit de Wilton Bassett présenté par le Haras d'Etreham. Enchère de 12 000 qui m'appelle, 14, merci maintenant, 14 000. À 14 000 euros, Laurence, votre enchère de 14 000. Donc, Wilton Bassett est très haut, bien sûr, c'est Almanzor. À 16 000 maintenant, à 16 000 euros. Le champion qui a gagné sous les caméras de France Tire TV, on n'était pas la seule, mais nous, on était là-bas. En tout cas, la seule équipe française qui était présente en Irlande, c'est la caméra de France Tire TV avec Noémie Bellard et Loïc Stecher, les jeunes, qui étaient là pour vous faire vivre, chers amis. Vous faire vivre avec Jean-Claude Rouget, à 2 cm de Jean-Claude Rouget, cette victoire magnifique dans les Irish Champions Stakes de la part d'Almanzor. 18 000 euros donc pour cette fille de Wilton Bassett et Nactis de Casse par Racti Cheval. Assez étonnant Racti, qui était un champion entraîné par Cliff Britton, complètement fou. Mais complètement fou, hein, monté par George Duffield ou Philippe Robinson, je ne sais plus. 20 000 euros, 20 000 euros, Laura, 20 000, c'est votre enchère, Laura. À 20 000 euros, merci. À 20 000 euros, 20 000. Famille de Simon du désert, Venice, Freeway. Le marteau peut se lever à 20 000 euros. Wilton Bassett avec une mère gagnante à 20 000 euros. Le marteau se lève à 20 000 euros. On adjuge 20 000. Laura, votre enchère, merci. Le domaine de l'étang présente le numéro 125 qui est un mâle B né le 29 avril par Intense Focus et Nancy Rock. Fils d'Intense Focus, petit-fils donc James Causeway avec une mère Rock of Gibraltar. La mère, quand même propre sœur de Rocatella. Gagnant de 10. Alors, le 125, tandis qu'à 20 000 euros, oh, j'ai raté l'acheteur. Vainqueur à 2 ans, pédigré précoce ici, la famille de Polish King, Larry of Light. Kaftara, à combien débute-t-on ici? Allez-y, 5 pour aller vite, 5 000 euros. Bah, je ne sais pas. 5 000 euros, 3 qui débute intense, faut-il le perdre? Ah, bah c'est Nicolas de Chambure qui rachète. Merci. Qui rachète le lot. 3 000. À 3 000 euros qui décontinue, 4 si vous voulez, 3 maintenant. Qui... Donc il ne l'a pas laissé partir pour 20 000 euros, cette fille de Wilton Bassett. Alors voilà, voici une fille de Intense Focus qui fait la monte à Ballylinstead en Irlande. Merci. Et Nancy Rock par Rock of Gibraltar, une vieille souche, celle de Kaiftara, ZZ Top, Cézanne, souche qui a été exploitée notamment par Sheikh Mohamed El Maktoum.
à 5 000 euros, à 5 000 euros, intense focus, 5 000, oh, 6, on y revient à 6 000 euros, Catella, à 6 000 euros, à 6 000 euros, 6 000 euros, maintenant 6 000 euros, 7 si vous voulez, à 6 000 euros, à 6 000 euros, maintenant 6 000 euros, le père a produit groupe 1, à 6 000 euros seulement, à 6 000 euros, j'ai 6 000 euros avec Nathalie, 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros, Guli, 5, 6, 7 000, 7 000 maintenant, à 7 000 euros, Laura, on revient avec vous à 7 000, 7 000 euros, à 7 000 euros, c'est plus vous Nathalie, 8 000, merci, 8 000 euros, on a quitté dans les enchères, 8 000 maintenant j'ai, 9 000 si vous voulez, Laura, tout de suite, à 8 000 euros, à 8 000 euros, c'est bien là, intense focus, Rocatella, à 8 000 euros si vous voulez, 9 tout de suite, à 8 000 euros, c'est votre enchère, Nathalie. Fini Laura, à 8 000 euros, bien vu d'être ce fois-ci, dernière fois, à 8 000 euros, 9. 9, on revient dans la danse à 9 000, bien sûr, 9, 10, pour aller ici, vous les 10, Nathalie, tout de suite, 10 000 tourons, à 10 000 euros, à 10 000 euros, merci, 10 000, à 10 000 euros, 10,000 now, could you try for 12, à 12 000, qui m'appelle à 12 000, à 10 000 euros, l'enchère est à gauche, Nathalie. Donc à 10 000 euros, on a dû se faire peur un petit peu avec intense focus au début, à 3 000 euros seulement, mais là nous en sommes à 10 000 euros pour le domaine de l'étang. 10 000 euros, c'est l'autre enchère. Après, on va passer à Oli Roman Empereur. Nathalie, pardon, à 10 000 euros. Bien vu. Fini Laura, c'est sûr. À 10 000 euros. Nathalie, votre enchère. On a dû. Le hara du Téné présente le numéro 126. 10 000 euros. B, né le 22 avril par Oli Roman Empereur et Nanta, dont c'est le premier produit. Voici une magnifique pouliche ici qui vient se présenter devant vous avec une mère qui est gagnante. Qui est placée. En effet, une magnifique pouliche, il peut le dire, notre ami Antoine Gronvier, parce qu'elle est vraiment jolie, cette fille de... Tout bon pédigré ici. Tout bon étalon confirmé, Oli Roman Empereur. Oli Roman Empereur, j'ai un trou de mémoire, là je commence à fatiguer un petit peu, désolé. Qui prend l'enchère tout de suite de 20 à 20 000 euros. Oli Roman Empereur avec une mère par King's Best. La mère Nanta, deuxième de groupe en Italie. Il faut savoir que le hara du Téné est dirigé par Nicolo Riva, un Italien. Qui est un cuistot exceptionnel. Il en a fait son métier. Il avait des restaurants pendant une certaine période sur la Côte d'Azur. 10, qui connaît 10, 12, si vous voulez. À 10 000 euros. À 10 000 euros, John, votre enchère de 10 000. Oli, Roman Empereur, mère gagnante, Black Type. À 10 000 euros. Vraie pouliche de cours. À 10 000 euros, on active dans les enchères. 10 000 euros, 12, si vous voulez. 12. À 10 000 euros, 12, si vous voulez. 12, 12. Et il a pris avec Maestria. Il a repris les rênes du hara du Téné depuis 2 ans. 12 si vous voulez, 12 maintenant, 12 si vous voulez, à 10 000 euros, à 10 000 euros l'enchère à la tribune avec John, à 10 000, 10 000, 10 000. Je suis un peu surpris que cette pouliche ne suscite pas plus d'intérêt, parce qu'elle est vraiment belle. Elle mérite 20 000, elle va les atteindre. Si vous voulez, à 16 000, à 16 000. À 16 000. Voilà, en fait c'est parti. Maintenant 16 000, 16 000, 18 000, 18 000 euros maintenant, 18 000 euros, 20,000, à 18 000, à 18 000 euros maintenant, 18 000. Holy Roman Empereur, à 18 000 euros, Mère Black Type, à 18 000 euros, étalon ultra confirmé, 20 000, 20 000 euros maintenant, 20, 20 maintenant pour vous, 20,000, 22, là, à 22 000, à 22 000 euros maintenant, 22 000, 22 000, 22 000 euros maintenant, 22 000, 5, 25, 25 000, à 25 000. Voilà, 25 000, c'est déjà beaucoup plus sérieux. Effectivement, une magnifique pouliche, bien née. Par l'apprécié Oli Roman Empereur. Voilà, nous en sommes à 30 000 euros. Alors, qui est en train de mettre les enchères? À 32 000, à 35, qui m'appelle pour 35, à 32 000 euros l'enchère, 32 000, à 32 000 euros, John, votre enchère, à 32 000 euros, à 32 000 euros, bien vu, Holy Roman Empereur. Je vois Con Marnan qui est dans les parages, mais je ne suis pas sûr que c'est lui qui monte. 35 000 euros, 38. À 38 000 euros, on y est maintenant. À 38 000 euros, qui m'appelle pour 40. À 38 000 euros, 40, faites-le, c'est l'Oréline. Super pouliche de course ici, avec un pédigré. À 38 000 euros, une mère qui est gagnante. Et la fille d'Oli Roman Empereur. À 38 000 euros seulement, c'est bien vu, pas d'erreur. À 38 000 euros, 40, merci. À 40 000, à 40 000 euros. On a arrondi à 40 000, tout se passe du côté gauche. À 40 000, 40 000 now. À 40 000 euros, chic pouliche de course ici, avec une mère qui est gagnante à 2 ans. 42 000, à 42 000, à 42 000, à 42 000, qui m'appelle pour 45, à 42 000 pour aller à 45, à 42,000 now, who tried for 35? Ah, je crois que c'est Nicolas de Vatrigan qui est au téléphone. 42 000, c'est bien vu au téléphone, à 42 000. Voilà, qui met 45 000. À 45 000, 50, à 45 000, qui m'appelle pour 50, à 45 000, j'ai l'enchère, à 45 000, à 45 000, 50, 48 000. À 48 000, 50.
à 48 000 euros l'enchère. Holy Roman Empereur, mère gagnante Black Type à 48 000 euros seulement. À 48 000 euros, chic pouliche de course bien faite. 48,000 now. À 48 000 euros, le marteau peut se lever cette fois-ci. Attention, le marteau se lève. Last call, last try. Le marteau se lève. Le marteau se lève. Holy Roman Empereur, mère Black Type. J'ai l'impression que Mandor a battu, si c'était bien lui qui était underbidder. C'est une observation, hein, je ne suis pas absolument certain. John, votre enchère, 48 000, merci. Le Haras des Granges présente le numéro 127. Il s'agit d'une poule. C'est racheté. B. C'est racheté. Elle est par Dabir Sim et Nélidine. Elle est vendue 50% sans TVA. La fille de Dabir Sim ici avec une mère pivotale. Malheureusement, c'est racheté à 48 000 euros. On trouve très précoce. Peut-être que les vendeurs en espéraient 50, mais ce ne fut pas le cas. 5 victoires à 2 ans, si vous vous rappelez. Gagnon de Mordi, Lagardère. Très très belle pouliche ici. Marche très bien. Bon pédigré, à combien débutons les enchères? Allez-y, 10 000, très actifs. Alors voici maintenant le Haras des Granges qui nous présente une fille de Dabir Sim et Nelly Dean par Pivotal. À 5 000, merci. À 5 000. Elle est née le 20 mars, le Haras des Granges. Mathieu Daguzan-Garros. À 5 000, Romain Nancy, si vous voulez. À 5 6, bien sûr, 6 000, Romain 7, si vous voulez, 7 000. Allez-y, 7 000, bien sûr, on active dans les enchères tout de même. À 7 000 euros, maintenant 8, si vous voulez. À 7 000 euros, 8, 8, maintenant qui m'appelle pour 8 000, 7 000. À 7 000 euros, 8, si vous voulez, 8, maintenant 8 000, si vous voulez. À 7 000 euros, votre enchère, Laurent. À 7 000 euros seulement. Dabir Sim, Pivotal, Darshan, Fresh Bidder, 8,000, 10 000. À 10 000, à 10 000 euros, maintenant 10 000. À 10 000 euros, 10,000 now. À 10 000 euros, maintenant 12 000, 12 000, j'ai maintenant 12,000, 12 000. Avec vous, Laura, à 14 000 G. Nous avons un intérêt de la part de Federico Barberini. À 14 000 euros l'enchère, à 14 000. Me semble-t-il. À 14 000 euros, 16 000 G. Maintenant 16 000, très précoce. À 16 000, two year old filly now. À 16 000 euros, bien vu. 16,000. À 16 000 euros, maintenant 16 000, 16 000, maintenant 18 si vous voulez. À 16 000 euros, j'ai l'enchère à 16 000. Very good worker filly. À 16 000 euros. À 16 000 euros, l'enchère est en face avec vous, Laurence. À 16 000, 18. Ouais, j'ai vu, 18 000. 18 000 now, I saw it. À 18 000, euros maintenant, 18,000. À 18 000, euros maintenant, 20, on y revient à 20 000. 20 000, Laurence en face de vous. À 22 000, à 22 now, à 22 000. 22 000 euros maintenant, j'ai l'enchère 22 000. À 22 000 euros, 25 000. À 25 000, 25 000 euros l'enchère maintenant, 25 000. À 25 000 euros. Bonne vente hein, pour le produit de la Tabir Sim. Multiple gagnant groupe 1 à 25 000 euros. Les premiers à 25 000 euros. À 25 000 euros devant vous à 27 000 d'accord. À 27 000 euros, 27. À 27 000 euros. À 27 000 euros, 27. À 27 000 euros, John, your bid. À 27 000 euros, French bidder, 30 000. 30 000 en face de moi, 32 000. 32 000, 32 now, à 35 000, à 35 000, à 35 000, 38 si vous voulez, à 40 000, 40 000, à 40 000, à 40 000, j'ai l'enchère à 40 000 pour la Bébé Bébé Sim du Haras des Granges. Your bid 40,000, à 45 42 42 000, 42 000. 42 000, 42 now, Laura, à 42 000, à 42 000, votre enchère, 45 000, merci John, à 45 now for John, à 45, à 45 000, Laura, je vous entends plus, j'ai 45 000, à 45 000, à 48 000 maintenant, à 48 000 euros, essayez 50, John, tout de suite à 50, si vous voulez, j'ai 48 000 avec Laura, 48 000. Les voilà, l'équipe du Haras des Granges. Merci à Noémie, notre cadreuse, qui a repéré, donc... À 50 000 euros now. À Mathieu Daguzan-Garros. À 50 000 euros, j'ai maintenant 50 000. À 52 000. Ici à côté de Frédéric Bragato. À 52 et Pascal 000. Ménard, à si je ne m'abuse. 52 000 euros. 55 000 si vous voulez. À 52 000 euros l'enchère. À 52 000 euros, 55 si vous voulez. À 52,000 Dabir Sim. Such a good worker filly. À 52 000 euros, le marteau se lève. À 52 000 euros pour aller à 53. Laura, votre enchère. À 52 000 euros. À 52 000 euros, bien vu. À 52 000 euros, John. Try one, please. À 52 000 euros, c'est pour vous en face, Laura. À 52 000 euros, on adjuge. Laura, votre enchère, merci pour votre aide. John, derrière. Alors, à 52 000 euros, qui... Federico Pavolini, merci beaucoup.
Et c'est monsieur Federico Barberini qui est là. New Yali Barrelière, Pouliche Alzane, née le 23 mars. Elle voilà, qui est juste à nos côtés et qui va signer le bulletin. Alors, je vais essayer de faire une petite interview de Federico. Paire de gagnants déjà. Une fois qu'il aura fini de remplir son bulletin, 52 000 euros donc pour le lot 127. La fille de la Bercim vendue par Mathieu d'Aguzon-Garros qui est tout sourire. Tout bon pédigré ici, à combien débutons les enchères? Allez-y, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, à 10 000 euros, 5 000 euros, à 5 000 euros, 5 000 euros, à 5 000 euros, 3, qui débute 3, 3 000, 3 000, belle marcheuse ici, good worker 2 here, à 3 000 euros. Là il a acheté... 3 000, à 3 000 euros, chic police ici, à 3 000 euros, qui débute à 3 000. Acheté plusieurs lots déjà, ce Federico Barberini, italien. Que c'est une bonne mère, à 3 000 euros seulement qui débute, à 3 000 euros, à 3 000 euros qui m'appelle pour une enchère à 3 000, à 3 000 euros. Very nice fee, very chic police. À 3 000 euros qui débute les enchères de 3 000, tout de même 3 000 euros, à 3 000 euros. Sister to two black type, anyway, à 3 000 euros, à 3 000 euros, c'est bien vu, 3 000, qui m'appelle? 3 000, à 3 000 euros, bien vu, à 3 000, pas une enchère à 3 000, chic pouliche ici. Hein. Alors, tandis que la fille de Yalicios ne se vend pas, pas d'enchère, bon, Yalicios, les gens ne connaissent pas Yalicios, donc évidemment, c'est difficile à vendre. À 3 000 euros, qui me lève la main, la famille d'appart, chic, à 3 000 euros, c'est bien vu. Un des frères a gagné 8 hectares et plus de 178 000 euros de gains. Et ici, on parle de 3 000 euros. Et voilà, Federico Barberini, congratulations. Maybe a quick word about this buy, Federico. Can you give a little bit more explanation about this buy of the WSM filly? I think she was a gorgeous filly and it was my pick of the sale, to be honest. And I really like the sire. I think the sire got a very good chance to be a very good sire. De Saint-Hilaire, New French, Poulain B, né le 6 avril, c'est un fils de Sunday Break. And the page is very good. There's a lot of very nice fast horses. And Philly was bought for England. And the page makes sense for England. Thank you very much. Thank you, Federico. Voilà, donc, a gorgeous filly, une superbe pouliche. Le physique et puis le père, il adore Dabiassim, il pense que ça va être un très très bon étalon et il a beaucoup aimé la page de catalogue hein, avec un pédigré, c'est important hein, bien sûr pour une pouliche. Dandyman notamment, Alcacer et puis ce sont des chevaux qui sont illustrés en Angleterre et comme il achète pour des clients anglais, donc ça faisait, it makes sense, c'est-à-dire voilà, les clients anglais, ça leur parlait bien à cette page de catalogue, ce sont des chevaux qui sont illustrés notamment en Angleterre, donc c'est pour ça qu'il a acheté pour 52 000 euros cette fille de... À 3 000 euros. Dabiassim, Federico Barberini. À 3 000 euros seulement, une seule enchère, Laura, votre enchère de 3 000. À 3 000 euros, qui continue les enchères de 3, 4, si vous voulez. À 3 000 euros. À 3 000 euros, une seule enchère, rien en face, ni à gauche. À 3 000 euros, le marteau va se lever à 3 000. À 3 000 euros, c'est bien vu, à 3 000. À 3 000 euros, pas d'erreur. À 3 000 euros, bien vu. À 3 000 euros, qui m'appelle pour 3 000. Le fils de Sunday Break. La mère gagnante, 5 victoires, à 3 000 euros. Dernier appel, rien en face ni à gauche, à 3 000 euros. On adjuge. Laura, votre enchère, 3 000, merci. Le numéro 100. Bon, bah, deux chevaux qui ont été vendus ou pas vendus à 3 000 euros, donc on va passer au 130. Il s'agit d'une pouliche LB, née le 5 février par Penis Picnic et Novaluz. La fille de Penis Picnic ici, la petite fille de Kaleyev, chic yearling, hein, Penis Picnic ici, un vrai sprinter de 2 ans, gagnant du critérium de Maison Lafitte, avec une mère qui est gagnante ici à 2 ans, des chevaux précoces qui a déjà produit Davis Debiff, qui a 7 victoires à 2 et 3 ans cette année. À combien débute-t-on? La famille de Lady of Deauville, Fabulous Lafouine. Chic pouliche ici, Penis Picnic, allez-y, 10 000, 10 000. Allez, c'est parti pour la Penis Picnic et Novaluz par Divine Light, le japonais Divine Light. Cette pouliche issue d'une souche qu'on connaît bien en France, puisque la troisième mère, c'est la championne Mercal, gagnante du prix du cadran. Entraînée et montée par Maurice Boulan.
à 4 000 euros, j'ai l'enchère de 4 500, j'ai maintenant 5 000 euros, maintenant 5 000 euros, 6 si vous voulez, à 5 000 euros, 6 si vous voulez, 6 000 maintenant, c'est bien vu, 5 000 euros, 6 000, j'ai maintenant Freiburg, 7 000 euros, 8 000 maintenant, on y est, 8 000 now, Penis Picnic, Divine Light, à 8 000 euros, 9 maintenant, 9 000 euros, 9 000, 10 000, on y revient, 10 000 now, avec une mère, la sœur de... Alors tout à l'heure, nous avions les propriétaires et managers de Penis Picnic, Géraldine Richoffer et Thierry Delegue, qui ont acheté un Penis Picnic ou une Penis Picnic à 18 000. Ils soutiennent leur étalon. Là, on va voir s'il en est de même. Et je les vois effectivement qui sont tout prêts. Ils ne sont pas dans le champ de la caméra, mais ils sont très, très, très intéressés par la pouliche. Et effectivement, je vois Thierry Delegue qui vient de mettre une enchère, l'ancien directeur de France Gallo. À 20 000 pouliches de course. Ancien manager également de Cheikh Mohamed Altani. À 20 000 euros. À l'époque de Vorda. À 20 000 euros, bien vu, 20 000, 22 si vous voulez. Fresh bid of 22 000. Harvey, your bid, 22,000. À 22 000, j'ai maintenant 25 000 euros, l'enchère est en restaurant là-haut, à 25 000 euros, chic pouliche, very lovely filly, à 26 000 euros, la petite fille de Kalayev, Penis Picnic, à 26 000 euros, avec une mère gagnante, à 26 000 euros, c'est bien vu, à 26 000 euros, c'est votre enchère, Laura, Harvey, call me for 30, thanks. 28 000, 30 000 now with Laura, 30 000, 30 000 euros l'enchère, finish in the restaurant, à 30 000, thanks very much, à 30 000 euros l'enchère, est à droite, pas d'erreur, 32 000 euros pour vous, 32. Ah dis donc, ça monte hein, pour la Penis Picnic, des bons débuts hein, pour Penis Picnic autour des rings de vente. 32 000. Tout à l'heure 18 000, là nous en sommes à 32 000 pour l'instant. À 32 000 euros, fini à the restaurant, à 32 000 euros, c'est bien vu, 32 000 Penis Picnic chic polish, à 32 000 euros, le marteau se lève, Laura, votre enchère, à 32 000 euros, bien vu cette fois-ci, à 32 000 euros, dernier appel, à 32 000, on adjuge, Laura, 32 000, merci. On enchaîne avec le numéro 131 qui est présenté par le Haras des Brousses et appartenant au GAEC Campos. Un mâle B né le 3 mai par Whipper et Nunez. Ce poulain est vendu 50% sans TVA. Le fils de Whipper avec une mère Zieten avec une mère Black Tap qui est gagnante à 2 ans. Placé de Listed qui est déjà produit. En effet, Géraldine Richoffer et Thierry Delegue. Ici rejoint par le vendeur Jean-Pierre Garçon. Vrai bon cheval ici de donc Géraldine Richoffer et Thierry Delegue qui croient en leur étalon. À 3 000 euros, mère Black Type, 3 000, produit gagnant, j'ai merci, 4 000, j'ai maintenant, Laurent, on y revient, à 4 000 euros, 5 000, maintenant, 5 000, 5 000. Qui croit en leur étalon Penis Picnic, 6 000, maintenant, 5 000, tout et même, qui continue, à 5 000 euros, 6 000, j'ai maintenant, à 6 000 euros, 7 000, le père de Mourano, à 8 000 euros, j'ai l'enchère de 8 000 euros, 9 si vous voulez, Laetitia, votre enchère, à 8 000 euros, maintenant, 9 si vous voulez. Laura, je vous entends plus. À 8 000 euros. Allez-y, Nathalie aussi. À 8 000 euros. L'enchère est en face de moi avec Laura, avec Laetitia. Alors, donc, on retrouve Géraldine Richoffer, qui est donc la copropriétaire et manager de l'étalon Penis Picnic. Si je ne m'abuse, c'est le deuxième produit de Penis Picnic que tu achètes. Tout à l'heure, il y en avait un à 18 000 et là, à 32 000 euros. Alors, on continue de soutenir vivement l'étalon, j'imagine. Exactement, c'est le but. On a envie que les éleveurs soient contents et puis de pousser le cheval pour que les produits aillent dans des bons entraîneurs, tout du moins. Voilà. La perche est tendue. Alors, chez quels entraîneurs vont aller ce produit, notamment de Penis Picnic, le 130 qui a été acheté? Eh bien, ils vont rester dans le sud-ouest. Ils vont tous les deux aller chez Didier Guimin, qui entraînait lui-même Penis Picnic. On l'a juge. Qui est un fameux entraîneur de 2 ans. J'imagine que le but de l'opération, c'est de faire montrer les Penis Picnic très, très rapidement. Exactement. Mais Didier est certes un entraîneur de 2 ans, mais aussi de 3 ans, de 4 ans. Il n'y a qu'à voir Zora Heitmann, notre haute bon cheval, qui est chez lui. Donc,
il ne faut pas le réduire aux 2 ans et on espère bien que les Pénis Picnic iront au-delà de 2 ans. Combien de saillies Pénis Picnic a fait cette année? Cette année, il a fait 81 saillies, grâce notamment aux excellentes ventes de foal que nous avons faites au mois de décembre. Parce que c'était une année charnière, c'est la 3e ou 4e année, c'est jamais la meilleure année, bien sûr, pour un étalon. Mais bon, 88 juments, c'est un beau score. J'en ai vu acheter 2, mais il y en avait eu d'autres que tu as acheté ou pas, non? Alors, on en a acheté effectivement 2 autres aux ventes au mois d'août à Arcana. Merci, bon courage. Merci Géraldine. Bravo en tout cas, merci. Je veux bien ta coupe de champagne, en effet. D'accord, merci. À 3000 euros, le père de piment rouge à 3000 qui démarre. À 3000 euros. Ben voilà, au passage, j'ai gagné une coupe de champagne. À 3000 euros maintenant, 3000 qui collent les enchères à 3000. Evasive First à 3000. À 3000 euros, le maire gagnant qui a produit Black Type, le frère de Grid Rêve devant vous. À 3000 euros seulement. À 3000 qui collent les enchères. Alors. Alors, le 132 Ultime Rêve, un produit de Evasive et OH Rêve. C'est le jeune frère de Gris de Rêve, un Stickly, qui est Black Type à plusieurs reprises. Deuxième du Peleas, listed. De troisième du Ridgeway, listed également. Le neveu de Chesnao, un Herbeschen. Oh là, ça ne rajeunit pas, ça. Herbeschen qui avait gagné la Coupe des 3 ans sur l'hippodrome de Lyon. La listed, c'est un peu le derby lyonnais. Pour vous, contre vous, l'oral, je vous entends plus. À 5000 euros, le marteau va se lever cette fois-ci pour nous. Voici Eric Lhermitte, qui est le vendeur. Voilà, c'est ça, du rat de Grand Camp. 6000, on y revient à 6000. À 6000 euros. À 6000 euros, on y est à 6000. Maintenant 6000. 6000 euros. À 6000 euros. À 6000 euros, give 7. Allez-y, Nathalie, 7000. Faut pas vous laisser faire. À 6000 euros seulement. À 6000 euros, Laura, terminé, rien en face. Nathalie, tout pour vous. Le frère de Gris de Rêve. À 6000 euros, bien vu. À 6000 euros, le fils d'Evasive. À 7000, on y revient maintenant. À 7000 euros, avec une mère qui a produit à 7000. À 7000 euros, l'enchère. À 7000 euros, l'enchère est pour vous, Nathalie, pas d'erreur. À 7000 euros, bien vu. Le marteau se lève. À 7000 euros, dernier appel à 7000 euros. Bien vu, Nathalie, demandez bien. À 7000 euros, on adjuge. Nathalie, votre enchère, 7000, merci. Voici le numéro 133. Alors, 7000 euros, c'est tout à fait de l'autre côté de la tribune. Il s'agit d'un mâle B, né le 2 mars par Monduro et Olonella. Alors, j'ai un certificat à vous lire du docteur Marie Mabeuf de la clinique. Je crois que c'est Winning Bloodstock qui va acheter le propriétaire de Evasive. Alors je ne sais pas si c'est racheté avoir palpé les deux ou c'est un soutien du poulain d'Olonella. Ah, un palpage de testicules a été effectué à propos. Oui, mademoiselle, ça vous fait rire, effectivement, mais c'est très important. Un palpage de testicules. Oui, vous ne connaissiez pas? Ah ben, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors. Ah, m'a tendu la perche. Enfin, en parlant de perche d'ailleurs, mais bon. Ça... 93 000 euros, troisième du prix. Oui, ça devrait se faire plus souvent, effectivement, prononce le public tout de suite intéressé par ce genre de discours. Non, en fait, pourquoi un palpage de testicules? C'est tout simplement pour vérifier que le poulain avait bien ses deux testicules descendus. Si, il faut savoir que les testicules, quand les poulains grandissent, descendent à l'intérieur de l'abdomen, ils descendent par des canaux. Et lorsque les deux testicules ne sont pas descendus, ça peut poser des problèmes de douleur notamment. Il y a aussi des chevaux qui sont monorchides, c'est-à-dire qui n'ont qu'une testicule tout simplement parce que l'une des deux est restée atrophiée à l'intérieur de l'abdomen. Mais là en l'occurrence, alors s'il y a eu un palpage de testicules, c'est-à-dire que les deux n'étaient pas bien visibles, mais les deux sont descendus comme on appelle ça, donc tout va bien. Voilà donc l'objet de ce palpage de testicules. 4000 euros d'enchères de 4000, Manduro 4000 avec une mère Black Type, la professeure Arbosland, 5000, merci. À 5000 euros, à 5000 euros, 5000 euros, 5000, à 5000 euros. Un chic poulain ici, à 5000 euros seulement, Manduro. Étalon ultra confirmé à 5000, à 5000 euros, à 5000 euros. Il s'agit en l'occurrence du palpage du testicule du numéro 133, un fils de Manduro et Olonella, qui nous est présenté par le hara du Tenet. La mère Olonella, une Black Type, deuxième du Créton de vitesse, très précoce, a déjà produit Black Type. Poupa di Sol Saint-Renaud, troisième du Riss Orangiste, sprinteuse par Orpen. Et la mère est une sœur du très précoce Arbour Island, lauréat du prix de Cabourg, groupe 3 sur l'hippodrome de Deauville à l'âge de 2 ans au mois d'août.
à 11 000, à 11 000 euros, j'ai 11 000, 11 000 maintenant l'enchère de 11 000, 12 si vous voulez, à 11 000 euros, 12 pour le prendre, 12, 12, un an, non d'euros, à 11 000 euros, à 11 000 euros, à 11 000 euros, mère Black Type, propre soeur de gros Black Type, à 11 000 euros seulement, à 11 000 euros, 12, maintenant 12, 12 000, j'ai maintenant 12 000, 12 000 euros, bien vu, 12 000, à 11 000 euros, vas-y, rabat ce week-end, gagnant groupe 1, le fils de Manduro, à 12 000 euros, à 12 000 euros, l'enchère est pour vous, Laurence, bien vu. Voilà, en plus, issu d'un étalon archi confirmé, Manduro. Dernier appel, dernière chance, à 12 000 euros, pas d'erreur, à 12 000 euros, rien en face ni à gauche, à 12 000 euros, on a dû, je lance 12 000, merci. C'est la dernière ligne droite de cette vente, il reste une quinzaine de lots à passer, moins d'une heure donc. Le numéro 134 est absent, on passe au 135. Ah bah le 134 est absent, donc ça fera vraiment moins d'une heure. Une pouliche. Tandis que à 20, à 12 000 euros, le 133 a été acheté par... Notamment. Par Hervé Bunel et Christophe Ferland. Vous voyez ici, dans quelques instants, Hervé Bunel qui va signer le bulletin et Christophe Ferland qui était juste à son côté. De 3, qui a décidé d'acheter ce fils de Manduro présenté par le Haras du Tenet. Le Haras du Tenet, c'est Nicolas Riva qui va donc rejoindre d'ailleurs immédiatement. On va le voir. À 3 000 euros, Nathalie, votre enchère de 3 000. On va le voir puisqu'il va se rapprocher. 3 000 euros. Et sous la première mer depuis l'apparition des... Le voilà. Voilà, Nicolas Riva. Nicolas Riva qui rejoint les acheteurs. Nicolas Riva, c'était le vendeur. Merci. Avec un bonhomme d'être. Donc là, nous en sommes au 136. Parce que le 130. 000 euros, si vous voulez, j'ai 3 000, une seule enchère de 3 000, 3 000. À 3 000 euros. À 3 000 euros. C'est le 135. Attendez. Oui, c'est bien le 135. Okay, 4 000. C'est écrit 136 sur l'écran. Ah, oui, 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 c'est écrit 136 sur l'écran, mais sur l'écran. Le 134 absent, nous passons le numéro 135. Merci de rectifier le... l'écran, s'il vous plaît. L'écran, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà. Merci, voilà. On est bien sur l'autre 135. Voilà, le 135, où est-ce que j'en suis du coup ? Oui, une femelle de Ripley et Ovidi par Goldaway. Ovidi, Black Type elle-même, troisième du prix, Isolabella, Liston. Les poulinières confirmées, elle a donné Organus, Oeuvre et Tiger, Back, deux bons vainqueurs, trois bons vainqueurs. Et là, c'est un produit du jeune étalon Ripley, l'étalon du rat de Degmort, un fils d'Oasis Dream. À 6 000 euros, 7 si vous voulez, à 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros qui continue, le frère a gagné plus de 50 000 euros, à 6 000 euros seulement, à 6 000 euros, pas d'erreur, la sœur, pardon, à 6 000 euros, bien vu, 6 000 euros, à 6 000 euros, c'est vous, oui, Laura, c'est votre enchère à 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros, Nathalie, je vous entends plus, j'ai 6 000, à 6 000 euros, c'est bien vu. Ni en face, ni vous, Nathalie, c'est Laura l'enchère à 6 000, il n'y a pas d'erreur, à 6 000 euros. Un petit cheval. Qui produit, dont un gagnant en plus. Petite pouliche, très épaisse. 3 vainqueurs, 4 seulement en âge de courir. Et on parle de 6 000 euros. À 6 000 euros l'enchère pour vous, Laura. À 6 000 euros, rien en face, rien à gauche. Le fils, la fille de Ripley, la petite fille d'Oasis Dream, mère Goldaway, avec une mère Black Type. À 6 000 euros, votre enchère, Laura. Rien en face, rien à gauche. À 6 000 euros, on a dû, je l'aurai à 6 000, merci. Le numéro 136 est présenté par le Haras de Grand Camp, Eric Lhermitte. Il s'agit de Senteur Doré, Pouliche B, né le 13 mars par King Salsa et Pampa Doré. Bon, 6 000 euros. La fille de King Salsa qui arrive. Belle pouliche ici, la mère loup solitaire, a gagné à 8 reprises. C'est la propre sœur de Sirène Dorée ici que nous vous présentons. Donc, un rachat peut-être. 4 fois. Ou c'est Charles Gourdin là qui... La grand-mère placée de course principale, la mère sœur de Pampas, gagnant de course principale également. Combien pour débuter ? La fille de King Salsa, petite fille. Bon. Alors on va passer à un King Salsa. Parmi les dernières productions de King Salsa, si ce n'est la dernière. Étalon combien confirmé ? Senteur Doré, c'est son nom. Elle est née le 13 mars. Elle nous est présentée par le Haras de Grand Camp. De nouveau, Eric Lhermitte qu'on retrouve ici. Pour cette nièce de Pampas qui avait gagné la poule d'essai des poulains belges. Liston. Il faut dire qu'à l'époque... La Belgique, c'était un grand pays de course, hein, avec des épreuves de haut niveau. Alors évidemment, les choses ont changé depuis, malheureusement, pour la Belgique. Il n'y a guère plus que les courses de Verghem. Mais il y a du renouveau, hein, avec Ostende notamment.
La belle mais bon, ici, parking salsa, 8000. On n'en est pas revenu encore à la grande époque des courses belges dans les années 60, 70 et 80. On est d'accord, 8000 à 8000 euros qui couvre l'enchère de 8000 euros, faut mettre 10 maintenant, 8000 à 8000, 10000 Laurence à 10000, à 10, 10 à 10000 euros, belle pouliche, parking salsa, la propre soeur d'une belle, d'une bonne jument de course à 10000 euros, 11, 9, 9 si vous voulez, 9000 à droite l'enchère, à 9000, 10000 à gauche par vous Nathalie, 10000 à 10000 euros qui couvre l'enchère de 10000 euros, à gauche de nouveau l'enchère, à 10000 qui prend le relais à 10000, 10 à 10000 euros, regardez la pouliche, à 10000 euros qui couvre l'enchère de 10000. Belle pouliche en effet de King Salsa, elle s'appelle Senteur de Rue, un joli nom. À 10000 euros qui prend le relais à 10, 10, 11, 12 en face, à 12000, Laurence, à 12000 euros qui couvre l'enchère de 12000, par vous Laurence l'enchère, à 12000 euros qui couvre l'enchère de 12000, à 12000 euros, faut mettre 13 si vous voulez, 12, à 12000 euros, l'enchère par Laurence, pas de regret, mettez vos enchères s'il vous plaît, 12, votre enchère Laurence, Nathalie, que fait-on? Merci de votre aide à 12, à 12, 13000, on ira, alors j'ai 13000 à gauche, que fait-on? On met 15 si vous voulez sur la droite, à 13000, belle pouliche vraiment, regardez-la, à 13000, la propre sœur d'une excellente jument de course, à 13000, pouliche avec du physique ici, regardez-la, 13000, à 13000 euros, Nathalie, c'est toujours vous, 15, 14, 14, à droite l'enchère, 14, à 14000 euros, 14000 euros, faut mettre 15, Nathalie, si vous voulez, à 14000 euros, le marteau se lève, que fait-on? À 14000, 14, 14000 euros, Nathalie, terminé, merci de votre aide, à 14000 euros, rien en face, pas là-bas, 14000, Laura, votre enchère, on est d'accord, dernier appel, on peut adjuger, et on adjuge, 14000, Laura. Le numéro 137 est présenté par le Haras des Faunes, très belle pouliche, Tindea, B, né le 15 mars par Teen Horse et Peaceful Dea. C'est Michel Delaunay. C'est Michel Delaunay qui achète la fille de Tinors ici, le premier produit d'une jument gagnante. Propriétaire notamment chez Christophe Lotou, propriétaire qui a beaucoup beaucoup de réussite chez Christophe Lotou et chez Kevin Borgel. Christophe Lotou c'est en Bretagne, chez Michel. Combien pour débuter les enchères, qui coule une non paisible retraite parce qu'il est propriétaire de chevaux de course, donc c'est une activité vraiment à plein temps. Mais il a beaucoup beaucoup de réussite, Michel Delaunay. Donc en Bretagne chez Christophe Lotou et à Marseille chez Kevin Borgel. 14 000 euros pour l'achat de cette King Salsa. À 3 000 euros qui m'appelle, mettez vos enchères. 3 000 euros, l'enchère minimum de 3 000 euros. 3 000 à droite, Laura l'enchère. 3 000 à 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 seulement. 3 000 à 3 000 euros qui m'appelle à 3 à 3. 3 000 à droite, de nouveau l'enchère à 3. À 3 000 euros qui prend le relais à 3 000. Alors désormais, nous avons le 137, Tindea, fille de Tinors, présentée par Laura des Faunes, Alain Chopard. 4 000, par vous et contre vous, Laura l'enchère. 4 000, à 4 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît. 4, à 4 000 euros, toujours à droite l'enchère à 4 000. À 4 000 euros qui prend le relais à 4 000. À 4 000 euros, Laura, que fait-on? Par vous et contre vous, l'enchère, et on peut adjuger. À 4 000 euros seulement, vous la laissez partir. Bonne pouliche de Tinors ici, à 4 000 euros seulement. Enchère à droite à 4 000. À 4 000 euros, la mère gagnante à 2 ans. Là, l'enchère. Pas en face, rien à gauche, à 4 000, dernier rappel, dernier tour, 4 000 euros, 5 000 quelque part si vous voulez, à 4 000, qui couvre l'enchère de 4 000 euros, l'enchère est à droite, Laura l'enchère toujours, à 4 000 euros, dernier rappel, là l'enchère, on l'a toujours, 4 000, Laura. Place au numéro 138. Bon, pas beaucoup d'intérêt pour le 137, donc on va passer directement au 138. Valentinus Day, un mâle B. Appartenant à Pascal May, présenté par le Rat du Saz. Marshall et Pearl Argyle. Un fils d'Artif Marshall. 100% sans TVA. Vendu sans TVA, ce poulain, ce... Ah, il est né jour de la Saint-Valentin, me précise Nicolas Simon du Rat du Saz. Merci Nicolas. C'est pour ça qu'il s'appelle Valentinus Day. La mère est gagnante. Elle a produit deux gagnants, notamment... La famille de Wavelin, la famille de Waya. Une belle souche, et puis surtout Pearl Argyle, la mère, une fille d'Oasis Dream, a donné naissance à Pastrida, une des rares bonnes filles d'Alexandros, et vraiment très bonne, hein, puisqu'elle s'est classée troisième du prix des Sablonnets. C'est une listeud sur 1600 mètres à 2 ans sur l'hippodrome de Nantes. Voilà, une pouliche qui est puissante. Un poulain, pardon, puissant, né le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. 5 000, le fils d'Archive Marshall à 5 000 euros, le frère d'un black type, d'une black type à 5 000, mettez vos enchères. 3, voulez-vous 3, à 3 000 euros, 3 000, à 3 000 euros qui m'appelle, 3 000, Laura l'enchère, à 3, à 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 euros seulement, 3 000, à 3 000 euros qui prend le relais 3, ça vaut beaucoup mieux que ça, à 3 000, le fils d'Archive Marshall, 4 000,
Antoine, 4000 euros qui couvre l'enchère de 4000. 4000 par vous, Antoine, l'enchère à 4000 euros. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, 4000. Regardez le poulain à 4000 euros. 5, j'ai 5 ici à 5000 euros. 6 par vous, Antoine, à 6000 euros. Qui prend le relais à 6000. 7, Laura toujours à 7000. À 7000, je vous laisse faire, Antoine, à droite. 8000, Antoine. 10000, fresh bidder à 10000. À 10000 euros, c'est à gauche l'enchère à 10000. À 10000 euros, à gauche l'enchère par vous, Nathalie, maintenant 10000. À 10000, à 10000 euros, 12. Alors j'ai pris 12 ici à droite, à 12, pas là-bas. 12 par moi, à 12000. À 12000 euros, mais 14, Laura. 14 par vous, Antoine. Je vous laisse faire à droite. À 14 000. À 14 000 euros qui couvre l'enchère de 14. 14. À 14 000 euros et pas à gauche non plus. À 14. À 14 000 euros qui prend le relais à 14. Antoine, c'est vous? On est d'accord. 14 000. À 14 000 euros. Bon poulain d'Herschif Marshall. Je le répète, Herschif Marshall, c'est l'étalon qui a fait le plus de gagnants en France cette année. 14 000. À 14 000, nous sommes. Herschif Marshall, l'étalon qui a fait le plus de gagnants en France cette année. Ça, c'est Antoine, c'est votre enchère. Une bonne statistique, Laura, ça. Laura, je vous laisse faire. Merci de votre aide. 14. Antoine, on peut adjuger. C'est votre enchère, pas d'erreur à 14. Enchère à droite, c'est ça? À 14 000 euros, l'enchère est là. Pas en face et rien à gauche. Dernier appel, le marteau se lève. Dernière fois, pas de nulle part. Fini, Laura. On a dû. Hop! 16 000, 15, 15. Il était temps, 15 000. En face, l'enchère, 16. 16 à droite, 16 000. De nouveau à droite, l'enchère à 16 000. À 16 000 euros, 16 000 euros, l'enchère est à droite. De nouveau à droite, l'enchère par vous, Antoine, à 16. 16, à 16 000 euros, on met 17 si vous voulez. 16 à droite. 16 000, c'est à droite. Non, merci de votre aide. Enchère. À droite, par vous, Antoine. Dernier appel, fini. On a juge. 16 000, Antoine, à droite, l'enchère. Merci. Place au numéro 139 qui est présenté. Sylvain Vidal, merci, monsieur. Le numéro 139 est présenté par le Harad de Montaigu, appartenant à l'écurie Villebadin. Save the date, une pouliche B, née le 8 avril par Rio de la Plata et Pink and Raid. Regardez-la, elle est intéressante, cette pouliche. La fille de Rio de la Plata fait des gagnants. Pick and Red, jument, qui a produit 7 gagnants. C'est Sylvain Vidal qu'on vient de voir. Sylvain Vidal qu'on vient de voir acheter le produit de. Mix aussi, gagnant de. À 16 000 euros, le produit de Herschif Marshall. Combien pour débuter? 8, 5, on débute à 5 000 euros. 5 000 euros, la fille de Rio de la Plata. Valentino Zdé, du Rat du Saz. À 5 000 euros, belle pouliche ici, regardez-la. 5 000, à 5 000 euros, une mère qui produit. 5, 3, voulez-vous 3? À 3 000 euros, 3 qui m'appelle. 3 000, mettez vos enchères. 3 000, à 3 000 euros, qui prend le relais. 3 000, 3 000 pour les buter. 3, à 3 000 euros, la fille de Rio de la Plata. 3 000, Laetitia. Non, Laurence. 3 000, à 3 000, 4 à gauche, à 4 000, à 4 000 euros. Pouliche qui se déplace bien, une bonne locomotion ici à 4 000. 4 000, à 4 000 euros, Nathalie, votre enchère pour le moment à 4. 4 000, 4, à 4 000 euros qui prend le relais, 4 000, mettez vos enchères. Il faut mettre 5 si vous voulez, 4 000, à 4 000, 5 000 euros, l'enchère Laurence, à 5 000 euros. 5 000, à 5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000 euros. À 5 000 euros par vous, l'enchère Laurence, toujours à 5. Nathalie, que fait-on? 5 000 en face, 6 000, on y revient. 6 000 à gauche. À 6 000 euros, toujours à gauche, l'enchère 6. À 6 000 euros, 6. À 6 000 une famille Lagardère, celle de Pinmix. Alors Pinmix, il a une aventure, hein, ce cheval-là. Il était chez Fabre à l'âge de 2 ans, chez Lagardère. Après, il est devenu complètement fou. Il était peut-être déjà un peu fou comme ça. Il est arrivé, il a été vendu à M. Codet. Il est arrivé chez Cyriac Diard à l'époque, était au sommet de son art. Et malgré le cheval qui était un véritable psychopathe, Cyriac Diard est parvenu à le ramener. Un très très haut niveau puisqu'il s'est imposé dans le prix de Montretout sur l'hippodrome de Longchamp, une listote sur 1400 mètres. On trouve aussi dans cette famille Pinacaral, Pinfloron, Pinmix qui a été étalon. Linamix. Mettez vos enchères s'il vous plaît, 10. Laetitia. Linamix qui vient de s'éteindre et vous pouvez voir sur France Cire l'analyse complète avec le listing complet de tous ces produits qui ont été étalons. Avec des histoires, des anecdotes assez croustillantes. Je vous invite à lire cet article. On y revient. 12 000, c'est Laurence Lanchère. De nouveau, à 12 000. Laura, pas une seule.
13 000, Laura, 13 000. À 13 000 euros qui couvre l'enchère de 13 000 euros. L'enchère est à droite. Belle Pouliche. S'appelle Save the Date. Elle s'appelle Save the Date, cette Pouliche. 13, Laurence contre vous. Présentée par Laura de Montaigu pour l'écurie Villebadin. À 13 000. À 13 000 euros qui prend le relais 13. À 13 000 euros, c'est votre enchère, Laura. Le marteau se lève et on va juger à 13. À 13 000 euros. Fini en face, mesdemoiselles. À 13 000. Dernier appel à 13 000. Laura, votre enchère. On est d'accord. Pas d'engrais nulle part. On l'a tué. 13 000, Laura l'enchère. C'est vendu, enfin c'est vendu. Le haras de Grand Camp, Eric Lhermitte nous présente. C'est pas vendu à 13 000, c'est racheté. Pouliche B, né le 19 avril par Sunday Break et Pixie. Ah si, c'est peut-être bien vendu. Sunday Break. Oui, 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 oui. Qui arrive. Cavale dorée, évidemment, combien pour débuter les enchères. La mère partie voilà. Votale, c'est la sœur ici de Nuit de Mec, gagnante. Pour le compte de Tony Castanera. Maternelle de Trampoline, souche de Moussac ici, celle de Coquerel notamment. Combien pour débuter les enchères, la fille, la jolie fille ici de Sunday Break. Voilà, la cette jeune femme blonde que je ne connaissais pas personnellement, mais qui a acheté plusieurs chevaux. Elle était assise à une rambarde pas loin du restaurant tout à l'heure. Là, elle s'est déplacée et elle a signé Tony Castanera, entraîneur. Pas plus bas, s'il vous plaît. Très sympathique, d'ailleurs. Alors, on passe au 140 qui s'appelle pas, d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas nommée. Cette femelle née le 19 avril, présentée par le rat de Grand Camp, qu'on retrouve ici avec Sunday Break. Une souche. 4000 euros par vous et contre. Du Maizeret. À 4000 euros qui prend le relais à 4000. À 4000 euros. Puisque la troisième mère, c'est Trampoli, gagnante de groupe 1, de groupe 2 à l'occasion du Long Island Handicap. Où elle avait poursuivi sa carrière aux États-Unis après l'avoir commencé en France. La famille de Lutte Danseur. En gros, la quatrième mère, c'est Lutte de Saron. À 5000 euros, la fille de Sunday Break. À 5000 euros, 7000 maintenant. 7000, 7000. À 7000 euros, 7000, 8000, Fresh Bidder, 8000 par boulot à l'enchère, à 8000. À 8000 euros qui met 10, faut mettre 10 maintenant, à 8000, 8000. À 8000 euros qui prend le relais, à 8000, 8000. À 8000 euros, l'enchère à droite, à 8000. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 8000 euros. À 8000 euros, l'enchère à droite, 8000. À 8000 euros par vous et contre vous, à droite, mesdemoiselles, à 8000. Laura, c'est vous pour le moment, 8000. À 8000 euros, l'enchère à droite, que fait-on? Qui met 10? À 8000 euros, c'est bien vu, pas de regret. Le marteau se lève, on peut la juger, la fille de Sunday Break, à droite l'enchère à 8000 par vous, Laura, à 8000 euros seulement, on met 10 quelque part si vous voulez. Qui met 10? 8000, l'enchère à droite, à 8000 euros seulement, on peut essayer 9, à 8000 euros, l'enchère est à droite, vu, à 8000 euros, à droite l'enchère par vous, Laura, dernier appel, dernier tour à 8000, pas de gagne nulle part, Laura, votre enchère. On la juge. 8000, Laura. Le numéro 141 est présenté par le haras du cadran. Il s'agit d'un poulain B, né le 8 mai par Elusive City et Plume Rouge. Le voilà, le beau mâle d'Elusive City, Plume Rouge, la mère fille de Pivotal, a gagné à deux reprises. 8000 euros pour le numéro 140. Maintenant, le 141. Nous entendons donc le frère de Minley. On le laisse arriver. Jument gagnante qui elle-même a produit Jet Setting, gagnante de groupe 1 en Irlande, sachant que cette jument a été vendue 1 300 000 livres à la London Sales cette année. La 3 ans est gagnante. Et ouais. Donc ce mâle de Elusive City est Plume Rouge et en fait l'oncle de Jet Setting. Bon poulain d'Elusive City. Alors pourquoi je vous parle de Jet Setting? Parce qu'il vient nous le rappeler notre ami Emmanuel Vio. Et bien ce Jet Setting, cette Jet Setting est la gagnante des Irish 1000 Guinées cette année. Elle a été vendue 1 300 000 Guinées à la London Sale cette année. Et alors, quel est le rapport de famille? Le fils de Elusive City est un frère cadet de la mère de Jet Setting. En ce qui concerne la première mère Plume Rouge, elle a gagné l'Eston. Qui prend le relais à 5 000 euros, le fils de Elusive City, pas de regret, à 5 000, 5.
Et pourtant, le poulain ne fait pas flamber les enchères. 6 000, allons-y, 10 000, à 6 000 euros qui couvre l'enchère de 6 000, 7 000 Harvey, 7 000, à 7 000 euros l'enchère au restaurant à 7 000, 7 000, à 7 000 euros seulement nous sommes Elusive City à 7 000, à 7 000 euros qui couvre l'enchère de 7 000, 7 000, l'enchère en face de moi à 7 000 euros, pas de regret, que fait-on Nathalie, 7, à 7 000 euros, pas de regret nulle part à 7 000 euros, la proche amie de Jet Setting, 8 000, on y revient, 8 000 Nathalie, à 8 000 euros, 8 000, 8 000 à gauche l'enchère, 8, à 8 000 euros qui couvre l'enchère, 10 000 maintenant, 10 000, à 10 000 euros par vous, Harvey l'enchère, 10 000, à 10 000 euros, 10, à 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000, contre vous Nathalie cette fois à 10 000, Elusive City ici à 10 000, 11, 11, 11 maintenant, 11 000, à 11 000 euros toujours à gauche l'enchère, 11 000, à 11 000 euros l'enchère est là, toujours à gauche, 12 par vous Harvey, on y revient, 12 000, à 12 000 euros, pas de regret dans la salle à 12 000, à 12 000 euros par vous en face, l'enchère à 12 000. Nathalie, contre vous. À 12 000 euros, l'enchère est en face là-haut à 1000. On met 13. Je vous laisse faire, Nathalie. 13 000, on y revient, 13 000. À 13 000 euros, l'enchère à gauche, toujours à 13. 13 000, à 13 000 euros, il faut mettre 15. 15, 15 000 maintenant, 15 000. Harvey, l'enchère, 14. 14, si vous voulez, 14 000, 14. 14 000, doucement, voilà, bon. 14, il faut mettre 15, Nathalie. Les enchères montent, hein, c'est logique quand même. La mère a donné 3 vainqueurs en 7 premiers matchs de courir et la mère, c'est donc la grand-mère de cette fameuse Jet Setting, une gagnante surprise, certes, des Irish Mill Guinness, cette pouliche de Fast Company, mais qui a été vendue, je vous le rappelle, 1 300 000 euros il y a quelques semaines, après sa victoire dans les Mill Guinness disputées au Cura, un groupe 1. 17 ici, à 17 000, 17 000 ici par vous, Harvey l'enchère toujours, ils sont toujours deux. À 17 000, 2 à ma gauche, pardon, à 17 000. À 17 000 euros qui couvre l'enchère de 18 maintenant, on y revient à 18. À 18 000 euros par vous, Nathalie, de nouveau l'enchère là-bas, qui met 20. À 18 000 euros, Harvey contre vous cette fois, 20, 20. 19, 19. 19 si vous voulez, il faut mettre 20, qui met 20. À 19 000, Harvey, c'est chez vous pour le moment. À 19 000, bon poulain des Elusive City, pas de regret. 20 000 à gauche, on y revient, 20. À 20 000 euros, et pas ici non plus, 20. À 20 000 euros qui prend le relais à 20 000. Nathalie, c'est votre enchère. À 20 000 euros, Nathalie, on est d'accord à 20 000. 20 à 20 000 euros contre vous, Harvey, cette fois, et rien à droite. À 20 000 euros, le marteau se lève et on va te juger. Dernier appel à 20 000, fini, pas de regret nulle part, la balle en chair. Dernier appel, pas de regret. Fini, Harvey. Dernière fois, on la juge. 20 000, Nathalie. À 20 000 euros, le numéro ITS. 5. Sébastien Leforban, ITS Bloodstock. Merci. ITS Bloodstock, Sébastien Leforban, que nous avons interviewé tout à l'heure et qui a acheté pour des clients anglais. D'avril, Polish International Thoroughbred Bread Service, ITS. Vertigineux et Poca, dont c'est le premier produit. Regardez la fille de Vertigineux ici. Le 20 000 euros pour le fils d'Elusive City. Puissant poulain, très typé de son père. Que pierre précieuse, elle-même par Vertigineux, gagnante à 2 ans, qui a 2 victoires de plus depuis l'apparition du catalogue pour un total de gains de plus de 51 000 euros. La famille maternelle de Tokelekada, des Keda, pardon, la famille de Elisa. Que voilà ici, légèrement de dos. Bonne pouliche ici par Vertigineux, petite fille de qui est rejoint ici par la dame. 5 000. Non, je confonds. Donc, c'est toutes ces clientèles anglaises pour lesquelles il achète des chevaux. Les chevaux vont courir en Angleterre dans un but précis, c'est de revenir courir. Enfin, ils vont être entraînés en Angleterre dans un but précis, c'est de revenir courir en France et bénéficier, bien sûr, des systèmes de primes à la française. Le 141. On retrouve le 142, pardon, c'est Vertigineux, présenté par Laura Digmort et la mère par Carlotta Mix. À 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 euros par vous l'enchère à gauche, Nathalie, 3. Il s'appelle Pif d'Avril. À 3 000 euros, elle vaut mieux cette pouliche, regardez-la, elle se déplace bien, belle pouliche, du physique, à 3 000 euros, 3 000, à 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 seulement, 3 000, Nathalie, votre enchère. À 3 000 euros, 3, à 3 000 euros qui prend le relais, 3 000 euros. Le premier produit d'une jeune jument ici, la grand-mère par Royal Applause, du caractère gras dans le pédigré. À 3 000 seulement nous sommes, votre enchère, Nathalie, pas d'erreur. À 3 000 euros... Mais je crains que l'enchère est là. On reste un peu collé au plancher, là, Nathalie, chez vous. Avec Pif d'Avril. On met 4 quelque part, si vous voulez. À 3 000 seulement, pas de regret. Dernier appel à 3 000 euros, pas là, rien à droite. Le marteau se lève. On peut être jugé à 3 000 seulement. Dernière fois, on est jugé. 3 000, Nathalie. Le numéro 5. Tiens, Martaline.
de Fresnel. Un Martaline, tiens. Fils de Linamix, Martaline. Capable de faire des deux ans, capable de faire des choix d'obstacles. Il n'est pas gris comme ça. Elle n'est pas grise comme son père, elle est baie. La mère est par Naïef. Elle nous est présentée par le rat de Fresnel Buffard, la famille Niarkos. Son premier produit. À noter que cette la mère Posenous a gagné sa course à Nantes, sous le prix de la Magnonnière. Alors attention, elle est anglaise, hein, donc elle n'a pas les primes, alors ça va être plus compliqué. C'est important de le confirmer, de le mentionner, pardon. Bonne pouliche ici par Martaline, la mère et sœur de Venomous notamment, gagnant à trois reprises, troisième de la poule d'essai, quoi bien pour débuter les enchères, la famille de Greg Steele notamment. La petite fille de Linamix, la seule Martaline du catalogue. Martaline est étalon mixte, on le connaît bien. Oui, la seule Martaline du catalogue. Alors le problème, c'est qu'elle n'est pas française. 5 000 euros, voulez-vous la... Donc par exemple, Sébastien Leforban, qui achetait tout à l'heure des chevaux avec prime pour aller venir les refaire courir en France et bénéficier des primes à la française, là, en l'occurrence, il ne va pas être intéressé par cette pouliche, par exemple. Mais bon, c'est une Martaline, donc ça, tout de suite, c'est intéressant. 4 000 euros, à 4 000 euros, l'enchère à droite par Voulora pour le moment à 4 000, Martaline, à 5 000 euros, étalon tête de liste, 6 000 maintenant à droite l'enchère. Alors, on aborde la dernière ligne droite, mais il y a encore une possibilité de top price avec le 145, le frère de l'excellent Pornichet. 8 000 euros qui couvre l'enchère. Qui lui peut faire flamber les enchères. 10 à droite, 9 si vous voulez. À 9 000 euros l'enchère à droite, à 9 000, il faut mettre 10 maintenant. 9 000, à 9 000 euros qui met 10, 9 000. Martaline, étalon tête de liste. À 9 000 euros seulement, nous sommes, l'enchère est à droite. À 9 000, 10 000. Nathalie Lanchère, on y revient. À 10 000. À 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros seulement. Il faut mettre 12 maintenant à 10 000. À 10 000. À 10 000 euros l'enchère à gauche, c'est vu. À 10 000 euros qui prend le relais à 10 000. À 10 000 euros l'enchère à gauche à 10 000. Par vous, Nathalie Lanchère, toujours à 10. À 10 000 euros, 10,000 à 10 000. À 10 000 euros qui met. Oui, 12 000. Fresh Bidder. 12 000 l'or à l'enchère. 12. C'est la même, 12 000. À 12 000 euros qui prend le relais à 12 000. 12. À 12 000 euros, bonne pouliche de Martaline ici, je le répète. Seul produit de Martaline de la vente. The only Martaline filly of the sale. À 12 000 euros l'enchère. À droite l'enchère par vous. 13 si vous voulez, on y revient. 13 000 à gauche par vous. Nathalie, on y revient. 13. À 13 000 euros l'enchère à gauche par vous. Nathalie, toujours à 13 000. À 13 000 euros, mais 15 si vous voulez. 15. À droite l'enchère. 15,000 euros Rihanna. À 15 000 euros l'enchère, toujours à droite à 15. 15 000 euros qui prend le relais à 15 000. Que fait-on, Nathalie? On met 16, on essaie. Alors j'ai 16 à droite, par vous. À 16 000 euros par vous et contre vous l'enchère à droite. 17 000, à 17 000, ils sont deux à droite maintenant. Ah oui, une Martaline, ça vaut quand même de l'argent. Hein. On monte à 17 000, c'est pas fini, 18 000 désormais. Toujours à 18, on va mettre 20. À 18 000 euros, qui met 20? À 18 000, c'est pas terminé. 18 000 euros, 18,000 euros. À 18 000 euros qui couvre l'enchère de 18 000 euros. Martaline. À 18 000, 20 000, 19 si vous voulez, 19 000. À 19 000, toujours à droite l'enchère, 19. À 19 000 euros qui prend le relais, qui met 20, faut mettre 20. À 19 000 euros, enchère à droite par vous, l'aura 20. Antoine, 2. 20, c'est la même. Alors 20 000, Laura et Antoine, on est d'accord. 20 000, l'enchère. Antoine, je vous laisse faire. 20 000. À 20 000 euros, l'enchère est là, toujours à 20. 20, à 20 000 euros, pas d'erreur, hein. On est d'accord. Hein. Antoine, c'est vous, on est d'accord. 20 000 euros, l'enchère est là et on va juger. Dernier appel, Philly, Nathalie. Pas d'engrais, enchère à droite, par vous Antoine, on est d'accord. On est 20 000, Antoine. Le numéro 144 est présenté par George le... Mullins. Merci monsieur. Ara monsieur George Mullins, frère de Willy Mullins qui est transporteur et courtier occasionnellement aussi. La première fois que je le vois ici, à Osarus. Alors le 144. Deux groupes 2 en Allemagne, gagnant des 1000 guinées allemandes. Elle a produit... Et après, le 145, suivez bien, mesdames, messieurs, le 145, c'est le frère de Pornichet, le neveu de Porletza, cousine de Porté Nouveau, une femelle, hein, c'est la sœur de Pornichet, qui risque de faire flamber les enchères. Mais pour l'instant, intéressons-nous au 144, hein, une fille de Rio de la Plata et Portela. L'Allemande Portela, gagnante des 1000 guinées germaniques. Groupe 2 qui a déjà donné 6 vainqueurs en 8 produits en âge de courir.
4000 euros qui couvre l'enchère de 4004. À 4000 euros seulement, nous sommes 4. Harvey against you. Contre vous, 5. À 5000 euros, là-haut, l'enchère à 5000. 5000. À 5000 euros, bonne pouliche de Rio de la Plata ici à 5000. 6. Laetitia, 6000. À 6000 euros qui couvre l'enchère de 6000. 6000. Contre vous, là-haut, Harvey à 6000. À 6000 euros et rien à droite pour le moment à 6. À 6000, 7. Harvey, on y revient à 7000. 7000, là-haut, l'enchère. À 7000 euros qui couvre l'enchère de 7000. 8000, Laetitia, par vous de nouveau l'enchère. À 8000 euros, 8000. À 8000 euros, 8000. 9000, là-haut, faut mettre 10 maintenant. À 9000. À 9000 euros, là-haut, l'enchère. À 9000, par vous, Harvey, à 9000. À 9000 euros, rien à droite pour le moment. 10. 10. 10000. Laetitia, 10000. On y va. 10000. Allons-y, 10 000 euros, 10 000 euros qui couvrent l'enchère de 10 000 maintenant à 10 000. À 10 000 euros, là-haut, là, l'enchère en bas par vous, Laetitia, Harvey, contre vous. À 10 000, à 10 000 euros, l'enchère est là par vous, Laetitia, rien à gauche et pas à droite. À 10 000, dernier appel à 10 000 pour la fille de Rio de la Plata, on peut l'adjuger. Fini là-haut, à 10 000 euros. Allez, on va adjuger à 10 000 euros, probablement. Dernier appel, pas de regret nulle part. Dernière fois, enchère en face à 10 000 euros. Fini Harvey, pas de regret. 10 000. Laetitia, monsieur Rodolphe Collet. Merci, monsieur. Ah, Rodolphe Collet, qu'on n'avait pas vu acheter encore. Par le Hara Domel, il s'agit d'une pouliche B, née le 27 avril. Le voilà qui réalise l'achat à 10 000 euros de la pouliche de Rio de la Plata. Alors, nous avons un des plus beaux pédigrés du catalogue. Regardez la page de pédigrés ici. La mère par 7e siècle. Belle pouliche en plus, et surtout une pouliche, ça c'est important, un jeune étalon au Georges Vancouver, mais une mère confirmée, puisqu'elle a donné Pornichet, gagnante de groupe 1, et vous vous entendez bien, gagnante de groupe 1 en, en Australie, la Dunbin Cup, après avoir conclu 3e de la poule l'essai des poulains. Groupe 1 également, bien sûr. Donc là, on va sans doute... dont un gagnant de groupe 1, je le répète. On va sans doute faire flamber les enchères. Présenté par le rat Doméel, Hubert Honoré. Couvert, gagnant de groupe 1, étalon, cheval précoce lui-même, gagnant de groupe 1 à 2 ans. 20 000, voulez-vous 20 pour débuter? 20 000 euros, 20 000 euros, belle pouliche de Georges Vancouver ici à 20 000, 20, voulez-vous 20? À 20 000 euros, 10 pour débuter, bas 10 000, allons-y, à gauche l'enchère, à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à gauche l'enchère, mettez vos enchères, s'il vous plaît, allons-y. À 10 000 euros, c'est mon enchère à 10, 10, à 10 000 euros, qui prend le relais, qui couvre l'enchère de 10 000 seulement, à 10 000, 12 000, 12 000, Nathalie, 12 000, à 12 000 euros, qui couvre l'enchère de 10 000, 12 000 seulement, à 12 000, allons-y, mettez vos enchères, s'il vous plaît, 12 000, l'enchère ici à 12 000, Nathalie, votre enchère, à 12 000 euros seulement, nous sommes à 12 000, 15 000, 15 000, 15 000, Nathalie, par vous et contre vous l'enchère, 15, à 15 000 euros qui couvre l'enchère de 15 000, 15, 18, à 18 000 euros, nous sommes... Tout se passe de l'autre côté de la tribune, donc je vais m'y avancer, mais je viens d'apercevoir Paul Basquin qui est rentré. 18, faut mettre 20, à 18 000. 20 000, Fresh Bidder, 20 000, 20 000, par vous, Laurence Lanchère. Qui est rentré pendant de la scène, il n'a pas mis d'enchère encore. 22, 22, 22 000. Nous avons Guy Petit qui s'est approché, nous avons aussi l'équipe du Qatar qui s'est approché. Donc là, il y a pas mal d'enchérisseurs différents. On risque de monter, oui. 28, Nathalie, 30 000. À droite, l'enchère. Ça s'énerve. À 30 000 euros, l'enchère à droite, toujours par vous, Laurence, maintenant, 30 000. À 30 000 euros. Sœur de gagnant de groupe 1, la mère est sœur d'une gagnante du Maurice de Guest. À 30 000, nous sommes seulement. 2 à 32 000. À 32 000 euros. Sœur de Pornichet, la nièce de Porletza. 35 000. Laurence, c'est vous pour le moment. À 35, 35 000 euros. 38, 38 000 euros. Voilà, je crois que Paul Basquin est entré en scène. 40, 40 000, 40 000, 40 000, allons-y, à 40 000 euros qui couvre l'enchère de 40 000, vraie belle page à 40 000 euros qui couvre l'enchère, à 40 000 euros, je vous laisse faire à gauche à 40, Nathalie, contre vous, 2, on y revient, 42 000, 42 000 euros, faut mettre 5 maintenant, 42, 45 000, 45, Laura, Fresh Bidder, 45 000, à 45 000 euros, faut mettre 5. Alors, ça monte assez rapidement. Pardon, à 45 000 euros, 45. Je pense qu'on peut monter plus haut quand même. C'est Laura l'enchère. Pas ici, plus bas. 50, Laetitia. Qui m'appelle? 50, à gauche, Nathalie. 47, si vous voulez. 47 000. Allons-y. À 47 000, 50 maintenant. 50. On a mis 47 000. On a répondu tac au tac. 55 000, Fresh Bidder, pardon. Ah, Fresh Bidder à 55 000. Ah ouais. Quand même. Un pedigree qui ne ment pas. 60,
par vouloir à l'enchère, 60 000. À 60 000 euros, je vous laisse faire 65. 65 000 euros, c'est cette fois-ci par vous, Antoine l'enchère. À 65 000. À 70, on y revient, 70 000. À 70 000 euros, toujours Laura l'enchère à 70. À 70 000 euros, vraie belle page ici. Regardez la pouliche, j'ai 75 ici. 75 par vous, Antoine, de nouveau l'enchère. 75, 80. À 80 000, attention, le top price est atteint et va être dépassé dans quelques instants sans doute. À chaque génération, eh oui. À 80 000 probablement. On est d'accord, 80 Laura, à 80 000 euros contre donc le top price est arrivé en tout début de catalogue à 80 000 euros. Là, nous en sommes à 80 000 euros. S'il vous plaît, 80, à 80 000 euros. Laura, c'est vous? On est d'accord à 80, pas d'erreur, 80. À 80 000 euros et la pas sœur de Pornichet par Georges Vancouvert, un début fracassant pour le jeune étalon Georges Vancouvert. À moins qu'on en reste à 80 000 euros. D'acquérir une sœur de gagnant de groupe 1 avec une mère qui est sœur d'une gagnante de Maurice de Guest. À 80 000 euros, nous sommes. L'enchère est par vous, Laura. Ah non, on va rester apparemment à 80 000 euros. Le silence se fait autour de la salle. À 80 000 euros, je vais voir à gauche. 80. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. À 80. À 80 000 euros. Merci de votre aide. Laura, c'est chez vous. On est d'accord. À 80. Pas de rien nulle part. À 80 et rien à gauche. Dernière fois, last time, last call, à 80 000 euros. Le marteau se lève. Fini. On peut être jugé. Laura, votre enchère. Et on est jugé. 80 000, votre enchère, Laura. Alors, le marteau est tombé à 80 000 euros. Et ce sont ces messieurs, dames. Jean-Pierre et Guillaume Garçon présentent ce poulain. Ah, on va essayer. Alors, je ne connais pas. On va essayer de février par Caradac. Caché derrière. Rose. Liam Norris. De Caradac, ici. C'est ça? Le voici. La mère par Elusive Quality a gagné à 3 reprises. C'est son premier produit. La mère est sœur de Flamenco. Et ben voilà, on découvre Liam Norris, si je ne me trompe pas. Alors, évidemment, la presse est arrivé, s'interroge pour savoir. Combien pour débuter? 10, 8, 5, voulez-vous 5 000? Allons-y, 5 000 euros, 5 000. À 5 000 euros, 5 000, 5 000, 5 000. Alors, maybe we're gonna make a quick interview? Maybe, can you stand up because the camera is there? Alors, yeah, like that, all the press will hear. So you are Liam Norris. Yes. So you bought the number 145. Can you, for 80. Can you give us a little more explanation? Well, she's a lovely filly, and I know the breeder very well in Hubert Honoré. I have a very good owner here who wanted to buy a nice filly, and I think we bought the best one here. What would you the future of this filly? What, sorry, say again? The future of this filly, she will go to... She'll be raced, and hopefully she'll stay in France, but that's yet to be decided. She'll go to a good French trainer, and she's got French premiums. So, yeah. Is that the first time that you're coming over here in Arzaris? One or two here before. I bought one for Mrs. Berry there, who's new mark. Three for Mrs. Berry. Three! Market trainer. And so, yeah. And two for Zorka, yeah. So. Right, so what was the reason... What is the reason why you are coming here in Arzaris? Well, I like to look at the horses. I think there's a good value here. It's nice to see. I like French premiums, obviously. It's very important. French premiums are very important. And they're very hospitable. So, yeah, it's good. It's a nice place. Thank you very much. Thank you very much. Apart from the weather, sometimes it rains, but very rarely. Thank you very much. Donc, Liam Norris nous a expliqué que c'était pas la première fois qu'il venait à Arzaris, hein, c'était la deuxième. Il avait déjà acheté des chevaux ici à Arzaris, qu'il a acheté parce qu'il adorait le pédigré, il adorait la pouliche. Pour lui, évidemment, c'était la meilleure pouliche du catalogue. Et qu'il vient pour Bravo Hubert Honoré, qui est ici, qu'on va interviewer donc en même temps, parce qu'il est là. Alors, Hubert Honoré, il est content de sa vente, Hubert? A priori, oui, je suis assez content. Je suis surtout content qu'il ait été acheté par un type aussi spécialiste et aussi juge. C'est-à-dire? Bah, Liam Norris, c'est quelqu'un qui juge bien les chevaux et c'est quelqu'un qui fait vraiment les choses très bien. Il faut fumer. Hein, effectivement, c'est ça qu'on vérifie. Parce que vous le connaissez depuis longtemps, Liam?
Oh, mais je le connais depuis longtemps, mais c'est simplement parce que je le connais au point de vue jugement des chevaux. C'est quelqu'un qui a un œil et je veux dire, en général, j'aime bien le jugement de certains Irlandais ou Anglais. Je ne sais pas. Bref, je peux pas être. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Bon, bah super. Alors, cette pouliche, bien sûr, très bien née, Georges Vancouver. Pourquoi le choix de Georges Vancouver sur une jument Porza qui, elle, était confirmée? C'est deux profils différents, une mère âgée sur un jeune étalon. Parce que, en fin de compte, je me suis dit que Georges Vancouver était un cheval qui avait eu, bon, certes, quatre problèmes à la fin de son année de deux ans, mais c'était un cheval qui avait quand même une énorme réputation, et aussi le fait qu'il est quelquefois la génération ça saute. Par exemple, André Navigateur, il avait fait des bons chevaux, après ça a sauté, mais je pense que ça peut sauter une génération et que le King Mambo revienne et en force. Et c'est une pouliche qui était vraiment bien équilibrée avec un cœur parfait et elle marchait vraiment d'une manière très très fluide. Le choix de l'amener à Osarus pour faire comme dernière question ici, c'est l'histoire du gros poisson dans la petite mare. Vous connaissez l'histoire? Ouais. Voilà. Merci Hubert. Tu peux aller féliciter Liam Norris qui va être content de discuter avec toi. Alors du coup, qu'est-ce que je disais? Eh bien, je ne m'en rappelle plus. La jument... C'était pas la première fois que Liam Norris venait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il adore l'endroit, il adore venir en France. Et il dit, hey, apart from the weather, c'est pas un Irlandais ou un Anglais qui va pas se plaindre de trois gouttes d'eau quand même. La jument, elle va très probablement rester en France pour bénéficier des French premiums. Maintenant, we just have to find a good French trainer. Hein? Voilà, il suffit maintenant de trouver un bon entraîneur français. Mais ça, il y en a. Merci. Il y en a plus qu'en Angleterre, c'est ça? Non. Oui, bien sûr. Alors. Le numéro 148 est présent. Et donc, le 140, du coup, j'en suis où? Je ne suis perdu. Le 148 a été vendu pour je ne sais pas combien. Le 147 a été vendu pour 6 000 euros, donc le 148, il entre en scène. La personne ne veut pas. Qu'est-ce que c'est? Oula. L'orage gronde au moment où il y a une folle enchère. On repasse, c'est le numéro 147. La pouliche fille de The Way You Are et Price of Love. Qui est vendu. Ils n'ont pas de chance, les JKT en bret là-dedans. Bon, une folle enchère, mais comme ça, c'est vu tout de suite, la pouliche, elle n'était pas sortie du ring. Ouais, on revient dans le ring. Trois, voulez-vous 3 000? À 3 000 euros, allons-y, mettez vos enchères. The Way You Are, Sir de Black Type, le numéro 147 qui repasse. À 3 000 euros, mettez vos enchères. 3 000, à 3 000 euros, 3 000, à 3 000 euros. Faire attention qu'on met des enchères. À 3 000, merci, 3 000, à 3 000 euros, 3 000, 3 000 euros, 3, à 3 000 euros qui m'appelle, 3 000. Là-haut, l'enchère, Harvey, et 4 ici, à 4 000. Alors, j'ai 3 000 là-haut. C'est la même, 3 000, là-haut par Harvey, à 3 000 euros. Allons-y, pas d'erreur. 3, à 3 000 euros, qui couvre l'enchère de 3 000 euros. 3, à 3 000 euros, qui prend le relais. 3, mettez vos enchères, s'il vous plaît. À 3 000 euros, 3, à 3 000 euros, par vous, Harvey, l'enchère. À 3 000, mettez vos enchères, s'il vous plaît. 3 000, à 3 000 euros, la fille de The Way You Are. À 3 000 euros, qui prend le relais. 3 000, 3, à 3 000 euros, l'enchère, là, toujours par vous. On va dire Harvey. Harvey, c'est votre enchère, on est d'accord, hein, c'est là-haut. À 3 000, à 3 000 euros, pas de regret. À 3 000 euros, la fille de The Way You Are, qui couvre l'enchère de 3 000. 3 000, à 3 000 euros seulement, nous sommes. Elle vaut mieux que ça, cette pouliche. Regardez-la. À 3 000, à 3 000 euros, le marteau se lève. Harvey, par vous l'enchère, dernier appel à 3 000. À 3 000 euros, qui couvre l'enchère de 3 000. Dernière fois, à 3 000 euros, Harvey, par vous l'enchère. On est d'accord. À 3 000. On la touche. 3 000. Bon, allez, le marteau, il tombe cette fois-ci à 3 000 euros pour le 147. Maintenant, le 148. Le 147, c'était The Way You Are, mais du rat du cadran. Maintenant, on reste avec The Way You Are, mais de J.K. Thorbred, la nièce de Krim Sardaukar, Kinjal. C'était chez Elie Lelouch, cette production. Il y a Alaram, qui, il y a moins d'une heure, vient de se classer deuxième du prix Turenne sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ah. Une épreuve labellisée Listed Race. D'accord. Ok. Sous la deuxième mer, il y a Alaram et il vient de terminer deuxième du prix de Turenne à Saint-Cloud. Ça, c'était il y a quelques minutes là. Et trois fois placé cette année. Et voilà. De Sardaukar notamment, de Cream. C'est la famille maternelle de Daneskaya, de Silverskaya, de Gwen Seb. Combien pour débuter les enchères? 10, 8, 5, 5, 5. À 5 000 euros, 5 000 euros, le mal de The Way You Are. King Mambo,
à 5 000 €, 5-3, voulez-vous 3 000 pour débuter, 3 000, le fils de The Way You Are, à 3 000, Laura Lanchère à 3 000, à 3 000 € qui prend le relais, à 3 000 €, 3, 4, 4 000, à 4 000 €, allons-y, il vaut mieux que ça ce poulain, hein, regardez-le, 4 000, à 4 000 €, 4 000, à 4 000, 5 000 par vous, alors 5 000 par Laurent, 5 000 €, à 5 000 € qui couvre l'enchère, 6 maintenant, 6 000, Laurence toujours à 6 000, à 6 000, 7 maintenant, 7 000, à 7 000, il faut mettre 8, à 7 000 qui met 8, mettez 8, 8 000, fait, à 8 000 pour aller à 10, qui met 10, à 8 000, 8 000 € à droite l'enchère, à 8 000 € qui couvre l'enchère de 8 000 € à droite l'enchère. Laura, c'est vous pour le moment. Les nuages noirs commencent à arriver et nous menacent, mais heureusement, c'est vrai, hein, les obscurs et sombres éléments qui vont se déchaîner dans le ciel bientôt. Mais ce sera juste le moment où on aura fini la vente et nous serons protégés dans la salle du restaurant pour la grande soirée qui s'annonce aux Arus. Si c'est comme hier, ça va être dantesque. L'important, c'est que, à l'exception de la première demi-heure, nous avons échappé au pire ici et de loin. 10 000 € pour The Way You Are, tandis que le cheval suivant s'appelle Gugus Desbrières, ce qui est tout de même un nom assez étrange. Pour l'instant, profitons de ce poulain qui n'est pas nommé par The Way You Are, le dernier champion de Sean Mulryan. À 12 000 € toujours par vous, Laurence. Nathalie, rien chez vous? À 12 000, regardez le physique, à 12 000, à 12 000 € seulement, l'enchère toujours par vous, Laurence, pas d'erreur, à 12 000, à 12 000 € le marteau se lève, dernier appel, à 12 000 € et pas à droite, cette fois-ci Laura, à 12 000 €, pas de regret nulle part dans la salle, à 12, à 12 000 €, que fait-on à 12 000 pour le fils de The Way You Are, vraie belle famille, à 12 000, Laurence, votre enchère, 12 000, 13 000, à 13 000, 13 000, c'est ici, on est d'accord. Laurence, c'est assis, c'est pas debout, hein, d'accord, parce qu'ils sont l'un derrière l'autre. C'est assis à 13 000, pas là-haut, à 13 000 €, là à l'enchère, à 13 000 € et pas à droite non plus, pas d'erreur, à 13 000, à 13 000 €, 14, John, c'est la même, 14 000, je les ai vus tous les deux, 14 000, on met 15, on essaie 15, vous êtes avec moi depuis le début, 15 000, 15 000, on y revient, 15 000, 15 000, 15 000, Laurence en face de vous, ils sont deux chez vous, Laurence, hein. C'est contre vous, messieurs, 15, on met 16 si vous voulez, 16, 16 000, 16 000, 16 000 là-haut, à 16 000 là-haut, l'enchère toujours par vous, Laurence, à 16, à 16 000 euros, à 16 000 euros, si vous voulez 17, on peut essayer, 16 000, là-haut, l'enchère, on met 17, à 16 000 euros, c'est contre vous, messieurs, cette fois, à 16 000 euros, Laurence, 17 000, on y revient, 17 000, à 17 000, à 17 000 euros, c'est assis en bas, à 17 000, à 17 000 euros, John, je vous laisse faire, on met 20, vous allez me demander 18, on essaie 18, 17, c'est ici, en bas, à 17 000 euros, l'enchère est là et on va adjuger, Laurence, en bas, l'enchère, pas d'erreur, 18 000, 18 000, 18 000, je le savais, à 18 000, à 18 000 euros, on met 20, on essaie 20, à 18 c'est là-haut, assis. Aïe, il se bat, hein, Emmanuel Viau pour aller chercher des enchères, il a obtenu 18 000 euros pour The Way You Are, le poulain de The Way You Are. Fini, c'est là-haut, à 18, dernier appel, pas de regret, fini, dernière fois. Merci beaucoup pour votre aide, on adjuge. Oui, la boîte peut se préparer. Le marteau tombe. C'est Tony Ford, MAB Agency, merci. Mister Tony Ford, voilà. Le numéro 5. MAB Agency, c'est Marc-Antoine Bergrache, c'est son client, c'est Tony Ford. Brière, un mâle B, né le 21 février. C'est un fils de Sima de Triomphe et Puce of West. Regardez le poulain, regardez ce fils de Sima de Triomphe, le seul du catalogue, petit-fils de Galiléo ici. La mère est une petite fille de Gaulle. Ben voilà, on suit la boîte, elle va rejoindre... Que le 3 ans et le 2 ans sont à l'entrée. Elle va rejoindre... Combien voulez-vous pour débuter les enchères? La mère est sœur de Shogum, qui a produit Covent Garden. Notamment... Si on arrive à le voir, il est sous sa casquette. Regardez ce fils de Sima de Triomphe. Ah, c'est pas facile, hein, là c'est un véritable labyrinthe. Excellent. La chasse au trésor, la chasse au Tony. Père de Gagnon Groupe 1, notamment en Amérique du Sud. Regardez le poulain. Voulez-vous 10 000 pendant ce temps-là? On va arriver au premier, au seul et unique. Voici. Ah bah voilà.
Voilà, la poursuite a été récompensée par la signature en direct de Marc-Antoine Bergracht, qui signe donc pour le compte de Tony Ford, SAS Saf Canarias. Gugus des Brières, un drôle de nom, il est né le 21 février. C'est un magnifique poulain de Sima de Triomphe, un étalon du Haras du Tenet, qui fait un carton en Amérique du Sud. Notamment, la mère est par le très rare Mano West, et la mère, c'est la sœur de Shogum. Archi précoce, cette femelle de Cadrou, deuxième du prix du bois. À 4 000 euros seulement, nous sommes en chair à gauche à 4 000. À 4 000 euros, vrai bon poulain ici. Mano West, ah oui, ça c'est pas commun, Mano West. Mais il a fait un bon cheval, Mano West, je sais plus le nom, mais. En chair à 5 000, que fait-on ? Nathalie, contre vous. Qui met 6 ? Une seule en passant, Nathalie ? 6 000. Regardez le physique, regardez le cheval. À 6 000 euros seulement, nous sommes. À 6 000, la vitesse dans le pédigré, à 6 000 euros seulement nous sommes, 6 000, à 6 000 euros qui couvre l'enchère de 6 000, 6 000, à 6 000 euros qui couvre l'enchère 7, on y revient, 7 000, à 7 000, 7 000, 7 000, 7, à 7 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, 7 000, Nathalie contre vous, à 7 000, 8 000 à gauche, à 8 000, 8 000, à gauche l'enchère de nouveau à 8 000, à 8 000 euros qui prend le relais à 8 000, à 8 000 euros, bon poulain, du physique ici, regardez-le, poulain très court ici à 8 000, à 8 000, à 8 000 euros l'enchère est à gauche, à 8 000 euros seulement vous le laissez partir, à 8 000 euros, Nathalie votre enchère, on est d'accord, 9, à droite par vous, Laura de nouveau à 9 000, faut mettre 10 Nathalie, 10 000, à gauche l'enchère, 10 000, à 10 000 euros fait, à 10 000, à 10 000 euros, petit-fils de Galiléo par Sima de Triomphe, gagnant de groupe 1, regardez-le, regardez le physique, regardez, à 10 000, à 10 000 euros, Nathalie c'est votre enchère, on est d'accord, 10 000, à 10 000 euros, pas en face et plus vous l'aura. À 10 000. À 10 000 euros qui couvre l'enchère de 10 000 euros. Le petit-fils de Galiléo par Sima de Triomphe. La proche famille, la mère sœur de Shogun, Black Type. À 10 000 euros, l'enchère est là et on va être jugé par vous, Nathalie. Pas de regret. À 10 000 euros, que fait-on à droite? À 10 000, pas de regret. Dernier appel. À 10 000 euros, la l'enchère. Dernière fois. À 10 000 euros, le marteau se lève. Fini. Rien à droite. Pas de regret. Nathalie, votre enchère. On est d'accord. Fini. Dernière fois. On est dessus. 10 000 à gauche. 10 000 euros pour Gugus des Brières. 50 est présenté par l'élevage du Davier. C'est l'autre bout des tribunes. Un poulain B. C'est à l'autre bout des tribunes que ça se passe. Et Quats Melody. C'est un Anglais en short qui vient d'acheter Gugus des Brières à 10 000 euros. Alors maintenant, on va passer à un produit de Siputra qui ressemble beaucoup à son père. D'ailleurs, c'est son portrait craché. C'est le 150, We Run the Night. Et la mère, c'est Quats Melody. Présenté par l'élevage du Davier, Olivier Pirot, qui est ici présent d'ailleurs, à côté du Haras des Embruns et à côté de son grand ami Patrick Lemarié. Par Siputra, fait des poulains qui se déplacent. Siputra. Oasis Dream donc, petit-fils d'Oasis Dream, la mère part Joanne. Alors c'est l'antépénultième poulain, hein, puisque nous en sommes au 151 et il y a 152 chevaux au total dans ce catalogue. À 5000 euros, 5000, à 5000 euros, 5, à 5000 euros, 5, voulez-vous 5. On terminera pile à 7 heures de vente, parce que nous avons commencé non pas à midi, mais avec une vingtaine de minutes de retard, compte tenu des conditions climatiques. À 3000 euros, 3, à 3000 euros, Laura c'est vous hein. 3 000 à droite, à 3 000, à 3 000 euros qui couvre l'enchère de 3 000 euros, regardez-le à 3 000, à 3 000 euros le fils de Sriputra, à 3 000 euros les premières lignes de l'étalon à 3 000, à 3 000 euros mettez vos enchères, couvre l'enchère de 3 000, 4 000 Laurence maintenant, 4 000, 4 000, à 4 000 euros une famille vivante, Quick Davier gagnant de groupe, 2 en 4 000, 5 à droite, 5 c'est la même, 5 000, à 5 000 euros par vous. John l'enchère à 5 000, 5 000, 6 000, 6 000, Laurence maintenant, 6 000, à 6 000 euros, à 6 000. Vieille famille, celle de Rajput Princesse, Esprit du Nord. Voilà, ça remonte loin, hein, ça remonte pardon, à la 5e mère. Plus près, il y a le frère de la mère, Quick Davier. Élevé bien sûr par l'élevage du Davier, comme son nom l'indique, a gagné groupe 2 à Merano cette année. En obstacle. À 6 000 euros nous sommes. Et c'est Laura. Non, c'est Laurence, pardon. Alors 7 000, on y revient, parlera. 7 000 euros, à 7 000 euros qui couvre l'enchère de 7 000 euros, 7, 7. À 7 000 euros, Laurence, 8, si vous voulez, 8 000. À 8 000 euros, 8 000. À 8 000 euros par vous, Laurence, maintenant, à 8 000. À 8 000, à 8 000 euros qui couvre l'enchère de 8 000 euros, c'est Laurence qui l'emporte pour le moment. On essaie 10 000, Laura, si vous voulez. 8 000, c'est en face, par Laurence, pas d'erreur. À 8 000 euros, le petit-fils d'Oasis Dream, famille vivante. À 8 000 euros, Laurence, votre enchère, pas d'erreur, à 8. 9, 9.
9000, à 9000, à 9000 euros, à 9000 euros. Il faut mettre 10 en face. À 9000 euros, 9. À 9000 euros qui couvre l'enchère de 9000 euros. À 9000 euros, l'enchère part, vous l'aura toujours à 9000. À 9000 euros, le marteau se lève. Laurence, que fait-on? Non, attends, attends. On met 10 si vous voulez. À 9000 euros, je vous laisse faire un petit instant de réflexion. À 9000 euros, l'enchère à droite à 9000. Pas de regret. Laura, c'est chez vous. À 9000, on est d'accord, à 9000. Bon, on est monté, pardon, on est monté. Doucement à 9000. Laurence, merci de votre aide. Enchère à droite, dernier appel. Le marteau va tomber, il me semble. 9000 euros, Laura, votre enchère. On la juge. 9000, Laura. Présenté par le haras de la Barbotière, le numéro 151, Ars Success, une pouliche grise, née le 5 mars. Elle est par George Vancouver et la Barbacane, dont c'est le premier produit. C'est racheté. C'est racheté. Allez, l'avant-dernier lot du catalogue, George Vancouver, qui a signé tout à l'heure le cut-off price avec la sœur de Pornichet. Nous vous présentons ici la petite fille de Venise, gagnante du prix de la grotte. Venise, ses propres sœurs. Ars Success, c'est le nom de cette pouliche née le 5 mars, présentée par le rat donc de la Barbotière, dans la Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Bien connu dans grande famille, hein, celle de Venise, sa grand-mère, gagnante du prix La Grotte, celle de Fenice, son oncle, vainqueur du Grand Prix du Lion d'Angers, Listed, la famille de Simon des Déserts, Freeway, Toupie. La fille de George Vancouver à 5000, à 5000 euros, à 5000, à 5000 euros, pouliche active. L'avant-dernier lot de la journée, et puis après on finira avec First des Sources, un fils de Hurricane 4 et Rafale des Ongrais. À 3000 euros pour débuter les enchères. Qui m'appelle? Nathalie, 3000, à 3000, 4000, 4000, Laetitia, 4000, allons-y, à 4000, vraie belle famille ici, regardez-la, à 4000, 5000, 5000, 5000, 5000, toujours par vous Nathalie l'enchère, 6 en face, 6, Laetitia, à 6000 euros pour aller à 8, qui met 8? À 6000, à 6000, à 6000 euros qui couvre l'enchère de 6000 euros seulement, vraie belle pouliche, 8000, Nathalie maintenant, 8000. 8000 euros qui prend le relais, Nathalie, par vous l'enchère à 8000, 8000, à 8000 euros pour aller à 10, si vous voulez, à 10000, 10000, Laetitia, l'enchère à 10000, à 10000, à 10000, à 10000 en face de moi, à 10000 euros par vous, l'enchère Laetitia, la fille de Georges Vancouver, à 10000, 10000, 12, à 12000 par vous, Nathalie, l'enchère maintenant à 12000, 12000, à 12000 euros par vous, à gauche, l'enchère à 12, à 12000 euros qui prend le relais à 12000, 14, 14 en face de moi, 14000, 14000, 14000. Pouliche précoce ici, faite en deux ans, à 14000. George Vancouver, à 14000 euros l'enchère par voie, 16, 16, 16000. Nathalie l'enchère de nouveau à 16000. À 16000 euros, faut mettre 18, 16, 16. À 16, 18, c'est fait, 18000, 18000. Allez, 8000 euros par vous, Laetitia l'enchère toujours à 18. À 18000 euros, qui met 20? On essaie 20. L'enchère en face de moi, à 18000 par vous Laetitia, pas d'erreur, rien à droite, à 18000 euros qui couvre l'enchère de 18000, à 18000 euros en face de moi l'enchère à 18, toujours Laetitia l'enchère, à 18, à 18000 euros, Nathalie, que fait-on? Terminé? À 18000, on met 19 si vous voulez, à 18000 euros, Laetitia est par vous, l'enchère est par vous Laetitia, pardon, à 18000 euros, le marteau se lève, rien à droite et pas à gauche, à 18000, Nathalie? On peut être jugé en face? Fini. Laetitia, votre enchère, on est d'accord? Laetitia, on est d'accord? À 18000 euros, le marteau se lève. Dernier appel, pas de regret nulle part. Et on la juge. 18000, Laetitia. À 18000 euros. Pour la première journée, le numéro 152, présenté par l'élevage des sources, First des sources, un poulain B, né le 23 avril par Hurricane Cat et Rafale des Ongrais. Le voici, le dernier numéro de la vacation. L'Espagne qui a acheté. Le mal du Hurricane Cat. La mère a gagné deux reprises. C'est une jeune jument. C'est la famille de Dispersal, notamment gagnant de groupe 1 aux États-Unis. Combien pour débuter les enchères? Le petit-fils de Stormcat par... Monsieur qui est avec Anna Imaseka. Le voilà, monsieur, là, qui est en train de signer. Et à côté, c'est Anna Imaseka, l'entraîneur espagnol. Ah, c'est déjà le dernier lot de cette journée. À 5000, 3, voulez-vous 3, 3 First des sources, un français par Hurricane 4 et Rafale des sources, présenté par l'élevage des sources. Et Rafale des Ongrais, pardon, la mère Rafale des Ongrais. Gagnante de deux courses, sœur de Sacha des Ongrais. Vaut mieux que ça, ce poulain, 3000. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, 3000. La grand-mère est par Kendo. Nous sommes l'enchère par Boulora. À droite, l'enchère, 3000. À 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000 euros. Bon poulain ici par Hurricane 4. 3000 euros seulement, nous sommes. C'est le dernier poulain de la journée. 3,
à 3000 euros. Qui couvre l'enchère 3000 à 3000 euros 3. Qui m'appelle 4. Bon, je crois que cette vente ne va pas être très très longue. Ah si, une enchère à 4000 euros. 4000 euros, qui couvre l'enchère de 4000 euros. Vraiment pas cher pour ce poulain. Bah oui, pas cher, mes amis, pas cher. Un Hurricane 4. 5000 euros, une nouvelle enchère. À 5000. Je n'ai pas vu de, Laura, de nouveau par vous de quel côté 5000. Ça venait. À 5000 euros, 6000, fresh bidder. 6000, regardez, 6000 euros. À 6000, à 6000 euros, 6000. À 6000 euros qui couvre l'enchère de 6000 euros. À 6000 euros qui prend le relais de 6000. 7 à droite. À 7000 euros par vous, toujours Laura à l'enchère à 7. À 7000 euros qui met 8. On met 8. À 7000, c'est à droite l'enchère. À 7000 euros qui m'appelle pour 8. Nathalie, c'est contre vous. À 7000 euros, pas de regret. À 7000 euros, l'enchère est à droite toujours contre vous, messieurs. 8000 par mois. 8000 par mois, l'enchère. À 8000. Ouais, mais dites donc, ça monte. Hein. Bien à droite, Laura. À 8000. À 8000 euros, le marteau se lève. Bon poulain du Hurricane 4 ici, à 8000 euros. C'est le physique. C'est mon enchère. Mais bon, Hurricane 4, c'est un cheval que les gens aiment bien. Qui m'appelle ? Que les entraîneurs aiment bien, notamment. Quelqu'un m'appelle ? Non. 8000 euros, c'est toujours moi, pas d'erreur. À 8000 euros, le marteau se lève et on va la juger. Rien là, fini Laura. À 8000, pas de regret, là-haut l'enchère. Dernière fois, on la juge. 8000, monsieur Kevin Borgel. 8000 euros, c'est Kevin Borgel, le Marseillais, qui s'est fait adjuger le dernier lot de cette journée. On va se retrouver demain à la même heure, sous le soleil, non point de Mexico, mais de la Teste. Tandis que ce soir, nous avons la grande soirée organisée par Osarus. Alors, on espère qu'on va réussir à se lever, bien sûr, parce que les soirées d'Osarus, ce sont des soirées où on s'amuse. Demain, à midi, sans blague mise à part, à la même heure et de bonne humeur, on se retrouve ensemble pour la deuxième journée de la vente de Yearling Osarus, ici même, à la Teste. Ciao, à demain.